volume ici. Et voici le téléphone. Maman, depuis aujourd'hui, là, j'étais très occupée. Hé, hey, mes fans, oh, j'étais très occupée, pardon. Faut pardonner, je suis venue en retard, faut pardonner. Faut pardonner, oh, pardon, Chicho, pardon, pardon. Si vous venez à dans le Japon, pardon, faut pardonner mes fans. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'essaie de venir à l'état dans le Japon, faut pardonner. Pardon, pardon, faut pardonner. Je suis en retard, pardon. J'avais les choses à faire. Vous savez qu'il y a les choses importantes. Tu fais d'abord avant de venir faire le Japon. Donc, j'étais occupée dans les choses importantes. Pardon, faut pardonner. J'étais occupée dans les choses importantes. Maintenant, mais voici les attaques. Ouais, je suis en retard. Ouais, s'il y a les gens qui dorment, papa, attends, faut pas donner. La mère vient en retard. La mère qui a plié, me t'a en deux. Quand c'est divisé, comme ça, bam! J'ai divisé mes temps comme ça, bam! Un tour. C'est moi. La mère qui a fendu mes temps comme ça, chouette! C'est pas la peine de taguer l'autre là, je l'ai bloqué. Hein. Tu la tagues, je l'ai bloqué. Elle a créé un nouveau compte ou quoi? Quand vous la taguez ici, faut pas la taguer, elle est bloquée. Comment vous taguez les gens comme ça? Mais attends. Éternel est mon berger, tu tagues qui comme ça? Appartement souris? C'est moi. Je me tague pas appartement souris ici. Ntochiku. Tu tagues un Ntochiku ici là. Dans tous les gens que tu connais sur Meta, c'est un Ntochiku que tu as vu venir taguer. Enlève-moi le tag, elle a très très vite, parce que peut-être bloqué. Tu n'auras plus la chance de voir la plus bio de sa génération. La charismatique, authentique, vraie et réelle. C'est qui tape sec. Que ça soit comme ça qu'on prend sur lui. On dit que quoi? Ah, venez me dire, c'est chaud. Ouais, Seigneur, on dit que quoi? Ouais, 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 ouais. On dit que quoi? Ouais, que je vais commencer. Où est? Ouais, je vais commencer. Où est? Ouais, vous-même, dites-moi. Je vais commencer. Ouf. Et finir. Ouf. Ouais, que je vais commencer. Où est? Je vais commencer. Où? Ouais, j'essaie moi comme ça. Trop de choses à faire. C'est-à-dire qu'une journée de 24 heures n'est pas assez pour la maman. La maman, la maman. La maman, la maman. Celle qu'on ne présente plus. Ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as appris la maîtrise? Pourquoi tu m'as appris l'art de la parole? Pourquoi tu m'as appris de connaître comment? Hein? Ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as appris ça? Hein? Quand tu as appris que les autres vont vers l'école, moi je vais à l'école. Pourquoi, Seigneur? Ouais. Je commençais par partager. J'ai dit que j'attends le nom. Ce n'est pas 500, je ne parle pas ça à qui. Et même s'il dort, me réveille. Dites que. La patronne, la vraie patronne, même celle qui a plié comme ça, elle a. Les retranscriveurs, je vous salue. Mais depuis vos positions, c'est moi. Partagez, vous n'avez pas encore partagé, c'est comment vous me regardez, c'est moi. Ouais, c'est la belle femme que je suis. Il n'a pas partagé, partagez, partagez, partagez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, bipé, c'est qui dort. Ouais, on va mettre la tête où. On doit se réveiller à un nouveau dossier. Et à que les noulières. Ouais, Seigneur. Nous, on a tout mis à tarder là, tu me peux te savoir, mais je nous fais pour les man. Eh, Seigneur, c'est quoi ça? Vous êtes sérieux? L'affaire qui arrive à n'y attarder arrive à beaucoup de gens ici. Ouais, vraiment. Ouais, je dis que. Marco, mon beau de beau. Ouais, le bon. Ouais, partagez, pardon. Dis aux autres qui sont là, allez dormir, que la mère avait les choses à faire. Vous savez qu'une journée de 24 heures n'est pas assez pour moi. Vous savez, je suis quand même une globe trotteur, une galactique, une reine mère. Tout ce qui est au-dessus hein, de la mêlée, c'est moi. Ouais, ouais. Wende maniaka bobe. On commence par où? Moi, je ne sais pas par où je vais commencer parce que... Non, c'est chaud. Hey. On commence par où? Dites-moi un peu. C'est bon à moi jusqu'à... Je suis obligée de rire parce que je pleure. Parce que c'est le deuil. Qui est mort, maman? J'ai enterré les morts dernièrement. Dieu me donne congé. Hé, hey, chabé. Mon maman, elle a une suite tabac. Je vais manger mon tour de là. Ouais, vous comment? Ouais, vous comment? Ouais, nous, on a un chum. Il y a un chum sur mon Facebook.
On a un chouïa d'aller chouper chez nous Facebook. On a un bon dossier de Christian. Vous tout d'abord, vous êtes bien là. Où est-ce qu'on est? Ou un accro. Ou celle qui lutte pour les étoiles et vient dire que c'est moi. Oh 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 oh. Ou les pleureurs des étoiles vient dire que c'est moi. Oh palo. Ou même ton tau. Ou même mungao. Oh 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 oh. Ou vous coupez. Ou grand dieu que tiens. Ou bouillaba yaboulou. Ou vous grand dieu que tiens. Ou bouillaba yaboulou. Ou vous grand dieu que tiens. Ou vous choumou. Ou vous choumou. Oh, vous choumou. Oh, vous choumou. Oh, bonjour, Mako. Oh, Mako, ça a pu. Hé, 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 hé. Oh, le dossier, oh. Le dossier de l'arnaque. Et on commence par où, eh? Parce que moi, je voulais parler à Flo. Ouais, je voulais parler à Foko. Je ne sais pas où je commence. Vous-même choisissez, oh. Oh, 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 oh. Partagez le direct. Le nombre aujourd'hui, c'est 500. Parce que moi-même, je demande maintenant le nombre. Je veux 500. Oh, ouais, j'ai pas mon amour, oh. Oh, même sur le Toronto, j'ai dit que je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, comme t'as tué Michidelo. Oh, la photo de profil que tu as, j'aime beaucoup. Oh, comme t'as tué Michidelo, qui t'a envoyé de supporter la mer. Oh, la mer, elle est juste. La mer est dépassée. Notre. On commence par où? Mako, si tu es là, je commence par quoi? Mako, ce que tu dis, c'est ce que je vais faire. J'ai mis trois choses. J'ai invité Fukui. J'ai invité Village de Babou. Et j'ai invité Tonga. Vous voulez quelle? Ouais, Seigneur. Comment vous pouvez faire ça que. Je ne peux pas me reposer. Oui. Oh, beaucoup beau. Oh, que la famille, là, ma famille, bah, pour un canto. Oh, que la n'y a pas de banjo. Oh, banjo, que l'eau. Banjo, mon yo. Banjo, yon, chouva. Yeah. On fait comment? Dites-moi vite ce qu'on peut faire. Oh, 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 oh. Je vous dis que j'étais occupé. Oh. J'étais en train de faire les choses. J'étais occupé de faire les choses de ma propre vie. Oh. Parce que ma propre vie, si je ne fais pas, qui va faire pour moi? Oh. Et puis, je suis venu maintenant vous voir. C'est chaud. Je commence par quoi? Vous êtes une bénie du ciel dans cette affaire. Parle bon. Oh, parle bon. Oh. Parle bon, Dieu, ils ont mes prières. Oh, Chabaya aussi. Oh, il y a un homme qui est là. Oh, Chabaya. Je ne connais pas comment un gâteau. Je connais seulement arranger. Oh, je ne connais pas comment un gâteau. Je connais seulement arranger. Oh, 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 oh. Oh, nous, Chumo. Eh, hey, je commence par où? Pardon, dites-moi vite. Je suis dépassé. Oh, les 500 personnes sont déjà là. Oh, le nombre est arrivé. Oh, envoyez le cœur pour les 500 personnes. Je commence par qui, eh? Je commence par qui? Oh, 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 oh. Tiens, tiens, pantalon est entré. Tiens, tiens, pantalon a fait quoi? Oh, oh, oh. Oh, ma belle sœur Marie Noël. Oh. Dis-moi vite, ma chérie. Je commence par où? Yeah. Yeah. Oh, vous, coupez. Pardon, Pipé, réveillé. Les autres dorment déjà. Je suis venu en retard. Je devais venir tôt. Mais ce n'est pas grave. Mako, qui peut même me donner le nom par où je commence? Oh, je suis en vous. On se chausse, il y a en vous. Oh, c'est pas ici, c'est pas là-bas, c'est pas ici. Je commence par où? Oui. Eh, ma belle sœur Marie Noël, nous chouma. Maman, on a chouma, t'as des chouma famille. La famille est en train de descendre comme ça. Boum, 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 le déclin. Le déclin. Tout ce qu'on fait pour détruire, voilà ce que ça donne. Je fais comment? Je commence d'abord un peu au village de Fukui. Ou bien je fais comment? Je dépose d'abord le village de Fukui. Je fais comment? Dites-moi un peu. Ouais, Flore, toi, mais tu penses que je commence par quoi? Ouais, Seigneur. Ouais. Captacho, le bracelet électronique là. Parce qu'il y a un petit trait sur la cheville, je ne comprends pas. C'est le tatouage peut-être de sa mère aussi. Tu sais que c'est les gens qui ont perdu leur mère. Les nous comme ça, nous on avait. C'était pas nos mères qui étaient mortes. Je ne sais pas c'était les qui. Je ne sais pas. Mais elle là, peut-être que c'est le bracelet de sa mère qui est sorti. Parce que le papier là est noir, hein, genre. Oh 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 oh. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, nous sommes assis par terre. Oh, 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 vous coupez. Oh, envoyez les cœurs pour vous-même. Oh. Envoyez les cœurs pour ceux qui ne dorment pas, qui parlent. On va commencer par quoi? Dites-moi, il y a des noms là que s'ils écrivent ce qu'on commence, commence par ta meilleure cliente. Mako. Ouais, Seigneur. Ma meilleure cliente. Mako. Ouais, ma meilleure cliente, c'est Fukui. Flo, imagine à quelqu'un me couler. Donc, on va commencer avec Flore Magina Kinkamkoulia. Flore, je te salue, ma soeur. Depuis ma collègue voyageuse, depuis Miami, je te salue, ma soeur. Franchement, on dit que Tintin Pantalon, non. Elle, là, on va chuter avec elle.
Le coquille a cuit. Le coquille a cuit d'un côté. Je te salue, ma collègue voyageuse Flore. Ta sortie d'hier là, non? C'est une sortie carabinée. Tu sais que toi, c'est toujours quelque chose qui est son contraire. En mettant un peu les choses pour te victimiser, amener la balle sur toi et tirer par manière. Et ça là, Titi Pantalon n'a pas pris ça parce que Titi Pantalon est frustré. Elle dit que merde, tu sors plus de les conseils. Tu es qui? Tu es qui pour lui donner des conseils? Titi Pantalon est vexe, Flore. Aux dernières nouvelles, elle est vexe, la magie. Sa chinda congolaise qui fait le direct. On m'a pipé là-bas aujourd'hui. Je l'ai trouvé en direct en train de te laver, Flore. Pourquoi tu es sorti parler? Qu'il fallait que tu parles de la chèvre, l'ambre. L'ambre. Il fallait que tu parles de l'ambre. L'anjaco, elle est bien. L'anjaco, elle est bien. Je vais dire à l'anjaco que l'ambre est perdue. L'anjaco, elle est bien. L'anjaco, elle est bien. Je vais dire à l'anjaco que l'ambre est perdue. Non, on va chuter. Avec le Canada, parce que c'est mélangé avec Tintin Pantalon. Comme c'est la même famille, on finit avec eux. Oui, on finit. Oh, mais on a une impératrice qu'une, oh. Oui, non, 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 non. Impératrice qu'une, ça a cuit. Ça a cuit jusqu'à tac. Eh, ma Mimi, oh, ma beauté, Mimi la blanche. Ça a cuit jusqu'à tac. Oh, ma Zéline, oh, tu es où, oh. Ça a cuit jusqu'à tac. Ouh, la Django, elle est bien. La Django, elle est bien. Je vais dire à la Django que l'ambre est perdue. L'anjaku, elle est bien. L'anjaku, elle est bien. Je vais dire à l'anjaku que l'ambre est perdue. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Je dis que la chinda congolaise, elle ne peut pas respecter. Elle ne peut pas comprendre que. Tiens, moi, bipé là-bas, j'entends la chinda en train de parler. Elle gronde de Flore. Tu grondes de Flore. Faut dire qu'elle est la patronne. Elle est en vacances à Miami. Je te salue depuis ta zone de vacances. J'espère que tu enjoys les plages, hein. Ou bien tes bandes que tu mets au corps là, tu peux pas encore exposer. Tu sais que vous là, après la chirurgie là, on fait attention. Parce que les bandes là, faut bander le corps, faut bander. Tu peux pas encore sortir comme ça. C'est pas facile, hein. Soit il faut dire la vérité, oh. Oui, c'est mal. Comment? Oui, l'anjaku, mon impératrice queen de Toronto, ma personne personnelle à moi, ça a cuit. Tu as entendu? Ça a cuit. Je viens le chantier. Le dossier atterrit chez moi que tout. Je prends le dossier où je laisse. Mes fans, je dis que c'est grave, Zéline. Ça veut dire que affaire sur mollet de moustique, c'est très grave. Je prends le dossier, mon impératrice queen, ou je laisse. Voilà. Mako, je prends le dossier ou je laisse. Vous savez que je vais prendre. Évidemment. C'est évident. C'est évident. Je vais prendre. C'est évident. Je vais mettre à niveau. Je prends ça qu'avec deux mains. Mon impératrice, je prends ou je laisse. Je dis que je prends le dossier. C'est que c'est ça. N'a béni, ça a cuit. Je prends ça. Voilà, mon impératrice dit que je prends. Il y a les gens ici, quand ils me disent seulement prends, je prends. Zéline, je prends le dossier ou je laisse. Prends. Je tiens ça. Je dis que Mako, le bon dit que prends mon oratrice. Voilà, Mako est là. Mako dit que tiens ça. C'est qu'arrivé à Nyata, il est arrivé aux gens. Du coup, te mens. Ouais, mon bébé Mimi, ma blanche, prends seulement maman. Prends seulement maman. Parce que dans la vie, les choses qui ne nous tuent pas nous rendent fortes. Très, très fortes. Et je suis devant vous très forte. Très, très forte. On ne laisse rien, mon unique. Non, on ne peut pas laisser le dossier là. Mon inbox, c'est comme ça. Je dis que je vois seulement mon téléphone faire pip, 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 pip. Ma chouvin tour, pip, 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 pip. Je peux laisser. Je peux laisser. Ça a commencé avec le bracelet. Le pied est un peu noir, un genre. Mon impératrice, j'ai un peu zoomé. On dit qu'on fait la compagnie de l'air de toilette. Mais dans le Jansan, là, on n'a pas pu enlever la courroie, la corde que le pied a chassée. Mais je vois comme si, peut-être que c'est tout le nom de la mère ou le collier, le bracelet de la mère. Qui est... Parce que c'est des gens que pour eux, leur deuil les fait mal, hein. Mais ils insultent les dépouilles des familles des gens, hein. Ils insultent les dépouilles des gens, hein. Les familles des gens, ça réfléchit, mais leur deuil les fait mal jusqu'au. Elle, peut-être, c'est le bracelet de sa mère qui est sur son pied. Parce que j'ai vu le pied de Toto, j'ai dit le pied là. J'ai zoomé, je vois que c'est un peu décoloré, genre. L'eau est tracée, l'eau n'est pas tracée. Peut-être que le bracelet est serré d'un côté, desserré de l'autre. J'ai pris le dossier et en lieu sûr. Maintenant, frigorifié le dossier, c'est dans le frigo. Oui, c'est dans le frigo. On ne peut pas laisser le dossier là. Yeah. Non. Vous êtes sérieux? Je ne peux pas laisser le dossier. Vous, vous pensez que quoi? Je peux laisser le dossier là? Jamais de la vie. Jamais. Mais avant, je parle d'abord à ma soeur.
pendant que les autres arrivent. Bipé, réveille les gens s'ils dorment, dis-leur de se réveiller. Je salue la retranscription. C'est votre famille. C'est la tante de la nièce, de la cousine, troisième degré, dixième degré, c'est les vous. C'est tout vous. Ça peut tomber sur vous. Voilà. L'autocène ne laisse pas. Parce que c'est sutil, c'est le pantalon. Sa tante sorcière, Toto, ne peut pas laisser. Et la rêveuse Binda, je ne peux pas laisser. Vous voyez mon chéri, que vous prenez, vous balancez, vous faites danser le dandy. Un monsieur debout, Ndombe, Ndomenche, Landomen, vous jouez avec. Mes filles, vous jouez avec, ne peut pas laisser. Je tue dans mauvais rêve, mes chéris. Je tue dans mauvais rêve. Zéline, Toto Tonga. Mana la tonganaise, la totonaise, la bobdanaise. Manga la bobdanaise, c'est une bobdanaise. C'est qui a pris monsieur le bon, il voulait faire comme Bobda fait aussi au Cameroun. Séquestrer l'enfant de tuy. Mana la bobdanaise. C'est chaud. Comme la PDG des plantains, virgule, elles se sont passées pour des agents d'immigration. Et dans ce passement-là, virgule, au lieu de passer le numéro des autorités compétentes qui gèrent l'immigration, virgule, elles ont commencé à encaisser l'argent des familles. Point. Vous comprenez? Je dis qu'elles ont commencé à encaisser l'argent des familles. Vous comprenez? C'est terrible. C'est terrible. Non. Elle vit encore, ma fille Zéline. Mana la bobdanaise. Elle a bobdatisé par le bon. Correctement et bien, en mettant ses pieds sur sa tête pour fuir, s'il comprenait. Et l'argent qu'elle devait prendre des allocations, c'était pour acheter les sacs à main, coco. Nous connaissons l'histoire. C'est à nièce, cousine perdue, retrouvée, car ma nièce de degré 25, non. Binda, hein, la rêveuse. Maman, elle est ancrée sur ça, supporter sa tante dans aveuglement comme ça, là. Maintenant, voilà la tante qui a frappé. C'est-à-dire, elle a continué ce qu'elle faisait depuis le Cameroun. Parce que c'est une bandite prisonnière en cavale sans issue. Quittant le Cameroun, était déjà en prison. Oh, on la mettait déjà en prison dans les archives de son premier nom. Son premier nom, c'est qui? Paulette. Paulette. Pas Cynthia. Elle s'est mise Cynthia pour rabaisser l'âge, être comme dans les noms. Parce que les prénoms Cynthia sont arrivés hier, hier. Il fallait qu'elle se rapproche des prénoms hier, hier. Paulette, les prénoms. Un prénom lourd. Paulette. Son prénom. Paulette. Paulette a fait quoi? J'ai dit, ouais, Seigneur. Mana la bobdanaise qui a bobdatisé par le bon en mettant ses pieds sur la tête pour fuir, virgule, a frappé une personne sur l'immigration. Comme la PDG des plantains, celle qui mangeait 15 boules de couscous, son ventre comme ça. Bientôt, Flore va lui montrer la route de la chirurgie. Ouais, vous écrivez, dictez, ne crichez pas, on ne criche pas ici. Arrêtez de tricher. Agathe, c'est qui triche? Hein? Afam, arrête de tricher dans le cahier d'Agathe. Dictez. Afam, arrête de tricher dans le cahier d'Agathe. On a donné le temps de réviser. Paulette. Paulette, un lourd prénom. Paulette, prénom Lele. Mana, Paulette. Mana la bobdanaise. Paulette la bobdanaise. Mais ici, elle s'appelle Cynthia. Parce que les Cynthia ont un certain âge. Elles ne sont pas dans notre âge d'avant. Mais la bobdanaise est dans pour nous. Ouais. Ouais. Dictée. Est-ce que parle bon à son cahier? Marco, tu as ton cahier. Parce que la dictée, si tu l'as écrit ça. Paulette. C'est son nom. Paulette. Les loups prénoms. Les prénoms lourds. Mana, la bobdanaise, a bobdatisé la vie de Papa le Bon. Je vois l'occupation pour avoir l'énergie, le cardio. Même au niveau du développement cognitif, tout est fait dedans. Avec la vitamine C, l'occupation de la vitamine C, liposomal. Tu as ton cahier, Papa le Bon. Parce que la dictée, sinon, on va écrire ça. Est-ce que Flore est dedans? Flore, si tu es là, signale-toi. Parce que tu dois faire la dictée si. Hey, c'est toi qui nous avais d'avoir mené que ta baisse a pris, non, Flore? Ta baisse perdue et retrouvée qui te doit encore l'argent à la soirée, là. La PDG des plantes. C'est elle qui mangeait 10 bouts de couscous. Flore,
Le bon triche dans ton cahier. Hey, le bon arrête de tricher dans le cahier de Mimi. Le bon arrête. J'ai donné le temps de réviser la dictée. Tu devais bien noter tes choses. C'est quoi que tu triches, le bon? Le bon arrête de tricher dans le cahier de Mimi. Mimi dit que tu triches. Elle a bogdatisé la vie du père. Zéro paix. Elle a bogdatisé la vie du père. Zéro paix. Le père mettant ses pieds sur la tête pour partir, ne comprenait plus. Ouais. Non, c'est grave. Non, mais sérieux. Nous rions, mais les familles sont en train de pleurer. Voyez-vous, dans la vie, vous comprenez, on dit toujours, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et quand tu as les yeux de convoitise, tu veux vite arriver, tu envies les gens, tu veux traverser, tu veux vite atteindre des objectifs et tu te moques de ceux qui vont lentement, sûrement, eh bien, c'est le résultat, c'est ça. Ouais. Oshiga, tu recopies dans le cahier de Agathe. Ce n'est pas possible. Est-ce que Patouchou est là? Patouchou, c'est elle la surveillante. Patouchou, promène-toi dans toute la classe. Surveille les tricheurs. Afam, tu triches dans le cahier d'Agathe. Arrête de tricher. Ah, mof. Non, ça c'est le cardio. Le tout sinon. Ouais. Non, je ris seule parce qu'elle est enfant béni. Je ne peux pas pleurer. Ce qu'on a que de parler, non, je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est grave. Figurez-vous que le Canada, c'est un pays, n'est-ce pas, qui donne à tout le monde de se réaliser. C'est la terre promise, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et l'immigration au Canada a un peu lâché, a été un peu laxiste ces derniers temps. Il y a vraiment eu beaucoup de lâcher prise au niveau de l'immigration. Et parce que, bon, avec le projet du... Ils ont une façon d'appeler le BRICS ou c'est quoi. En tout cas, ils avaient un projet là où il fallait recruter à l'international pour essayer d'augmenter aussi le capital. En tout cas, le bon peuple m'écrit une petite phrase qui couvre ce projet, qui faisait que les gens pouvaient être n'importe où et avoir le permis de travail pour venir travailler ici. Oh, Afam, arrête de tricher. Bloquer man à la pop danaise, à la poudre, ils ont déchiré nos feuilles. Elle a baptisé par le bon. Oh, bloque là. Patouchou, tu surveilles à la porte. Patouchou, tu surveilles à la porte. Mana, la bobdanaise ne peut pas tourner ici. C'est pas possible. Elle ne peut même pas. Elle marche. J'ai dit que la ceinture a crassé, le bracelet a crassé. Et si on voit ta vidéo que tu as enlevé le bracelet là, parce que c'est noir. Comment c'est noir si vous n'avez pas zoomé? Le pied est noir. C'est genre, merci ma chérie pour le compliment. Je suis toujours belle. Mon chéri m'a dit que j'étais belle. Sors de ma veine. Les vieilles jeunes peuvent mourir. J'ai dit que Patouchou surveille. Si Toto ancre ici, tu appelles la police, tu diriges son arrivée à la police. On ne veut pas de Toto ici dedans. Ouais. Non. Afam, c'est grave. Mana a bobdatisé la vie de Palobon. Pas zéro paix, en mettant ses pieds sur la tête pour fuir, ne comprenait plus. Et au jour d'aujourd'hui, elle a bobdatisé l'argent des voyageurs. Maman, les gens ont pris l'immigration chez elle. Hein. Les familles se mettaient ensemble pour cotiser. Que bon, on va envoyer d'abord telle. Elle est allée les convaincre. Elle allait au pays là. Elle marchait partout, elle collectait les dons. Oui, le dépôt, les ceci. Elle a lancé un truc comme ça. Et elle a ramassé l'argent des gens. Maman, les plaintes de ça. Mais si vous allez avec son nom, Paulette. Paulette, tant que Paulette. Tant que Paulette. Paulette, tant que. Elle avait mis Love sur ça pour rendre ça encore un peu joli. Parce que Paulette était trop vieux. Elle s'appelait tant que Paulette Love. Avant. Et maintenant, c'est devenu tant que femme pour Paola Cynthia. Tant que femme pour Paola Cynthia. C'est son autre nom d'ici. Yébé. Moi, la beauté, c'est que quelque part, je prononce les noms. Parce que je ne me cache pas. Dieu sait, c'est la somme des choses qu'elles m'ont fait. Ça les choque trop, elles vont me porter plainte. Et moi, je vais aller, quand on va m'appeler madame, je dis oui, monsieur, et je réponds parce que je connais m'exprimer. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Avec preuve à l'appui. Ouais, Patouchou, tu écris les noms des tricheurs. Moi, je ne vais pas les babattre, c'est les tricheurs parce qu'on est en mode dictée. Vous comprenez qu'au professeur, je salue les retranscripteurs. Mon pion, clin d'œil. Celle-là qui a les joues pompées, la vipère avec les joues pompées, si bon cas des deux bords. Mémé, avec l'appartement Chico là, trop Chico. Avec l'appartement trop Chico. Clin d'œil. On me dit que Malofombo, parce que voilà ma tête, elle est ronde, le Fombo, ça part comme ça. Ça. Malofombo est venu, elle s'est pris la tête avec sa bosse. Les deux discuteuses d'étoiles dans leur team. Elles disent que c'est moi, qu'il faut voir comment ils font 45 minutes. Une, il manque encore 3 minutes, mettez les étoiles, il manque comment elle dit que c'est moi. Depuis, vous êtes demandé les étoiles. Non, maman.
Je parle seulement. Si l'étoile, je dis merci pour les étoiles. Elle demande les étoiles jusqu'à... Jusqu'à... On dit qu'elle a récupéré sa patronne comme ça. Oui, parce que sa patronne a osé. Vous savez que Dorcas, il y a confiance. Là, le faubourg, ça panne pas, pas loin. Elle n'a personne sur sa tête. Elle est comme moi, là. Personne sur sa tête. Quand tu fais gros comme si tu veux être sur sa tête, elle te dépose. On dit qu'elles se sont pris tchoupé, tchoupé. Elles ont dit qu'on va se parler au quartier. Connaissant le lot, il n'y aura plus de quartier qui tienne. Donc, c'est noir, c'est gâté. Affaire que j'avais dit à Côte d'Ivoire, c'est vrai. C'est vrai. Vous ne pouvez pas marcher avec une villageoise. Et là, aujourd'hui, c'est gâté. C'est gâté. Kalala, en direct, elles se sont pris la tête correctement et bien. Oui, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, là, c'est chaud. Ça a cuit. Ça a cuit. Mal, mauvais. Aujourd'hui. Maman, voilà que les familles ont tellement cotisé. La fille est calme. Vous voyez une femme qui est venue sur les réseaux avec son mari. Nous aussi, ici, à Montréal, on était tranquille. Comme je vous dis, à Montréal, on était une famille. On formait un. Tu pars ici, tu ne pars pas là-bas. Il n'y avait même pas trop de choses. C'était vraiment tranquille. Elle est venue tout foutre la merde. Elle a pris le net. Elle mettait tout le monde exposé. Aujourd'hui, j'ai une page de 15 000 abonnés avec la monétisation qui est de oh, ben, c'est bon, maé, sortons-toi. Elle a 15 000 abonnés. Elle ne fait pas la monétisation. Elle abandonne la monétisation. 15 000 abonnés. La monétisation est versée de oh, sortons-toi. La page de 15 000 abonnés est laissée. C'est parce que son visage apparaît quelque part. Les gens qui vont venir faire le recensement de leur dos vont venir. Donc, il ne faut même pas se présenter sur les réseaux. En les disant que oh, j'ai mal au pied, oh, je suis malade. Tu vois, je ne suis même pas connectée. On va dire oui, c'est vrai. Elle était souvent connectée. Elle n'est plus connectée. Donc la maladie, là, la menace. Comme on a parlé de bracelet. Hé, Kamtachou, qui es-tu? Kamtachou, qui es-tu? C'est Kamtachou qui nous a amené. Oui, dans l'équipe de Tintin Pantalon. C'est Kamtachou qui nous a amené l'affaire de bracelet. Comme toi, tu as écrit ça depuis 3 jours, elle écrivait ça partout. Pas le bon a pris ça. Hé, hey, pas le bon, un gars qui était bon baptisé, mon frère. Il a pris ça, il a parlé de sa sauté. Voilà que la sortie pour venir faire les you, ma you, you, ma juju, ma you, you. Il paraît que ma you, you. Maman, dès qu'elles sont sorties, bing, les créanciers ont se dit que donc, elle a 6 ans comme ça sur le canapé à cuire avec notre argent. Hein? Hein? Yeah, dans l'équipe de Lolo, c'est chaud, mon bébé Zéline. C'est chaud, c'est gâté. Dans l'équipe de Lolo, c'est Tintin Pantalon. Oui. Wow, oh, oh, oh. J'ai dit que Dieu est bon. Dieu répond toujours à la prière du juste. Ce qui est en train de se passer ici, c'était la réponse du bracelet. Mieux est restée, elle, au quartier. Mieux est restée au quartier, vous voyez comment? En voulant toujours venir faire. Parce que la vidéo, c'est pour dire que voilà, dit que bracelet, voilà mes pieds. Oh. Voilà mes pieds. Les gens disent que, hein? Tu nous avais dit que quoi? Que tu es malade, non? Que tu es malade. Hey, Kamtachou, tu connais. Kamtachou, l'affaire de bracelet. Tu as même demandé que l'affaire de bracelet, là, c'est quoi? L'affaire de bracelet, c'est quoi? Non, je dois être retranscrit. Je salue tous ceux qui retranscrivent. Vous ne diminuez rien à mon âge. J'ai 1015 personnes en direct. Ça veut dire que votre retranscription enlève seulement la gangrène que vous êtes. Parce que même si vous ne retransmettez pas, je n'allais pas les voir puisque je bloque tellement. Voilà. C'est normal. Je salue les retranscripteurs. Ouais, Maureen, elle est sortie. Et quand elle est sortie, les gens qui ont son argent, qu'elle a l'argent, ont dit que yeah, la voici. Ils ont dit, donc elle est en forme, juste à sa première. Ma Juju, et la gamme de produits que tu vas sortir bientôt, on a dit, hein? Donc notre argent, c'est déjà pour la gamme de produits. Nous, on n'a pas les visas pour voyager, maman. Donc notre argent, c'est déjà pour la gamme de produits. Nous, on n'a pas les visas pour voyager, maman. Hé! Hey. Oh 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 oh, on a chumbi à tarder chumbo, on a chumbi à tarder chumbo, oh 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 oh, on a chumbi à tarder chumbo, on a chumbi à tarder chumbo, ding ding ding. Mama, oulala, j'ai dit que le feu a pris en ténébreux, les ténébreux, les ténébreux. Ouais, j'ai dit que les ténébreux, ça a pris sur vous. Maman Pion, tu fais comment avec le dossier? Tu vas soulever ça comment, maman? Hey! Oh, moi, je ne suis rien. Oh, laissez l'enfant de sa mère tranquille. Elle se cachait. Elle se cachait, Kamtachou. Kamtachou, toi, tu as pris affaire de bracelet ou ma fille? Yo, Kamtachou, on dit toujours que c'est moi qui a le profil là, Mba. Kamtachou, affaire de bracelet, c'est toi qui as commencé. Et comme parle bon pour lui, c'est zéro paix.
Maman aime bobdatiser, c'est-à-dire qu'elle allait bobdatiser le père. Le père, quand il entend seulement, il est seulement au rebond. Un genre. Ah, le bon est sorti. Que quoi? Maintenant, elle est venue. Ma Gigi, montre ton pied, ma Gigi. Je suis venue voir. Ma Gigi, est-ce que tu as un bracelet? Est-ce que ma Gigi, dans les doucoutements, dans les vantadises de Gigi, les gens qui devaient l'argent, les créanciers sont sortis. Oui, les créanciers sont sortis. Oui, ils sont tous sortis. Eh oui, on veut notre argent. Je suis là, je vais bien. Est-ce que tu as le bracelet? Regarde mes pieds. Bientôt ton lait sort. Hein? Dans notre argent fait à la compagnie de lait de beauté. Hey, remettez notre argent. Mon inbox est comme ça. Le dossier, c'est, je prends ça où la main, avec fierté. Oui, non, il y a famille. Oui, il y a belle famille, mais il y a son nous mettant gratuitement. Je dis qu'avec fierté, je soulève ça où la main. Quand ma part vient, je vous donne l'ordre de prendre. Pour celui-ci-là, comme un pion, je suis sur ça comme ça. Où la main. Puis il y a famille, il y a belle famille, il y a tout nous mettant gratuitement. Moi, je veux l'ordre de vous, nous miroir. Je me regarde le miroir et je dis que, mais Seigneur, Seigneur, je dis que c'est grave. Oui, oui. Vous avez que parler banante. Bien, tout le monde là. En langue nationale. Tout le monde là. Tout le monde là. Je dis que Sokoto. Les créanciers sont dans mon inbox. Sokoto. Les filles, je dis que Sokoto. Les filles ont encaissé. Donc, PDG des plantes, elles se sont passées pour des consultantes en immigration. Encaisser l'argent des familles comme ça partout. L'argent est beaucoup. Elles ne peuvent même pas rembourser. Même en travaillant 20 ans, elles ne peuvent pas. Je dis même 20 ans, elles ne peuvent pas. C'est grave. C'est très grave. Et les voir cela. Ça dit que se l'ouvrir sur la digne fille du dé que je suis. Viens les voir se l'ouvrir. Non, t'en lui, mon nom dans leur bouche. Je serais dit que, ah bah, j'ai même fait comment pour trouver les gens. Ça n'a pas moitié qu'on a fait là, mais maintenant. Mais bah, vous feuillez, moi. C'est qu'on sort d'où, maman. Yoï, comme au pion, tu comprends? Vous avez le chantier en ténébris. C'est la tante de la patronne de la ténébris. Ndo, Ndo depuis le Cameroun. Bandit de grand chemin. C'est pas la blague. Et voilà. Les gens sont en train, les familles sont en train. C'est comme le deuil. Le deuil dans les familles. Non mais franchement, on ne fait pas ça. Dans un Canada comme celui-ci, un pays de respect des droits de l'homme et de liberté. Vous venez faire ça. Vous êtes où ici? C'est une république de bananerais. Comment vous pouvez faire ça? Tu ne piges rien, Fallon. Ouais, ça dit que c'est une personne qui a 10 apias de métal. On l'appelle Toto, la bobdanaise. Ouais, comment je vais faire pour expliquer? Comment j'explique que mes gens ne comprennent pas? Vous me donnez, je vais travailler beaucoup. Hein. Je dis que c'est versé son coton. C'est versé dehors, sok-sok. Sokoto, sok-sok. Tu ne comprends pas. Ha. On va leur faire comment pour expliquer ça. Parce que j'explique depuis, vous ne comprenez pas. Vous êtes mille combien, vous ne comprenez pas. C'est qui ne comprend pas? On va relire la dictée. Qui ne comprend pas? Levez la main. Pas tout, mais note les élèves qui n'ont pas compris. Je refais la dictée. Gladys, ta phrase c'est pour qui? C'est pour moi ou c'est pour les ténèbres, la ténébrie? Non, tu vois deux. Tu ne comprends pas. Karine ne comprend pas. Karine, on va te mettre dans le côté faible. Côté fort, côté paresseux, côté fort, côté paresseux, côté fort, côté paresseux. Karine va aller dans le côté paresseux. Elle ne comprend pas. Côté fort, côté. La grande villageoise aussi d'Abiawa, elle ne comprend pas. Côté fort, côté paresseux. La dictée est au milieu. Mimi relit la dictée. Non, mais franchement, on est sérieux là. C'est pas la blague. Les familles, vous savez déjà comment nous sommes dans l'ère de l'inflation. La vie est tellement devenue difficile. Je vous assure que ici à Montréal, la goutte d'huile qui coûtait 20$ est passée à 50$. Le carton de plantain mûr qu'on achetait à 22$ est passé à 78$ ou 70$. J'ai dit le plantain mûr qu'on fait frire. Le plantain colonaca.
Le sac de riz qu'on achetait à 32 dollars, le riz avait la tête de bœuf. On a dit pour moi 50 dollars, il y avait 40, combien, non? Oui, sérieusement. Sérieusement. Je te bloque. Prends-moi sa tête. Je cherche quoi, Mambo? T'as même si les caleçons sont 10 kilos. Il y avait un blocage, non, Mongoli. Vous venez écrire quoi? Si vous perdez, vous prenez le risque de ne plus voir la plus bio de sa génération. Quand vous promenez dans le métal, vous avez vu des gens comme moi. Est-ce qu'il y a beaucoup des gens comme moi, que quand vous suivez, vous prenez de la graine. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes dans le métal? Non, je ne pense pas. Il y a moi et rien que moi, là. Je ne sais pas s'il y a des autres. Voilà, et comment tu prends la chance et le risque de te faire bloquer par la plus bio de sa génération? Ouais, Yako, bye bye, adieu. Bye bye, chérie. Moi, les phrases non construites, là, genre, je te bloque. Voilà, je te bloque. Tu comprends? Je te bloque. Tu n'as plus le droit de suivre la pub bio de sa génération. Voilà. Et puis, franchement, je suis très calme. J'ai mis les titres des gens que je devais parler. Je vais commencer avec Flore. Mais là, avec la demande de beaucoup de gens, j'ai commencé avec Toto, qui a arnaqué beaucoup de familles. Des familles, c'est des affaires. C'est des gens qui n'ont de respect pour rien. Une famille, pour eux, ne compte pas. Leur propre famille ne compte pas. C'est des gens que même leur propre famille, ils ont vendu l'âme au diable. Vous comprenez? Donc, une famille ne compte pas pour eux. Les prix, je dis que Mourenne, le plantain mûr, Coloneca, à Maxi, mon magasin que j'ai acheté le plantain, la livre de plantain était 69 sous. 69 sous, 79 sous. La même livre de plantain est passée presque à 2 dollars. 1 dollar 59, 1 dollar 79. La livre, que tu prends le plantain comme ça, tu pèses. Demain, je suis parti, tu vas 1,19. J'ai même ramassé, c'est-à-dire qu'elle fait mon rappel de planter. Elle me dit que comme ça, un peu bas là, je prends même mon stock un peu. Pour vous dire comment l'inflation, ça ne rigole nulle part. Et voilà qu'une dame arrive, dit comme elle vit au Canada, elle décide d'arnaquer ses compatriotes au Cameroun. Soit disant qu'elle fait voyager les gens, elle est consultante en immigration sans avoir pris de formation. Ça, c'est une grosse arnaque. Alors, vos plaintes et vos doléances, je les reçois. Je vous aide à trouver le bon avocat sur place ici pour poursuivre ce dossier. Vous avez ma parole. Je dis, vous avez ma parole. Je vous aide à trouver le bon avocat. Je dis, tous ceux qui ont été escroqués, je vous ai dit de faire une pétition. Moi, Ngassam, moi, que ma famille n'obtient pas de salut sur mes temps pour rien, par pure méchanceté, que vous voulez m'éradiquer, que je dois disparaître sur mes temps, je vous oriente vers le meilleur avocat en immigration qui va vous permettre de bien poursuivre cette dame. Même si elle ne va pas vous rembourser parce qu'elle n'a rien et elle n'est rien. Ses nièces sont des petites rientons. L'autre est seulement en collection des étoiles. Elle vient dire que c'est moi. Vous comprenez? L'autre, depuis que vous parlez, j'ai demandé l'étoile à quelqu'un. Non. L'autre est en collecte des étoiles. Ce qu'elles font, c'est ce qu'elles accusent les autres de faire. On les a tous lus. Il n'y a plus rien. Non? Je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Non, Lisina, tu vas te laver, tu vas faire autre chose. Je ne peux pas te donner maintenant. C'est ouvert. Mais j'ai besoin d'une photo. Non, je ne l'ai pas. Comment je fais pour imprimer si je n'ai pas de photo? Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le truc, j'ai le tout. Tu vas seulement appeler, je ne sais pas ton ami ou je ne sais pas quoi. Donc, tu vas te laver, tu fais ta soirée calmement, tu as une journée relax là. Tu continues à relaxer, ma chérie. C'est calme. Non, donc, comme je vous explique, le problème qui se pose est le suivant, ok? Les gens qui ont été arnaqués, je vous dis ça aujourd'hui, par Toto Tonga, la Bordadaise, elle a failli pleurer aujourd'hui, pourquoi? Oui, un 4,5 est à 1500, je te promets. Un 3,5 qui était 600 est devenu à 1200, 1100, 3,5. C'est devenu très très grave. Donc je dis, toutes les personnes qui ont été arnaquées par cette dame, moi, je suis à Montréal. Moi, je vous aide à trouver le bon avocat qui va vous faire obtenir gain de cause. Elle va être condamnée. Plus les autres chefs d'accusation qui sont sur elle. Elle va confirmer que attaquer les gens gratuitement, juste pour le plaisir de faire mal, elle ne va plus jamais faire ça. Même, elle va même prier pour que sa descendante jusqu'à la 4e génération ne se trouve pas dans une situation comme ça. Parce que le bracelet qu'on parle là, ça va être au-delà de ça. C'est moi qui vous dis. Je vous accompagne dedans. Je ne suis pas une personne là-dessus. Vous comprenez quoi? J'ai dit, les personnes qui ont été frappées par Toto la bombe d'Alaise, vous me contactez. Ok? Je vais vous aider
moi la gratuite, je donne mon temps bénévolement. Bénévolement. Pour que vous puissiez poursuivre cette dame. Ça, c'est le seul cadeau que je peux vous offrir. Bonjour, mon frère. Comment tu vas, mon frère de sang? Comment tu vas? Je dis que c'est le cadeau que je peux vous donner. Enough is enough. Enough is enough. Quand c'est trop, c'est laid. On ne fait pas ça. Les familles se battent, rassemblent les miettes qu'ils ont pour aider leurs semblables. Du mieux qu'ils peuvent. Toi, tu viens tout prendre et tu t'en vas avec. Tu disparais sur mes temps. On ne t'entend plus depuis 2 ans. Ça fait longtemps. Le dernier poste dure de très, 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 très longtemps, ma chérie. On n'avait plus de tes nouvelles. Et là, une histoire de... Hé, hey, Kamtachou, tu es quelque chose. Envoyez les cœurs pour Kamtachou. Envoyez-lui les cœurs. Ce profil-là, je ne sais pas c'est qui. Je l'ai même donné que tu en as fait des bracelets, ça sort d'où. Il a fallu qu'on parle du bracelet. Qu'elle se la ramène et que les gens la repèrent. Parce qu'on la cherche depuis. Elle a quitté les réseaux. Elle a même menti qu'elle est malade couchée à l'hôpital. Mais c'était plus fort qu'elle pour venir faire les problèmes. Elle a quitté les réseaux. Et maintenant, elle vient pour faire, genre, les problèmes. Maman, au goût de ça, le goût de ça, le bon goût de ça. Ma chérie, tu as encore rien vu. Je suis sur le dossier. Je vais vous aider, moi, mon garçon. Oui, l'ensemble, on est une table. Tu m'as amené chez les marabouts en tuer partout pour finir ma vie. Tu t'es arrangé ici à Moya pour me détruire, raconter des choses sur mon cher et ton dépôt. Jusqu'aujourd'hui, depuis 9 ans que tu as mis ces choses, Toto Tonga. Dieu me donne. On dit souvent que laisser Dieu agir. La justice, c'est pour Dieu. Le quoi, ceci. J'ai dit, oh, Toto, tu vas confirmer. Je vais tellement m'occuper de ça. Tu entends quoi? Tellement. Je vais les référer aux bons avocats. Et tu vas t'arrêter. Moi, je t'ai dit ça. Ça sera, comment on dit, mon ça dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. Ton frère était dedans, Agnès? Tu es dans mon inbox. Je vous dis qu'on va faire ça propre à cette famille de ténébris, là. On va encore leur dire un jour de nuire à quelqu'un. Elles vont dire non. Elles vont dire non. Courage, ma chérie Agnès. Courage. Mais moi, je donne mon temps bénévolement. Je vous trouve le meilleur avocat qui soit. On va la poursuivre. C'est le seul. C'est la seule chose que je peux te faire. Je suis restée et dit que mon Dieu, qu'est-ce qui peut... Ouais. Je dis qu'on va te faire ça dur, Toto. C'est la nièce de Tintin Pantalon. Franchement. Hé, hey, mon bébé Mimi, ton beau frère chou. Le sucre au nez, ton beau frère chou. Tu dis ça comme si tu blagues. Ton beau frère chou. Le sucre au nez. Tu parles comme si tu blagues. On va faire ça dur. Très dur. Moi, je ne blague même pas. Je suis à pied et poing lié. Ce qui est sûr, c'est ça. On va faire ça dur. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, vraiment, mon inbox est ouvert. La reine mère. Mon numéro de téléphone, plus 1-514. 915-0160. Je répète, plus 1-514-915-0160. Merci Daniel, je sors de très loin. Merci Daniel, je sors de très loin. J'ai dit qu'elle est Sandra, on va rester sur ça. Aura, vous pouvez faire confiance, non? Les neigeuses, tout ce que ma famille subit, tout ce que mon mari subit. Mon cher et tendre époux, qui ne peut même pas dire mouf à la mouche. Ça là, même si c'est à minuit, même si c'est à 4, je sors. Je sors sur vous. Vous allez que retranscrire. Je ne laisse pas. Tchin-tchin pantalon. Goussi, qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas voir ça. Et ta tête comme la chauve-souris. Tu vas voir ça, Lolo. C'est moi qui t'ai dit. Vous blaguez avec les gens. Vous, c'est-à-dire que vous avez tellement fait la merde sur mes tas. Il est temps que tout ça cesse. Vous blaguez avec les gens. Tu vas voir avec tes yeux tes pantalons. Pas ce qu'on dit là. On dit que tu t'es pris la tête avec Dorcas. C'est petit. Vous allez vous manger là-bas. Je dis vous manger. Chacun va croquer la diable de l'autre. C'est moi qui vous dis. Parce que les gens ne vous ont rien fait. Vous vous levez, vous donnez allégeance à une prostituée qui décide de nous détruire et tu cautionnes tout ça en tant que leader. Il
là, tu vas bouffer. Tintin, pardon, tu vas bouffer. Attends, j'enlève déjà celle-ci. Tu viens faire ton chip, ta canne à sucre ici. Est-ce qu'il y a besoin de toi, mof? Là, tu vas bouffer. Tu vas bouffer, Tintin, pantalon, tout tes cahiers. C'est comme ça, on ne va pas laisser. On ne va rien laisser. Voilà. Tu vas bouffer. C'est comme ça, Tintin, pantalon. C'est comme ça. Vous allez travailler pour moi. Vous allez travailler pour moi. C'est qu'est-ce que c'est ça? Vous allez travailler pour moi. Attends, il y a une page qu'on me dit de bloquer déjà. Mais à bloquer ça, c'est des gens qui s'amusent. Vous allez travailler pour moi. Aïe, aïe, aïe. Merde, ma pépé. Ouais, Seigneur. Les gens ont, je dis qu'elle. Ma pépé. Parce qu'on parle là. Attends. Ma pépé. Non, c'est pris. Ma pépé. La fille s'est cachée depuis longtemps, on la voyait plus. On la voyait plus. Elle s'est cachée, portée, disparue. Et là, voilà. Tout est sorti. Vous avez très mal agi. Moi, vous allez me retranscrire jusqu'à fatiguer. Vous me donnez le travail. Vous allez retranscrire tout le temps. Et je ne suis pas du genre, je n'ai pas les aides de moi à détester. Il n'y a pas les gens qui doivent téléphoner pour ouvrir la ligne pour dire venez appeler pour insulter. Je ne mets pas l'huile sur le feu. Le feu brûle. Le feu, c'est le feu. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Ça brûle en Tonga. Ça brûle partout. Et ça brûle à Babou. Ça brûle partout. Ça brûle en ténébris. Ça brûle. Le partout, le feu s'est levé, bim, ça brûle partout, et le feu s'est levé, bim, ça brûle partout, ça brûle coladera, ça brûle pas, en temps et heure, j'ai vos retranscriptions, en temps et heure, ça ne chauffe pas, ça ne chauffera jamais, ça ne chauffera jamais, vous comprenez non? Ça ne chauffera jamais. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Ça brûle au coladera. Ça brûle partout. Ça brûle au bublos. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Voilà. Voici le profil que j'ai tant cherché depuis hier. Qui vient toujours mettre les messages et qui efface. Des messages méchants. Qui efface. Je vais la bloquer maintenant. Adieu, hein, merci, Adi. Depuis hier, elle était cherchée. Quelqu'un vient de t'envoyer dans WhatsApp. Merci. Adieu, elle pourra plus vous aller voir. Elle ne va plus être là. Je l'ai bloquée. De fond en comble. Parce qu'elle écrivait, elle effaçait depuis hier. Elle écrit, vous n'assumez pas. Vous venez attaquer les gens qui vous ont rien fait, mais vous n'assumez pas. Quand vous écrivez, assumez vos dires. Vous n'assumez pas. J'étais bloqué, Massi a dit. Fais un autre profil, hein, tu viens avec. Enfin, j'ai trouvé où te bloquer. Oui, bah, chérie. C'est moi, non? Oui. Ok, chérie. Le feu s'est levé, c'est mon chéri qui sort. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Ça brûle au coladère. Oui, je fais le direct même quand mon mari est là. Vous voulez voir si c'est lui? Attendez, vous montrez quand il part. Elle vient chouette là. Vous avez été le regard là-dessus. Voilà, oui, il est venu parce qu'il a peur. C'est lui qui démarre là. Regardez. Sang de ma veine. Il est parti. Il démarre. Est-ce que vous allez même le voir partir? Le camion, là, l'arbre, la cache. Il va passer par là-bas. Regardez bien là-bas au coin. Une voiture rouge. Voilà. Mon chéri. C'est lui qui part là comme ça. Je lui ai dit, voilà, voilà. Je lui ai dit de m'appeler. D'accord? Il a. Vous n'allez que parler, ma vie. Mof. Vous allez venir, vous pouvez venir lui montrer. Mof. Parlez. Tout ce que je dis là, c'est la vérité. Ouh. Je dis que je donne la plateforme à toutes les personnes qui ont été arnaquées par Toto Tonga. Je vous aide au procès. Non, ce n'est pas le père, c'est un monsieur. Il venait réparer le fil.
Et je lui ai dit, appelle-moi, tiens en main. Ils vont dire que ce n'est pas lui. Et là, je ne vais pas vous montrer. Mon mari n'est pas une marionnette. Mon mari n'est pas une marionnette. C'est mon mari. Je ne vais pas vous montrer. Hein? Il a, j'ai même pas dit ça depuis qu'il a commencé à le dire. Il y a quelqu'un là qui aime quand je dis ça. Qui dit ça, elle écrit en commentaire. Il a, c'est bon à elle jusqu'à. Donc, on m'envoie les pages, on m'envoie votre transcription et combien vous êtes là-bas, tout ça. Tout ça, on vient de m'envoyer tout ça dans WhatsApp. J'ai tout. Donc, je me promène au fur et à mesure que je vous parle. Je vois ce qui se passe. Et tout, c'est partout. Voilà, vous comprenez, non? Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Le feu s'est levé. Ça brûle partout. Non, c'est le repartage du frigo. Non, il est venu réparer le frigo. Non, c'est le plombier. Il a... C'est non, c'est le... C'est qui vient de sortir, là, mémé? Livna, c'est qui vient de sortir? C'est le chauffeur, non? Livna, non. C'est qui vient de sortir, là, maintenant, mon bébé? Dad. Elle ne peut même pas changer son père avec quelque chose d'autre. Tu ne peux même pas dire que c'est le plombier, bébé. C'est pas le monsieur qui vient de réparer les jets ici. Elle dit que c'est l'électricien. Oh, mon bébé! C'est bien ça, bébé. Il faut apprendre à semer les gens qui veulent te faire la merde dans la vie. Tu l'as dit, ce qu'ils veulent entendre, tu l'as dit que c'est ça même. Aïe, là. C'est l'électricien. J'avais un problème d'électricité. Elle a dit, dad. Après, elle dit encore que l'électricien. Parce que l'enfant peut pas voir son père, il dit que c'est pas son père. Et là, vous tous, autant que vous êtes, Chouka, mon lit. Ce que je voulais partager précisément avec toi aujourd'hui, parce que j'avais deux volets. J'avais le volet de Toto Tonga, la mana la Bobdadez, qui a fini de détruire la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup. Et qui a disparu sur les radars. Une femme qui a une page de 15 000 abonnés. Vous m'entendez là-bas, vous me suivez là-bas. Dans la retransmission Toto Rêveuse et la rêveuse Mbinda. Vous avez une page de 15 000 abonnés. Et votre page là, je ne peux pas concevoir parce que les gens, il y a beaucoup de gens sur Facebook qui sont capables d'hypothéquer leur famille pour aller chercher les abonnés. Et n'ont même pas encore atteint 10 000. Nous, on a vu ça ici. D'accord? Mais vous avez 15 000. Toto, tu as 15 000 et tu abandonnes la page de 15 000. Ça veut dire que l'heure est grave. Donc, tu avais disparu des radars pour que les gens que tu dois l'argent pensent, comme tu les as menti que tu étais malade et hospitalisé. Quand tu es maintenant sorti pour monter tes pieds, boum, ils ont reçu chez Maman Pépé. Et moi, j'ai tous les restes. Maman Pépé a dit que transfert du dossier. Tu sais que tu étais l'ami de Maman Pépé, non? Tu sais ça, non? Tu étais un peu gentil avec Maman Pépé un temps là. C'était un peu comme ta personne. Oui, avant là. Oui, parfois tu te mettais avec Maman Pépé pour clasher Flore. Je me souviens. Mais si Maman Pépé a pris le dossier pour parce que les plaintes des gens en inbox, c'est la magie. C'est la magie, Toto. Tu sais ça? Tu étais la personne de Maman Pépé. Mais si Maman Pépé a déposé petit vélo, c'est parce qu'il y a un niveau qu'on ne blague pas. Elle est humaine, elle n'est pas inhumaine. Elle a dit que le tout, sinon, non, au mieux, on dépose sa petite vélo. J'ai pris le chantier. Mana, la Bobdanaise, là où tu as assise dans la rétraction, tu es dans le direct de rétraction de la rêveuse. Grâce à moi, vous avez fait la réunion familiale très vite. Mais tu les amènes, le terrestre. Et le gros problème, Toto, rêveuse va prendre l'argent pour te donner. Quand elle même dans l'appartement, la photo de la mère sur le carreau, fait bientôt, ça va brûler. Sa grande soeur va prendre où? Quand elle collectionne les étoiles, matin, midi, sont envoyées les étoiles. Ils vont prendre où? Ils ne vont pas t'aider. Mais tu vas couler. Je ne vais pas laisser. Ma chérie, je te garantis. Je travaille en étroite collaboration avec les gens que tu as arnaqués. Ça, là, tu peux être certain. Toto, la vengeance, c'est un plat qui se mange au froid. Quelque chose comme ça ne pouvait pas tomber sur moi. Ça ne pouvait pas. C'est venu sur moi. Et je vais me charger personnellement de ça. Ça, tu peux être certain. Dors tranquille. Parce que tu vas, ça dit que quand ils vont même oublier, ils vont même les réveiller, que c'est comment? Vous allez, ah, telle chose, je vais même courir, je vais te sortir. Mets le cabriolet pas partout pour les aider. Des questions qu'ils demandaient ici, je vais partir. Dans tous les endroits qu'il faut aller collectionner, toutes les fausses informations. Et d'abord, les souches des papiers que tu les as fait remplir, on commence sur ça. On ne peut pas laisser. C'est une affaire de beaucoup de millions. Et dans tout ça, tu as fait quoi avec le Congolais? Lui-même en prison. Trop de choses. Maman, on dit qu'il y a des gens qui ont le doutou. Mais ta famille et toi, mais vous avez un doutou qui est terrible. Un doutou qui est terrible. Un doutou qui est terrible. J'ai dit que Zéline, les gens, ils savent que je dis dans mon verre, les gens, ils me cherchent tous les problèmes. C'est Oshiga qui a tranché ça aujourd'hui. Oshiga a dit à Tintin Pantalon que Lolo, c'est ta faute. Lolo, c'est ta faute. Tu vas bouffer tous tes cahiers. Tu es sorti quand aujourd'hui pour dire à Dorcas de laisser, c'est trop tard. Tu t'es là joué. Tu pensais que tu devais t'échapper dans les mailles.
Au fini, je t'ai vu. Quand moi, je repère, je tape sec. Moi, je ne repère pas fait, genre non, peut-être, il n'y a pas de R, peut-être. Je me dis que tu repères, tape sec. Lolo était repéré. Tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, tu es repéré, j'ai tapé sec. J'ai dit que Lolo Fondja, j'ai lu. Tu as pris le caillou, voulant lancer, j'ai vu. Lolo Mbiaï, rêveuse, Lolo Mbinda. Parce que c'est rêve Mbinda à cause de Mbiaï. Tom, c'est Lolo Mbinda. La famille Mbinda. Tintin Pantalon, c'est vous. Lolo Mbinda. J'étais repéré. Je te laisse pas. Toi et moi, jusqu'à. Flo a parlé hier, tu n'as pas compris. Flo t'a tapé sa sec. Tu croyais que Flo allait sortir, du coup, dit que. Mais Flo, toi, Tom, tu as dit les choses qui ne sont pas bien. Il faut qu'on vienne d'abord sur ça. Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que tu as dit les choses qui ne sont pas bien. Voilà. Ma chérie, mon mari sort, il ne fait pas la bise parce qu'il est en direct. Je suis en direct, mais les deux. C'est comme les blancs qu'on ne veut pas respirer. On est toi, tu fais moi, moi, moi. Eh, pardon. Il l'a. Elle s'appelle comment? C'est qui même celle-ci? Il faut que je regarde d'abord bien son profil. Elle a quoi même sur la photo? Voilà. Si quelqu'un peut même envoyer que le lien des gens qu'elle doit bloquer. Attends, j'ai vu comme si c'est un quoi là. Il ne fait pas la bise. Il va aller faire la bise pour vous montrer. Il n'a pas besoin. Mon mari sait qu'elle est vautour, sont entrés sur ma vie. Oh! Et je l'ai traite. Aïe, aïe, aïe. Je vais dire qu'elle m'avait fait la bise. Toi-même, la villageoise, tu sais qu'elle est dans un coin perdu comme Dorcas là. Et on lui amène le yaourt frais, la terre vient me dire que mon mari m'a amené le yaourt. Maman, j'ai trois congélateurs ici pleins. Je suis brûlé. Je dis que trois. Que c'est même pas que oh, je suis pas un yaourt. Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'a envoyé la nouvelle que ta mari peut aussi t'amener les petites vieilles chouettes comme ça. Va une jeune mère. Attends, Jeanne Marcel, elle est où? Elle est bien bloquée. C'est comme si mon manager en ligne en train de faire le travail. Elle a écrit un commentaire bizarre. Elle ne voit même plus ça. Imbécile. Ce n'est pas mon mari, c'est l'électricien. Vous avez fait l'enfant, m'a dit que c'est l'électricien. Ouais, Seigneur. Maman, j'ai dit qu'un jour, Tintin Pantalon m'a pris à dire, tu te rappelles comme t'as, quand je suis sortie ici, dit que l'affaire de Machin et Valérie Amougou, c'est parce que Tintin Pantalon est parti demander l'argent. Elle a demandé à Machin de lui envoyer l'argent. Machin a dit que les gens qui passent souvent dans ta télévision ne peuvent pas t'envoyer l'argent. Des gens que tu passes souvent leur musique. Et moi, je suis sortie et dit que le problème, si, comme je défendais Tintin Pantalon dans le problème, j'ai le problème si comment c'est parce que Tintin Pantalon a demandé l'argent. Il fallait voir comment elle a payé d'autres pour me gronder, comme elle a grondé Dorcas aujourd'hui. Je suis restée calme. Parce que parle aux gens comme si, même la fille chez qui elle n'a pas fait la télé, si tu vois comment elle parle à la fille, hein. La fille là, chez qui, j'ai demandé à la fille là que tu es sa cousine. Elle me dit non, elle fumait la cigarette, elle devait demander à la fille. Vous êtes dans la même famille, elle dit non. J'ai seulement vu sur Meta, je l'ai aimée comme ça. J'ai dit waouh, elle est. Elle dit, oui, elle est comme ça, elle gronde beaucoup. Quand elle vient chez la fille est sur le qui vive. C'est comme si le militaire est venu. Ce n'est pas elle qui paye le loyer. Hein. Elle avait son un pied gauche où il y a un pied qui est un genre là. Elle gronde, elle fume comme une cheminée devant les enfants de la fille là. Elle fume comme une cheminée. Elle gronde la fille comme si c'était elle qui payait son loyer. Quand elle a pris Black Beauty, c'est comme ça qu'elle voulait commencer. Elle appelle, viens à Reims. Viens déposer le caméraman. Viens, c'est Black Beauty, tu dis que le caméraman. Tu vois, quand Veuve avait parlé, ce que Veuve avait inventé. C'était vrai. C'était vrai l'affaire là. Oui, oui. Oui, c'est comme ça. J'ai dit que. Donnez-moi le lien des pages. Vous me donnez le lien de la page où on retranscrit. Il y en a que j'ai bloqué, il y en a qui n'est pas bloqué. Si elle a encore retranscrit, tu me donnes le lien et la bloque. Quelqu'un dit quoi? Boro? Pour le moment, je t'aime jusqu'à. Je suis Mororo. Bon, comme tu as mis Boro sur ça, je te bloque parce que je ne cherche pas l'amour sur mes dames. Ma famille même. Mon mari, même mes enfants, même Don Boro là. Tu vois que parti. Tu as compris, non, ma chérie? Je ne cherche pas l'amour sur Meta. Tu comprends, non? Boro, c'est le nom de la grand-mère de Toto Tonga. Ou bien c'est ta grand-mère à toi, je ne sais pas. Tu comprends, non? Je ne cherche pas l'amour dont tu parles. Ok? Vous, peut-être que vous aimez coller aux gens, je ne suis pas dedans. Tu es bloqué. Je n'ai pas besoin d'amour. Les gens qui me suivent et qui m'aiment, même là, et ma famille même. Elle fait la télé chez la fille là qui vend les perruques, vous l'appelez qui là? Oh, une gentille fille, elle bien élevée. Elle gronde la fille là comme la serpillère. Quand elle veut parler à la fille là, hé, hey, viens ici, nettoyez cela. Comme ça, la fille nettoie sa chambre, son salon, sa cuisine, comme en France, vous savez, petit coin cuisine avec ses enfants. Qu'elle arrive là-bas, elle est mort pas, elle est gronde comme. Je te dis, elle prend les gens comme c'est Chinda, hein. Hé, hey, maman. Franchement, elle est tellement indigène. Une fille qui a fugué à la maison depuis le coup moyen de haut coup moyen, combien pour venir maintenant à Yaoundé pour monter pour
descends, après prends la route de Gabon, de Guinée, de Boza, tout ce que tu veux. Et c'est quelqu'un là-bas. C'est quelqu'un là-bas. Il dit que Michela Petga. Michela Petga. Elle lave Michela. Elle parle à Michela comme une serveuse. Rêve même. Rêve sa soeur, la rêveuse. Des fois, elle tape petit vélo. Petit vélo. Rêve même la regarde sur un genre petit vélo. Elle fait des choses que dans son dos même. Aura. Elle aime mal être profond. Non, j'ai fait le spaghetti avec des boulettes. C'est le goût de mon chéri. Moi, c'est des choses que j'aime pas vraiment. Hier, j'avais fait le beignet haricot. Aujourd'hui, j'ai fait le spaghetti avec des boulettes. Tu veux venir? C'est pas terrible. Hein? C'est pas un repas, ça. C'est des choses que mon mari aime. Mais moi, j'ai de quoi je vais manger. J'ai la sauce... Comment on appelle ça? La sauce verte gombo, là. Comment on appelle ça? Des wajo, là. Pas le basco, j'ai le vert, là, non. Pas le gombo, pas le gombo morceau. Gombo feuille. C'est ça que je vais manger, moi. Moi, il n'aime pas trop les spaghettis, les choses comme ça. C'est les enfants là qui aiment ça, les fromages et les quoi. C'est mon chéri qui voulait manger les spaghettis. Donc, j'ai fait ça et les boulettes. C'est ça, ma chérie. Si tu veux ça, oui. Moi, c'est ça que j'ai fait. Tomate, boulette. Hein. Oui, oui. J'aime pas ce genre de repas, ma chérie Zéline. Spaghettis, boulettes. Hein. Donc, comme je vous explique, cette fille est tellement imbue de sa personne. Elle parle aux gens. Vous avez vu comment elle a pris. Non, pas foléré. Ça a un nom de wajo là, non, la sauce verte là. Il y a le gombo, il y a le... Il y a un nom. C'est vert, vert là. J'aime ça en wajo le nom. Oui, quelqu'un aime, mais le wajo a un nom là, oui, c'est ça. C'est ça que je veux manger avec le foufou magnon. Sa télé ne fonctionne pas parce que c'est une télé insomniaque. Sa télé ronfle. Oh, ça ronfle. Elle fumait, boit, elle se drogue, elle ne peut pas se lever. Oui, quelqu'un aime, mais le wajo appelle ça Django ou bien... Attends. Ouais. C'est une sauce là. Ça, son nom à Wajo. Ah. Maman, j'ai laissé gens qui me suivent maintenant. J'ai dit que j'ai payé. C'est un genre que je ne comprends même pas. Donc, les gens là veulent m'enlever les herbes sur les pieds, mais les autres gens sont pleins ici. Maman, vous sortez d'où? Non, envoyez les cœurs pour vous-même. Je vais pas demander les étoiles, hein, depuis le début. Celle-là demande les étoiles, vient dire que c'est moi. Donc, tout ce qu'elles font, elles veulent désorienter. Ta fille a la stratégie de Flore. Oui, oui, Lolo fait comme Flore. C'était la petite Oshiga a découvert. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui orientent la caméra vers quelqu'un d'autre pour couvrir ce qu'elles font et s'échapper dans les mailles. Mais on les lit avant. Vous avez déjà lu. La parasite et la mendiante, c'est toi, Lolo. Tu es dans les inbox en train de demander tout le temps. Les gens finissent de donner. On a payé les chaises une fois, deux fois, trois fois. Les mendiantes, c'est vous, c'est pas moi. Voilà. Depuis là, je n'ai pas demandé d'étoiles. C'est les cœurs qu'on est en train d'envoyer. Et je ne demande pas. Parce que seulement les revenus screening sont beaucoup plus que les étoiles. Donc, je me contente des revenus screening. Et je suis plus une mendiante. C'est des revenus résiduels. Donc, c'est comme ça ajoute d'autres revenus. Toi, ce n'est que sur ça que tu comptes. Et parfois, tes étoiles, il faut dire aux gens. Parfois, il y a aussi les cartes de crédit volées. Parce que tes gens-là, tes lomagnons, les cartes de crédit volées. La dernière fois, on a eu plus de 100 000 étoiles quand je suis passée à ta télé. Tu es venu me dire quoi? Que c'était petit, non? Tu sais qu'on va payer, on va prendre, on va diviser, on va ceci. Parce que grâce à toi, je ne te paye rien et tu as ma télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu me donner combien? Tu as dit qu'on a coupé. Ce n'était pas comme tu as vu là. Les gens l'ont joué. J'ai dit non, quand ça met un chiffre, c'est le montant si que tu auras. Non, ce n'est pas ce que ça a donné, je te jure. Je te donne même pas. Je vais te donner après parce que les gens de YouTube en coupe. D'abord, vous êtes des leaders bracata. Vous soufflez sur votre blog pour même toucher le fruit de votre travail. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous venez parler aux gens que leur chose, c'est directement de Zoukemba à moi. De Zoukemba à moi depuis l'arrivée du live. Tu viens me parler. Tu viens me parler. Tintin Funda, tu n'as même pas honte. Tintin Pantalon, tu n'as même pas honte. Papa Fonja est parti Kalalam. Et moi, je suis terriblement mariée. Ça dit que Mary Église d'Odo, je vous gifle avec ça. 700 gifles. Il y a une là qui n'a pas pu dormir. Voici ma maison. Regarde où je dors. Mon oreille, même, c'est une tête. Tu peux payer deux têtes dorées. Tu as acheté deux têtes dorées pour mettre dans toutes les chambres. Le paquet de trois, tu as mis chacun un lit à un thé. Tu peux payer plus. Je mets seulement un thé pour te dire, je dors seul, voilà le lit. Tu ne pouvais pas dresser avant de faire la vidéo. C'est quoi que tu... C'est quoi? Je vous donne tellement le chat, vous ne dormez même pas. Vous ne pouvez pas dormir. Celle-là avait ses joues comme la vipère, avec six bons cas des deux bords. Tu peux pas dresser le lit avant de venir me parler. Tu sors trois chambres, voilà où mon fils dort. Il est où? Il est à la maison. Oh. Tu sais ce que tu as fait à feu, Valérie Lélé? Tu sais. Tu es parti l'accuser qu'il a les quatre lettres. Oh, donc ça veut dire que toi-même, tu as les quatre lettres. Puisque tu sortais avec lui. Tu oublies ton gars qui faisait les faux papiers. Où c'est qui là? Comment on l'appelait là? Où c'est Carlos? Où c'est qui là? Tu oublies. J'ai ton dossier comme ça dans ma main de Paris là.
Va prier, maman. Va prier, mon amour. Je t'aime. Va prier, beauté. Je sais que pour toi, là, même si ta carte arrive que étoile, tu vas seulement bombarder. T'as bon, nous, on gère nos choses en là, tu. Tu connais pas où nous, on dépose nos choses. On ne chauffe pas ici. On a besoin de faire trop de bruit. Vous comprenez ce qu'elle veut dire là? Ça, c'est ma personne personnelle. Voilà. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu viens filmer. Oh, c'est ma cuisine. La cuisine est à l'étroit. Tu sais même pas si tu peux ouvrir le frigo là que tu as posé là. Tout parce que tu vas avoir le frigo américain. Dans une cuisine tellement étroite, tu peux ouvrir la porte là vraiment droit. Parce que moi, quand j'ouvre la porte, il n'y a rien qui passe devant. Je prends une chose, je pars aller dire, je reviens, je fais un quatre tours. Hein? Toi, tu peux faire ça dans ta cuisine, je pense pas. Tu as pris une cuisine Ikea dépaillée dans un HLM. Comme enfin, tu as une maison qui a trois chambres. On ne respire pas. Voici la chambre de mon fils, voici ceci, voici là où je dors. C'est même deux chambres. On a vu deux ou trois. Dites-moi un peu, c'était combien de chambres? Salle, la salle de lavage, bizarre. Il n'y a pas de lumière, mais on a des abat-jour aussi. Parce que moi, j'ai une lumière qui projette seulement mes pierres. Quand ça me pique la nuit, j'allume que ça projette comme ça, mais la beauté de mes pierres reluit juste pour les pierres. Je ne sais pas si toi, tu es arrangé à ce niveau. Peut-être que toi, c'est seulement l'ampoule pour voir la lumière, pour aller aux toilettes et revenir. Peut-être que tu aimes les ampoules au couloir, qu'on appuie seulement au mur comme ça, comme dans les chambres d'étudiants. Deux chambres, merci. Et viens me parler. Tu sais combien? J'ai cinq chambres ici. Bécile. Tu parles à qui? Vous amusez, ça m'énerve de ne pas vous mettre dans le congélateur. Je t'ai dit, je vous congèle. Elles sont là-bas en retranscription. Tout le monde, regarde, Toto est là-bas assise, prisonnière en devenir. Cavale sans issue. Tu as disparu sur mes tas à cause du bracelet. Kamtachou, je ne sais pas qui tu es. Mais tu as fait fort, Kamtachou. Je te félicite. Ça a fait qu'elle est sortie. Comment elle est sortie là, vous savez? Tous les gens qui te cherchent, je vais les orienter. Je vais les orienter. Juste l'adresse même, c'est moi qui vais les donner. Je te dis, hein, non, non. Vous allez rester comme ça, tu te merde. Vous dites que je suis haineuse, non? Je vais être haineuse sur vous, la magie. Je serai la seule haineuse de métal, reconnue, avec diplôme à l'appui. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je vais vous traiter. Comme toi, tu, je sais pas où tu as appris à faire des bracelets, mais tu l'as fait sortir de son trou. Ça veut dire que tu as aidé les gens qui réclament l'argent. Dites merci à Kamtachou. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs à Kamtachou. Parce qu'elle a fait un travail vraiment d'arrache-pied. Ouais. Elle est là. Elle n'a même pas dressé. Regarde, tu dis que tu es mariée. Mariée quoi? Ma chérie, je t'ai interdit. Je suis terriblement mariée. En plus de ça, je compte le demeurer et je travaille. Vous savez pas que mariée. Compte le demeurer et travaille. C'est fou. Hein? C'est fou. Hein? Ça, c'est comment pour enlever ça dans la tête de quelqu'un qui compte le demeurer et qui travaille. Ça ne peut pas arriver, vous n'allez que parler. Toto, tu as dit qu'il est à Toronto, non? Tu vas demander à Fatou par force de faire la vidéo et d'envoyer. Moi, je vais poster pour Fatou là. Il larme autant que vous êtes. Hein? Feu matin. Vous comprenez quoi? On va courir. Maintenant, je viens à Flore. Moi-même, que j'ai les maigres vues, Marco soit en direct en même temps que moi. Lui, il a 400 personnes. Moi, j'ai 1087. Oh! Mais c'est pas possible. Une oratrice. Je garde captif mes gens longtemps. Parce que je connais. Moi, ah, de parler. Parce que celle-là est venue dire qu'elle passe à la télévision. Tu vas parler. Tu vas partir parler quoi là-bas, c'est Tim Pantalon. Tu dis que oratrice. Tu peux oratrice quoi? Parce qu'on t'appelait Oprah, tu connais quoi? À part le Congo, ça, tu peux interviewer qui? Depuis que ta télé somnambule existe, tu peux interviewer qui? À part le Congo, ça. Ah, non, quand il y a flyer, mais j'ai pas oratrice. Ça fait que. Mais le mania, mais le manioc, mais le cassina. Mouf. Mouf. Cache-toi. Tchou là-bas. Sans le mec, tu n'es rien. Sors comme je sors là. Montre ta tête. Montre-nous le devant de ta tête. Tiens, tiens, pantalon. On voit. Oui, Flo, je te salue. Hein. Je sais que tu regardes derrière la fenêtre depuis Miami. Je te salue, Flo. Flo dit que maintenant là, elle suit mon direct de A à Z. Donc ces vacances là, c'est ce qu'elle avait. J'ai dit qu'il y a quelque chose. Comme elle a l'écouteur. Elle dit il y a quelque chose. Boro, boro, fais ça fort. Asayam sir. Oui, oui. Flo, hein, je te salue, Flo. Suis bien le professeur. Moi, pas professeur. Moi, tchitcha. Je vais faire extrait des casiers judiciaires. Je vais faire net et clair. Comme la dose arrive. Et tu prends ça sur toi. Ça t'énerve. C'est comme ça qu'elle fait. Flo, je te salue derrière la fenêtre. Suis bien ton oratrice. Flo dit que je ne l'ai. Je ne suis. Flo, tu suis tout, mais direct. Ne dis pas que tu ne suis pas. Dis seulement que le tout, si c'est bon à toi. Flo, dis que le tout sinon, ma petite soeur fait mal. Flo m'a appelé petite soeur. Ça commence à venir. Le tout sinon, ma petite soeur fait mal. Donc ma grande soeur accepte que je fais mal le tout aussi. Ouais, je vais traiter la fille là. Tu vois ce que sa tante m'a fait. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid.
Tu comprends ce qu'elle te dit là? J'étais là, moi, tranquille, je ne calculais même plus. Elle a osé permettre qu'on insulte les gens de ma famille tour à tour. Elle va commenter, elle est même fière. Hein? Ouais, quelqu'un dit que, il y a quoi ici? L'autre dit que c'est le Congo, ça qu'on a partagé dans les groupes des docteurs et quoi. Et qui nous a bloqué, comment tu peux nous bloquer? Laisse aussi le Congo, on détermine les gens dans le Congo, ça, non, c'est comment est toi? Tu fais ça, comment t'es bloqué? Hein? Le gars là même, c'est qui, il est parti. Tu qu'on a partagé dans les groupes des docteurs. Et de qui là? Le commentaire là peut me tuer. Il dit que, on va faire comment, gars? C'est le Congo, ça? Ouais, si je tente de faire la publicité de quelque chose qu'on ne me partage pas, voilà le but d'action. Liposomal. Et la vitamine, c'est liposomal. Si elle dit que maintenant, pose publicité et m'arrête, on va descendre à 20 personnes. Les retranscripteurs, voilà le produit qui vous fait avoir les insomnies. Rêveuse, Ashuka. Titi pantalon, Ashuka. Je vous ai laissé de l'autre bord. Et j'ai traversé de l'autre bord. Je suis maintenant les bien gens, les entrepreneurs, les ci, les ça. Nous, on est dans l'entertainment de l'entrepreneuriat. On n'a pas le temps à perdre pour pleurer la vie des gens. D'accord? Les petites pauvres l'autre, que vous êtes pauvres là, les petites affamées, zikou, tintin pantalon et tout. Vous osez me parler, le gars est où? Le gars a dit que, comment ça? Il s'appelle comment? Il est parti. Je te salue, le gars. Je dis que, ma chérie Jeanne, c'est pas que, Jeannine, c'est pas tous les sens. Le problème, c'est que le buzz, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce que Lola a fait aujourd'hui avec mal au faubourg, c'est une forme de buzz. Mais aussi, c'est vrai, parce que je vous ai dit que cette tintin pantalon ne supporte pas. C'est une fille qui aime dominer, elle aime commander, c'est une dominatrice. Mais elle va dominer l'équipe. C'est pour ça que comme je connaissais cet esprit d'elle, je voulais même pas être dans sa team. Parce que je voulais pas que quelqu'un soit sur ma tête. Vous voyez ma tête congolais, voilà. Moi, je retiens mon bagage gêné. Ma tête est comme ça, quand ça me pique, je vais même raser, même tout au sol, un tour. Ça ne dérange pas. Mais je ne veux pas que quelqu'un soit sur ça pour me dire que Chessie a fait cela. Et elle aime commander cette tintin pantalon. J'avais refusé. Au jour d'aujourd'hui, elle est partie ramasser Dorcas là-bas. Elles se sont bien prises la tête parce que Dorcas a dit pourquoi tu ne m'as pas appelé une. Parce que Dorcas aussi, pour elle, ne part pas loin. Quand ça fait un bang bang, elle dépose une fois. Ça va, comme, ça va dans tous les sens. Elles se sont prises la tête en direct. Et sûrement, elles vont aller réparer au quartier. Nous, on s'en fout. On n'a rien à voir avec ça. Sauf que c'est bon à nous quand vous prenez la tête. Ça va prendre aussi avec mon pion bientôt. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, elle veut le buzz dans tous les sens. Sauf que chacun profite aussi. Flore aussi, elle est dans ses vacances. Et elle profite parce que justement, elle fait son message. Elle dit ce qu'elle pense à comment on appelle? Jeanne, je te salue, ma chérie. Jeanne Nati. Elle dit ce qu'elle pense à Lolo. Sauf que finalement, Flore, dans ce que tu as dit hier, je n'ai pas apprécié certaines choses. Il y avait beaucoup de mensonges, tu vois. Moi, je n'aime pas quand tu mens. Tu vois, et tu mens beaucoup, tu te rappelles même plus de ce que tu dis. Parfois, tu n'as pas le goût, tu sais pas où ça a commencé. Et c'est ce qui arrive quand les gens attaquent. Les gens comme vous, vous faites des problèmes pour tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de raison de faire des problèmes. Vous n'avez même pas de motif fondé. Vous attaquez sur, vous tombez sur les gens, vous les attaquez tribord, babord. Et c'est ce qui arrive très souvent parce que justement, au finish, ça devient que, ok, voilà, le problème est sorti. L'autre a dit ceci, l'autre ne devait pas dire cela. Et ça devient que oui, Ashuka, pas Ashuka, et si, et vice versa. Tu as fait un direct. Tu t'es adressé à Tintin Pantalon. Nyama, nyama. Les travailleurs sans salaire qui travaillent, ça ne m'intéresse pas. Je parle aujourd'hui de Lolo et de Nathalie. Nathalie, c'est moi. J'aimerais commencer la live. Être vraiment honnête en disant à Nathalie, tu as tort d'avoir lâché Lolo. Voilà. Parce que nous tous, on s'observe. Le tout, c'est de t'a rien fait. Voilà. Elle a l'habitude. Premièrement, tu as tort d'avoir clashé Lolo. Nous tous, on s'observe. Le tout, si elle t'a rien fait. Mais en ce moment, les gens de Lolo sont en train de clasher Flore foncièrement parce que Flore, c'est une femme qui dit quelque chose et son contraire. Elle a dit que j'ai tort. En ce moment, je sens que dans le direct, Lolo applaudissait qu'enfin, Flore dit qu'elle a tort. Mais devant, Flore a mis Lolo dos au mur et a fait Ashuka Mongolique et a dit maintenant que j'avais même raison. Et qu'il faut même que je fasse parce qu'elle va bien regarder. Donc, tu vois que Flore, en fait, je ne sais pas si elle s'entend parler, mais elle dit quelque chose et son contraire. Premièrement, Flore, je vais te dire une chose, je n'ai pas tort. Je n'ai nullement tort de m'en prendre à Tintin Pantalon. C'est elle qui l'aura voulu. Tu comprends? Quand tout est arrivé, elle était à Abidjan, on ne la calculait même pas. Moi, j'ai répondu à Nadège. Je me suis tenu à ça. Je n'ai même pas géré Dorcas. Je n'ai même pas géré les décos et Mbinda et tous ces gens à côté. J'étais sur mon pion. Mais Lolo, qui est venu vous mentir il y a peut-être 4-5 jours sur le temps qu'elle a appelé pour calmer, elle ne m'a pas appelé, n'a pas appelé Patouchou.
Elle a géré ça comme Oshiga dit aujourd'hui. Elle a manqué de tact. Parce qu'en tant que leader, quand un problème arrive, on tue le poussin dans le fond, on parle à toutes les parties. On dit que stoppez ça tout de suite en direct. Elle a mis les gants, comme l'hypocrisie qui se passe souvent à Paris. On met les gants, on observe quelque chose à distance. On fait comme si on n'a pas vu, pourtant on a bien vu. On n'a plus même ça par derrière. C'est ce que Lolo faisait, elle agissait en sous-marin. Et j'étais informée. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à commenter et dire à Nadège, qui est en train d'insulter toute ma famille, Flore Magina Quintampoulia. Les dépouilles, tu connais combien de dépouilles chaque personne a dans sa famille. Toi-même, Flore, tu as insulté la dépouille de ma belle-mère ici. Tu ne rigoles pas quand tu te lèves pour insulter les gens. Tu mélanges tout et n'importe quoi. Tu as insulté son corps, son cadavre. Oui, quand elle est décédée, tu m'as bien clashé, tu m'as insulté sa dépouille, le feu sort. Heureusement qu'elle a eu un repos, c'est-à-dire on l'a accompagnée dignement. Mais si on était un peu les gens, qu'on était même gay, mais là, ça allait encore même faire mal. Parce qu'on a dit que ouais, elle est insultée, mais on n'avait même pas l'argent, mais nous on a fait ça comme les grands. Mais sauf que tu as lavé, séché, rincé sa propre. Mais lavé sur ça la magie, lavé même sa dépouille propre. Sauf que pourtant, ne pas loin. Mais je te dis encore et je te répète. Lolo a accepté que Gomopion m'insulte. Et insulte toutes les dépouilles de ma... Lolo a applaudi et félicité Gomopion. Elle dit que waouh, tu connais le clash, tu as pris ça. Ouf. C'était bon à elle. Or, elle devait tout le temps, quand elle arrive, dire je ne veux pas que vous insultez Nathalie Babalé et Patoumel. Parce qu'ils étaient sur nous deux. Avant ça, Patoumel a essuyé un clash pendant 2 semaines. En ce moment, ils ont dit dans la team de merde de Ténébris que Patoumel a voulu détruire la Russie. Et qu'elle est manipulatrice. Pendant 2 semaines, Lolo n'a jamais appelé ni Patou ni moi. Mais elle est venue il y a 5 jours pour se victimiser et dire que j'ai appelé, dit que sa mère est morte. J'en ai marre. Elles disent que j'ai insulté leur mère. Je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. J'ai juste dit que votre mère est morte depuis des années-lumière. On est fatigué que les vieilles femmes pour attirer la sympathie disent toujours que leur mère est morte. Moi-même, ma mère est morte. Quand on est là en rang là, il y a beaucoup de gens qui suivent là qui ont perdu leur mère. Donc arrêtez tout le temps de vous victimiser. Ma mère est morte. Ta mère est morte, elle n'a pas rempli la terre. Il y a l'espace pour tout le monde. Nul ne se sentira vivant de cette vie. Vous comprenez quoi? Donc, ceci étant, et Lolo, et Rêve, et toute la bande qui vient avec, on en a marre. Et j'ai dit à Rêve aussi que la photo de ta mère est sur un calorifère. Tu veux seulement brûler la dernière photo qui te reste en bas. Ton propriétaire qui te loue le petit T1 là, où tu es au foyer, tu n'as pas le droit de clouer un clou au mur pour accrocher la photo en bas. Parce que moi, ma photo de famille est accrochée ici. Et même quand le type là m'a seulement loué la maison. Ok, mais la photo, mais souvent quand elle vient en direct, peut-être elle peut vous montrer un peu ça. Je tourne un peu, vous voyez. La photo de famille, j'ai supplié le monsieur. Il m'a dit oui, attendez. Attendez, comment on fait ça? Il faut que je tourne, vous voyez un peu la photo. Est-ce que le taxi va même faire que ça voit bien? Oui, Seigneur, attendez. Vous allez pouvoir voir, attendez. Est-ce que vous pouvez voir? J'ai supplié le monsieur que pardon. Est-ce que je peux mettre ma photo de famille? Voilà ça en haut là-bas. Je vais faire le direct tout à l'heure. Dès que fini, il m'a donné un peu la maison pour que je fasse le direct. Dès que fini, je ressors. Vous voyez, dans ma photo de famille, là. J'ai supplié le monsieur. J'ai dit que pardon, j'habite dans la voiture. Est-ce que je peux mettre ma photo en haut? Pardon, je supplie la maison. Je ne peux pas être dans une grosse belle maison comme ça. Non, on m'insulte beaucoup sur Facebook que j'habite dans la voiture. Laissez-moi mettre ma photo avec mon mari et mes 2 princesses ici pour faire la directe. Quand un moment, je vais tourner la photo. Après, en sortant pour aller dans ma voiture, je vais démonter la photo pour remettre. Et là, ça a dépassé Binda, Binastique, Kouteli Nakamta, Noiro Peta Noireta, de mettre la photo de sa mère sur le mur. On ne doit pas parler de ça, on appelle de vous. Que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Mais le tout cette fois-ci, elle ne t'a vraiment rien fait. Non. Parce que j'ai regardé encore et voir, on dit que les yeux les fassent, mais j'ai un peu fouillé pour comprendre. Mais j'ai compris que cette fois-ci, tu as eu tort d'arriver où tu es aujourd'hui. Flore, je n'ai jamais tort. Elle a agi en sous-marin. Tu ne peux pas voir parce qu'elle commente. Cette fille la connaît. Elle fait les directs, elle supprime. Flore, il y a un direct il y a 3 jours. Elle a fait, elle nous a lavé, séché, rincé, elle a supprimé. Flore, elle agit en sous-marin. Laisse les choses que tu t'es promis. Flore, tu n'as pas le temps de te promener. Toi, tu aimes toi. Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Tu vas prendre le temps pour te promener, pour mener une enquête. Dis seulement que tu as seulement pris l'occasion. Tu as vu qu'en ce moment-là, toi brûle avec chin-chin pantalon et je la traite comme il faut dans les règles de l'art. Tu connais, non? J'ai le traitement qu'il faut. Je suis toujours une place. Je n'ai même pas les gens qui doivent téléphoner pour ajouter les injures. Parce que pour moi, même beaucoup dans les règles de l'art. Et on m'écoute pendant longtemps. Hein. Quand j'ai un groupe de personnes qui m'écoutent, ils restent là même 2 heures. Ils mettent seulement play, ils sont en train de préparer. Ils peuvent m'écouter en s'occupant des enfants, en faisant les devoirs. Parce qu'il n'y a aucun mot qui sort qui est un genre. Je parle, je m'entends parler.
Je ne suis pas dans les bas de ceinture. Vous, vous êtes dans les bas de ceinture, et comme ça, faire couper le pied, couper la tête. Vos choses sont invraisemblables. C'est que tu fais. Est-ce qu'une chose comme ça peut m'arriver sur la terre? Moi, quand je parle, c'est des choses normales. Ça veut dire que n'importe qui peut me suivre. Jusqu'à la présidence, s'il vous plaît. Je suis suivi là-bas. Arrête tes conneries, c'est elle qui a commencé. Au fait, je pense que aujourd'hui, on n'écrit pas Borosangi ici. On n'écrit pas les surnoms. Tu as une Nathalie? Flo a dit qu'on ne m'appelle pas. Flo a dit au direct qu'on ne m'appelle pas Borosangi. C'est quand les mouches étaient là. Bororo, bororo. Quand c'est comme ça, les doigts grattent. Ah, ma photo aussi. Elle dit non, 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 non. Je ne vais pas. On dit même que la maman des Legos là est montée pour m'insulter. La fille qui a fait l'enfant avec le gars de Comme Canada. L'enfant ressemble à son père jusqu'à le père a dit que je mets ma tête sur les pieds, je fuis. Elle a bosé, elle a commencé le bosé au Tchad jusqu'à arriver en France. Une peste de chez peste. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu. Le gars a mis les pieds à la tête, il a eu fureau. Oui, oui. La fille qui s'assoit, elle est dans un T1. Elle prend les clients dedans, ses enfants dedans, tout. Ils ont une chambre et un salon. Coin cuisine. Elle me parle. Elle est venue faire les travaux dans le HLM jusqu'à publier les travaux sur Facebook. Vous prenez les appartements des gens, vous faites les travaux jusqu'à vous publier comme si c'est pour vous. À vos vieil âge, vous aurez la maison quand? Parce qu'il faut, quand on a la maison, on travaille pour la maison, là, qu'on a encore la force. C'est pas quand vous allez jouer au loto, vous allez gagner l'euro million. Quel blanc va vous prendre quand vous êtes allé les rebeux à 20 euros, 30 euros? Vous avez trouvé le vrai gibier dans votre milieu là, comment? Oui, là, il y a les riches vers Monaco là-bas avec notre Natacha. Votre chemin est long, hein? Bien, Young, hein? Bien, Kang, Dieu, t'as moins de bruit. Wang, oh, ma chunga, oh, ma chunga, 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 la tête comme le lézard, maman de Legos. Ta tête comme le lézard. Tu es là quand on te regarde comme si on t'a trempé. À foube, chomje. Tu t'assois. Mon nom. Le gars que tu as frappé l'argent de son téléphone pour prendre le Boza pour aller au Tchad. Tu as Boza jusqu'à arriver en France. Tu me parles. Ma chose arrive sur Facebook, tu te mets sur ça. Je dis que le père de l'enfant, sans compter le dernier père, le dernier enfant, qui a porté les pieds, mettre sur sa tête, il est sorti avec un homme. Un homme te quitte, il soit avec un homme. Ça veut dire que c'est grave. T'as pas seulement, c'est gâté. Ça veut dire que tu as enlevé le dégoût de la femme sur l'homme là. Monjou, tu loues, Niami, tu te rends monjou. Parce qu'il est venu en couple avec un homme. Et ça ne chauffe pas. Quand il te voit, il traverse la route. Mieux la voiture le cogne. Tu oses t'adresser ça à moi, maman. Je t'ai fait quoi? Tu as oublié comment tu as lavé ma grande soeur chérie, ma bangopissi. Gratuitement. Et venu nous dire que, oh, on ne peut pas prononcer ton chat. Parce que ton chat, c'est une maman, elle a les grands enfants. Ma bangop a les grands enfants aussi. Et c'est une femme mûre, gentille, qui est à l'écoute de tout le monde. Même Flor Magina Kenkam, c'est la fille de ma bangop. Ma Badgoub, c'est ma soeur de sang. Mais Flore, c'est aussi sa fille. Et elle me dit toujours, c'est ma fille, vous devez faire la paix, mais je refuse. Je vous dis bien, hein, faut que vous compreniez. Ma Badgoub, c'est ma soeur, c'est le sang. Mais elle est Flore, c'est sa fille. Pépé, ce sont ses filles. Toutes les gens de Paris, là, ce sont ses enfants. Elle me dit toujours que toi, là, je dis que non, ma laisse, pardon. Pour moi, elle était partie trop longue, il faut laisser. Flore, c'est sa fille. Elle poste même les choses de Flore. Quand Flore la tague, elle poste, elle partage. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas, et je ne fais pas les problèmes pour ça. Tu comprends quoi? Tu es venu insulter maman Bangopissi. Hein? Je dis que le gars est quitté d'elle, parti chercher les gars. Donc elle a enlevé le goût de quoi toucher le gars. Le gars, il ne va pas partir se marier avec une gars. Je vous promets. Avec un homme. Nous me laissons. Je dis que le gars, mon Tchumba, notre Tchumbuta Menzui, il fait l'enfant avec. Quand il quitte la femme, il passe à prendre un nom. Pour lui, le goût du couette est parti. Elle a enlevé ça sur le gars. Là. Quand le gars voit le côté, il peut mourir. Il peut mourir. Attends, j'allume. Ok, on ne me voit plus bien. Moi, je dis que c'est quoi, j'ai fait le genre ça. Et c'est aussi comme Toto. Je dis pas comme Toto, Tonga. Moi, je dis que j'ai fait le genre ça. Quel genre ça? Hein? Je dis pas comme Toto, Tonga. Moi, je dis que j'ai fait le genre ça. Hé, hey, la paix. Je dis que la fille est sortie avec le gars. Dans le gars, elle enlève. Le gars a eu le dégoût. Le gars ne veut plus de couette. Le gars s'est mis seulement avec un homme. Vous avez vu ça où? Hein? On continue. Mais il fallait que ça arrive. Pour que Lolo comprenne ce que j'ai vécu avec toi. Pour que Lolo comprenne que je ne t'avais rien fait. Parce que je vais revenir à la jeunesse. Voilà. Flore, vous savez, moi, c'est ce que je trouve, tu vois, spécial en Flore. N'importe quelle situation, elle tire d'abord, c'est la mène ça sur elle. D'abord. Vous voyez, non? Elle dit qu'il fallait que ça aille pour que Lolo comprenne ce qu'elle, elle a vécu. Donc, Flore, maintenant, se victimise et dit que le problème que j'ai avec elle, la faute, c'était moi.
Mais là, vous allez voir ce qu'elle va sortir comme énormité, qui n'a rien à voir avec la situation qu'on a vécue. C'est ça que je trouve vraiment. Et vous savez, les nouveaux internautes, il y a des gens qui me suivent pour la première fois. Il y a des gens qui sont tombés fascinés de ma personne. C'est-à-dire que de ma façon d'être et de comment je parle, comment je m'exprime, comment je sais garder captif mon audimat. Les gens aiment ça, vous voyez. Mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu, d'où je sors. Parfois, quand j'explique certaines choses un peu tard, on dit, mais c'est déjà passé. Non, c'est important de rafraîchir la mémoire. Ce que Flore a fait hier, ça donne encore 500 ou 5000 personnes qui vont dire que yeah, donc c'était la mer là. Et 2000 ou 1000 qui vont dire que yeah, la mer s'y a menti, ce n'était pas vraiment ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Allô ma mère. Ça va très bien ma maman chérie. Je suis en direct, j'ai fait le Congo ça ma mère. Tu sais que j'aime le Congo ça. Maman, je t'appelle quand j'ai fini le Congo ça, non. Maman, il y a 1000 personnes qui m'écoutent au Congo ça. Donc, mets-toi derrière la fenêtre, tu m'écoutes. Derrière la fenêtre, maman. N'ancre pas ici. Tu sais que je ne prononce jamais ton nom, non. Surtout ma mère chérie de Canada, là. C'est quoi, mon foufou, c'est pour quand, maman? Tu me puges, non. Tu me puges avec ma mère. Ou tu fais le tarot, ce que tu fais, je prends, non. Tu es ma mère. Ce que ta main arrive sur ça, je ne peux jamais refuser. Maman, ce que ta main arrive. Alors, c'est tout. Maman, là où ta main arrive, je comprends qu'à toi, le tarot avait les obstacles, un genre. Merci, maman. Oh, maman, oh, oh. Il m'assoit là-bas comme ça, là. Oui, maman. Le un samedi, pour qu'il reste juste en... Voilà. Quand? C'est que c'est bon, alors on va faire ça comme ça. C'est. Oui, on fait ça comme ça, il n'y a pas de souci, alors. En tout cas, on va faire dans l'autre, c'est tout. On fait comme ça, ma mère. Bisous, bisous, maman. Ça, c'est ma mère. Il paraît que ce que tu es en train de faire suit à Lolo aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir, je ne t'avais jamais suivi. Voilà les nouvelles personnes. Maintenant, je dors pour t'écouter. Parce que je suis fière. Ouais, là, alors, c'est la partie qui a choqué Lolo. Flore, hein? Non, Flore, on connaît faire le démarrage en côte. Donc, Flore commence un peu. Tu as tort. Là, Lolo reste dit, voilà. Même Flore, tu veux que j'ai raison. Bon, sang, il a tort. La chef. Ah, moi la chèvre, c'est mon nom, hein, Lolo, que tu m'as donné, je ne peux jamais oublier ça. Ah, moi la chèvre, attends. Voilà Flore qui dit. Après, Flore dit encore que je dors pour te suivre. Parce que ce que tu dis, là, c'est bon à moi. Hé, hey, là, Lolo n'aime pas ça. Lolo dit que la fille, je joue dans mon cerveau ou quoi. Non, Flore, tu connais le clash. Tu comprends, non, pour l'autre, sinon. Voilà. Je suis contente parce qu'on dit, le mal se paye pas. Le mal qu'on fait, ça se paye ici sur terre. Il n'y a pas d'autre endroit où tu vas aller payer le mal, c'est sur terre. C'est sur terre. Et c'est ce que. Lolo est en train de vivre avec toi. Avec moi, Nathalie, ma grande soeur. Bref, ma petite soeur. Ma petite soeur, voilà. C'est que les abeilles ont vu. Vous avez vu, non? Ma grande soeur, bref, ma petite soeur. Vous voyez comment Flore commence à comprendre que je sais qu'elle est mon aînée. Très important. Voilà. Tu as lancé un litige de bons et loyaux services. C'était une histoire d'argent. Les abeilles ont refusé. Ce sont les abeilles, ce sont mes fans. Toi, tu travaillais pour moi. Tu fus d'abord une fan. Quand on est fan, ça veut dire que tu travailles. J'étais ta patronne. Tu étais une fan. Et j'étais soutenue. Voilà. Vous voyez, Flore, ce qui me plaît, vous voyez, c'est qu'elle sait se mettre toujours au-dessus de la mêlée, même dans le mensonge. Donc, mon problème a commencé avec Flore. Elle dit que c'est avec le litige. Vous savez que ces prostituées-là, pour l'argent, elles sont prêtes à tout. Voilà Eva qui dit qu'elle est nouvelle sur mon mur. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Elle apprend maintenant. Et tu vas avoir beaucoup à apprendre, ma chérie. Elles sont très futées, ces prostituées-là. Quand elles veulent, parce qu'elles sont là pour l'argent. Et quand elles te voient venir, si elles savent qu'il y a un ange, regardez Lolo juste pour les étoiles, elle peut tuer. Elle fait le direct, elle fait 40 minutes à attendre les étoiles. Même si j'ai demandé aucune étoile. On est là depuis presque 1h30 ou je ne sais pas combien de temps. Elle aurait déjà demandé des étoiles, même 6 vagues d'étoiles. Mais c'est moi qu'elle caricature de celle qui demande les étoiles et qui ne vit que par les étoiles. Vous voyez un peu comment la personne proche prêche ce qu'elle est pour s'effacer, pour s'échapper dans les mailles et qu'on colle ça sur l'autre personne parce qu'elle a beaucoup de gens qui la suivent et le message part très très vite. Flore vient dire que son problème avec moi, c'est parce que j'avais fait un litige de bon et loyal service. Vous voyez comment Flore a simplifié le truc à l'argent. Pourtant, ce n'était pas ça le problème. Le problème n'a pas commencé là. J'ai déjà expliqué N fois sur le net. Je vais encore réexpliquer aujourd'hui parce que moi, j'ai la mémoire. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai cette la grosse tête de papin que vous dites là. Mais j'ai aussi un gros cerveau dans la tête. Et le gros cerveau a la mémoire.
Et une mémoire enregistreuse avec plein de tiroirs dont je possède par élimination. J'efface ce que je veux et je garde ce qui est. Et si vous allez sur mes directs sur YouTube, sur mes vidéos, vous allez voir que c'est la même maudite histoire que je fais que raconter tout le temps. C'est ça la différence entre ceux qui ont les petites têtes comme vous avec des cerveaux de moineaux qui n'ont pas assez d'intelligence et de sagesse même en plus de ça. C'est pas ça qui se passait, Flore. C'est comme on dit, tu es venue, je suis ta productrice, tu n'es pas ma productrice. Donc tu ne m'as pas aidée, c'est moi qui t'a élevée. Il y a 1073 personnes, c'est la vérité. Je t'ai produite, j'aimais ton aura. Tu comprends? On peut appeler sa fan. Comme quand quelqu'un, quand Ben Deka est venu, à un moment, je suis fan de Ben Deka. Je dis, oh, ma star, j'étais contente. Quand je le voyais, je vois quelqu'un qui a bercé mon adolescence, mon enfance, mon je ne sais pas trop bien quoi. Donc, je suis fan. Flore, j'aimais ton aura. Mon mari et moi, on aimait ton aura. On a décidé de t'inviter parce que tu pleurais qu'on a publié ta nudité. On a eu de l'empathie pour tes pleurs qui étaient devenus après un mensonge. Parce que tu sais comment tu manipules l'opinion. Tu es bonne là-dedans. Je t'octroie ça. Je te donne la palme d'or pour ça. Tu es bonne. Et c'est comme ça que j'ai décidé, c'est pas mon mari là, parce que c'est moi qui disais, chérie, on va l'inviter. Je lui dis, il dit, ah bon? Je dis oui. Je suis au Cameroun, il me dit que tu viens, Flore. C'est comme ça que tu es venue, première année. Dans la première année, tu as donné rendez-vous. La deuxième année, dans le micro, toi-même, tu étais étonnée de l'accueil. Et dans le micro, tu as dit que tu viens. Comme je suis une femme de parole, j'ai maintenu que tu viennes. La deuxième année. Flore, la deuxième année, tu as failli même ne pas venir. C'était un peu difficile. Je suis allée jusqu'à Paris. Là, on disait que la chèvre, et j'étais dans un hôtel. Et je disais, oui, la chèvre, mais c'était le temps là. Parce que tu me disais que je suis, ah, tu étais allé vendre ton piment un peu loin. Tu as fait 2 semaines. Tu es venu comme à 2 jours que je partais, quelque chose comme ça, Flore. Je me rappelle comme si c'était hier. Et tu as dit, on fait le comment? Ouais, là, mais prends même un artiste. Est-ce que moi, je ne vais pas faire le poids, ma mère, tu vois? La dernière fois, c'est arrivé comme ça, mais est-ce que ça va encore se répéter? J'ai dit, Flore, tu as un aura et tu as donné la parole. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Si tu veux revenir, moi, ça ne me dérange pas. Je paye ton billet, je paye. Et moi, je paye tous les billets en janvier ou en février. Je paye pas le tchat. Tu viens en mars, mais en janvier, tout est payé. Ton billet, ton dépôt de cachette et tout. Je complète seulement le reste quand tu arrives. C'était comme ça, Flore. Et ça allait, tout est allé. Première année, deuxième année, tu as dit dans la salle que tu reviens. La troisième année, la deuxième année, c'était tellement parce qu'il y avait Marie Larose qui venait de l'autre côté et Toto Tonga, cette pembèche, cette bandite de grand chemin qui entrait dans la limousine et s'agitait. J'ai pris cheval calé, j'ai giflé, pam, pam. C'était la magie. Tu es encore entré, tu étais étonné. C'était encore le fou. C'était cette fois-là, c'était à Christophe. La première fois, c'était à Frontenac. C'est moi ta productrice. C'est pas toi qui me fabrique, c'est moi qui te produis dans mes événements. C'est pas parce que tu viens que la salle est pleine, mais c'est parce que la salle est d'abord pleine. Parce que je travaille d'arrache-pied pour remplir la salle. Je suis une personne du terrain. Ce qui est sûr, c'est ça. Et un événement, c'est dans la main du promoteur. C'est le promoteur qui fait son événement. D'abord, avant que l'artiste vienne compléter. Mets ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Et ça a toujours été comme ça. J'ai jamais tapé poteau au Canada, je ne taperai jamais poteau de ma vie. Parce que je mets l'énergie, l'engouement, la dièse et la prière qui va avec. Et je me donne à fond. Les gens viennent même seulement quand ma mère, je viens seulement pour rien comme ça, pour te soutenir parce que j'aime ton truc. Vous comprenez? Deuxième année, c'est ça. Et s'il te plaît, première année, ça s'est bien passé. Dans le courant de la deuxième année, je viens à Paris avec mon mari. Il ne faut pas parler parce que l'autre a dit qu'il n'a pas les papiers. Je viens à Paris avec mon mari pour 10 jours. On habite chez Paralobon. Oui, on fait 2 semaines chez Paralobon. Oui, Flore. Tu dis que tu vas nous recevoir. Tu nous fais à manger chez toi. Tu avais fait où c'était la viande. Tu avais une table à manger. Il n'y avait pas encore les chaises. Il y avait un matelas au sol. Tanga, gabonaise un peu potelée. C'était elle Tanga le temps là. On arrivait, il y avait une salle à manger au salon. Dans le coin cuisine. La maison là. Quand on monte l'escalier là. Je crois que c'était où là que tu... Non, on t'a chassé. Celle qu'on t'a chassé. Que j'avais dit qu'on devait te chasser. On t'a chassé là. Voilà. Dans cette maison là. Il n'y avait pas encore les meubles. Où tu avais eu trop de meubles. On marchait, on coignait les pieds partout. Tellement tu as commandé les meubles. Parce que les Africains adorent remplir les meubles dans les maisons. Moi, je ne remplis pas trop de meubles dans la maison, Flore. Ce jour, tu nous sors le projet de ton... C'est en juillet. Le projet de ta compagnie de rouge à lèvres de FDL. C'était dans un business plan. Tout était dans le cahier déjà fait. On a même trouvé ça, waouh, ça veut dire que tu es bien entouré. On pensait qu'on venait peut-être faire une banque d'idées, mais on a trouvé que tu étais déjà prêt, tu étais bien entouré. On ne savait pas que c'est le projet de pâtissière que tu as mis sur papier. Il faut dire les choses aux gens. Et c'est ça qui vous bloque. Flore, quand tu veux parler aux gens, dis la vérité. Tu avais un projet avec Patricia. Patricia allait légaliser avec ton aval. Et maintenant, c'est-à-dire que vous avez tout écrit sur papier. Patricia a fait toutes les recherches du projet, travaillé sur le business plan. Tu as pris ça maintenant, les idées. Tu allais donner à ta copine qui vend le piment avec toi. Et elle a choisi de lancer l'entreprise. Mais elle ne savait pas que c'était déjà enregistré à l'OACI. Il faut dire aux gens ce qui s'est passé, Flore. Moi, ce qui m'énerve, c'est que vous êtes
C'est-à-dire, vous mentez tellement et vous vous mentez, mais vous vous perdez même dans votre pension. Des fois, c'est quelque chose, des fois, c'est son contraire. On ne comprend plus rien. Flore, mon mari m'a dit ce jour, dans ton coffret, tu nous as fait lire tout ce qui va être. Et on a vu qu'il y avait les lunettes. Oh, j'avais un projet de lunettes. Dans la première année que tu es venue, Marie Larose est venue à Toronto dans cette première année, en été, chez mon impératrice Queen. C'est moi qui ai demandé à l'impératrice Queen d'être invitée et d'inviter Marie Larose. Moi-même, j'ai pris la voiture pour aller vous rejoindre là-bas. Et cette période-là, je parlais des lunettes. Tata Sophie, qui est la tante de Marie Larose, et l'année que Marie Larose, on a parlé des lunettes. On devait aller en Chine pour les lunettes, Flore, tu le sais. Mais dans ton coffret, tu as mis les lunettes. Quand on est sorti de chez toi, mon mari m'a dit, mon Dieu, cette fille, elle fuitait. Elle a mis les lunettes dans le coffret. J'ai dit, ouais. Il dit, c'était ton projet, comment tu vas faire? Je vais laisser faire. Je ne vais pas avoir à discuter, machin, ceci, chérie, qu'elle prenne même, qu'elle fasse, c'est mon fou. Je fais plus. Vous comprenez? On avance. On plie le doigt. Moi, je plie bien mon doigt. Je vois l'esprit qui anime le personnage. Ça allait graduellement. Deuxième année, tu dois venir au Canada. Quand tu es venu, cheval calèche. Je parle à certains. J'ai un noyau dur. Ils étaient peut-être 6 ou 7, pas plus. Pour qu'ils m'aident à faire le cheval calèche, parce que tout ce qui se faisait était à beaucoup. Yuri Yagami t'appelle et te dit qu'elle nous a demandé. Toi, tu crois que j'ai demandé pour mettre dans ma poche que je te mettais dans un cheval calèche, petite peste? Ça coûtait 950 dollars, j'ai encore le reçu dans mes emails. Si tu t'amuses, je poste ça ici. Le cheval calèche pour t'amener à la salle. Hein. Donc tu es venu avec ton avion qui m'a coûté peut-être 800 ou 900 dollars. Tu as ton hôtel que tu habites, mais je paye encore 950 pour un cheval calèche. Donc je voyais que le coût devait être, on m'avait donné le coût à 700. Mais j'étais en retard, petite peste. J'ai dû repayer encore 2 heures de plus. Donc je suis monté tout avec les taxes à 950. J'ai le reçu dans mon email. Tu t'amuses, je te sors ça. Tu comprends? Et ton Yuri Yagami était parmi les gens que j'ai demandé à Yuri, j'ai demandé à, comment t'appelles, celle-là à Toronto, là, ta personne-là, que j'ai même bloqué les bêtises. Parce que moi, quand tu fais un peu comme si tu vas réfléchir avec le cerveau de moineau, je te bloque. Parce que moi, je suis un livre ouvert, je dis ce qui est. Ça ne va pas, je vous bloque. Je n'ai pas besoin de voir par rendez-vous. Chacun vient en détail sur terre. On est d'accord? Si quelque chose, on dit si ton œil doit être en occasion de chute, il faut l'ôter. Vaut mieux entrer borne dans le royaume de ceux que de ne jamais entrer. Donc moi, les choses qui font embrouiller, je ne garde pas les gens pour garder, ça ne va pas, je vous bloque. Elle s'appelait Rebecca Allard. Comment elle s'appelle? Lucie, celle-là. Brady, hey, elle fait des cheveux. Comment elle s'appelle? J'ai bloqué aussi dernièrement parce qu'elle a fait un peu des commentaires. J'ai bloqué. Pourtant, Drusil Hair. Donc, il y avait Drusil Hair. Parce que Drusil Hair disait toujours, si tu as quelque chose, même pour les dons des enfants, tu m'appelles. Et quand je faisais les dons des enfants, Drusil Hair envoyait au pays les palettes de jus. Je ne peux pas mentir. Elle envoyait les palettes, au moins 10 ou 15 palettes de jus qu'on distribuait aux enfants au pont de la gare. C'était Drusil Hair. Elle dit, j'envoie mon beau-frère déposer les palettes. Elle, je ne sais pas combien elle achète. On vient seulement me donner. Elle dit, n'importe quoi que tu fais, n'oublie pas de mettre Dio. N'importe quoi. Tu lui as dit que là, je suis un peu mal prise. Ce n'est pas les outils des enfants, mais c'est le cheval calèche. Je me suis renseignée. Ils m'ont dit 700 dollars. Dans mon budget, je ne peux plus dégager 700 dollars. Je suis un peu prise avec la salle, les ceci, les verres. Parce que moi, je mets à fond la caisse dans mes événements. Je ne dois rien à personne comme la PDG les plantait. Quand tu sors, j'ai tout payé. Le matin, tout le monde est correct. Je ne rentre pas dormir. Vous comprenez? Donc, je lui ai dit. Rebecca Allard et Yuri Gamega, voilà les trois gens. Et Jean Cancan, qui était dans la team de Flore, c'est un gars banganté, c'était d'abord ma personne personnelle. Jean Cancan, c'était ma personne, j'ai son numéro direct. Je vous parle là, j'ai son numéro. Quand il faisait trop comme il m'insultait, il a dit que si tu t'amuses, je t'expose. Il s'est un peu calmé. J'ai aussi arrêté. Et je sais c'est qui. Je sais même les pages comme ça qui gère. Quand il s'est calmé, j'ai aussi arrêté. Parce que pour moi, ne pars pas loin. Je t'expose, on quitte sur les problèmes. Mais vous ne pouvez pas venir salir quelqu'un qui n'a rien fait de mal et puis vous regardez que j'ai peur de vous, que vous allez faire quoi. C'est comme ça que Flore, j'ai demandé à ces gens, et le bon, pas le bon. Comme le bon, c'est mon ami, le bien, c'est mes amis personnels, c'est moi qui les prends pour les amener dans ta team. Ils ne te connaissaient pas pour aller être avec toi. D'ailleurs, quand je suis venu à Paris, la période où on est venu chez toi, c'est peut-être la première fois qu'on venait, ou la deuxième fois, parce que c'était d'abord venu avec le bien, seul, seul. On a trouvé le couple de ta copine de Toulon, là, qui a payé, financé, fier de lécher. Son blanc venait de perdre... son père, c'est pour ça qu'ils ont eu l'héritage de 40 000... Quand on est venu en mars, il a eu l'héritage de 40 000 euros et c'est ce 40 000 qu'il a pris pour mettre dans ton coffret. C'est comme ça que ça s'est passé. Vérité vraie. D'accord? Et c'est comme ça que nous, quand on revient à mon mari, tu dis que je vais recevoir le terriblement. Je vous reçois, tu nous as fait une viande de brousse, quelque chose, on est venu à la maison. Flore, quand tu revenais au Canada la deuxième fois, tu arrives, tu me dis, il faut que je te parle. On est dans la voiture. Tu me dis, je n'aime pas que tu appelles mes gens pour leur demander l'argent. Parce qu'ils me disent que tu les appelles, je dis qui? Je n'ai pas appelé des gens pour. J'aime pas la saleté. Je n'ai pas appelé des gens pour demander l'argent. Vous avez toujours cet esprit. Vous pensez qu'on passe derrière vous pour manger. Flore, déjà quand tu es placé quelque part au firmament, les gens qui sont alignés derrière toi, crescendo,
Il y en a en avançant qui doivent aussi manger les miettes. Même quand le chef mange à sa table, les miettes tombent. Mettez déjà ça dans votre tête. Vous les prostituez. Vous pensez que ça va se mancaler pour une personne. C'est pour ça que vous avez le gros cœur. Et vos choses tombent aussi très mal. Sachez que ça se redistribue les richesses. Donc en bas même du plat, l'oiseau peut se mettre en bas d'une table. Tu ne lui donnes pas le pain, mais les miettes le trouvent en bas. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Parce que vous êtes tellement primitive et arrêté. Vous avez une façon d'analyser, de mettre les gens dans les escroqueries ou les mendicités des miettes qui ne portent nulle part. Et vous commencez à chanter ça partout, Jean Kankan n'est jamais Niak Barino. Jean Kankan, c'est pas Niak. Je vous dis déjà en partant. Donc, c'est comme ça que tu me dis ça là. Tu dis non, c'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, nuance, tu es en train de parler là que tes gens t'ont appelé. Qui va t'appeler? Parce que j'ai demandé, je lui ai recité. Je ne lui ai pas dit ce que je voulais faire parce qu'elle m'a dit ça avant que le cheval calèche arrive. J'ai dit que j'avais pas mal de choses que je voulais faire et je voulais à tout prix les faire parce que le camp d'en face, c'était la guerre. Quand Toto Tonga, ça, c'est le jour qu'ils ont mis Marie la Rose Mafo. Oui, c'est ce jour-là, c'est ce voyage-là. Quand Toto Tonga, ça, j'ai dit limousine, limousine. Je dis que limousine, c'est quoi? C'est 250, 300 dollars. Moi, je prends le cheval calèche, 750. J'ai appelé mes gens de main. Jean Cancan m'a envoyé. Je ne sais plus c'était 100 dollars ou 100. Le bon m'a envoyé. Rebecca Allard m'a envoyé. Dussie Hair. Est-ce que c'était Dussie Hair ou Rebecca? Entre Dussie Hair et Rebecca, quelqu'un m'a envoyé. Entre les deux, une personne. Parce qu'une n'a pas pu. Et Yuri Yagami n'a pas répondu. C'est lui qui est parti m'accuser chez Flore. Parce que pour lui, je lui demandais l'argent. Hein? Lang. Tu peux me nourrir. J'ai 4 congélateurs. Faites pas faire le tour de la maison. Je ne vais pas vous montrer les congélateurs. Plein. J'ai dit que plein. Et je répète ça tout le temps. Ce qui m'embête, c'est quoi? C'est que ces prostichiennes veulent que le cerveau de quelqu'un, c'est que tu deviens comme une folle. Je vais toujours répéter quand c'est la vérité. Vous allez me trouver comme une... Je vais toujours répéter. Parce que la vérité, ça prend les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur. Et quand on vous demande de développer, vous n'êtes pas capable. Parce que vous êtes justement fermé et arrêté avec vos idées de mendicité, de miettes. Quand Dieu t'appelle aux grandes choses, comment tu t'arrêtes sur les petites choses? Voilà une. Elle est coincée et les étoiles. Quand les streaming et les coupures de vidéos donnent l'argent, Bomae. Voilà une. Elle fait le diable, c'est elle aujourd'hui. Envoyez les étoiles. Oh, mais le manioc. Mais le casinga. Envoyez la 15 minutes. Envoyez le reste. On doit quitter ici avec tant montant. On peut mendier comme ça. Et c'est moi tu vas placer comme mendiant. Il a un ting-ting pantalon. Mais voilà. Flore, c'est comme ça que tu m'as dit ça. Et je ne t'ai même pas dit ce jour pourquoi. J'ai dit que non, c'est que le camp d'enfant, j'avais un truc que je voulais. Et tu dis de préférant, ne leur demande plus. Ne leur demande plus. Laisse-y te donne. Et même s'ils te donnent de me donner, donne-moi tout. Ne fais pas ceci. Elle m'a donné, elle m'a parlé un genre. Parce que c'est des gens qui parlent aux gens comme des. Flore te parle, j'étais au bateau de Flore. Flore me parle au bateau comme un enfant, quoi. Elle vient ici, approche. Je dis, si vous êtes les dominatrices dans vos maisons de patouze, ma comment t'as patouzeuse, maman? Pourquoi moi, tu te sens n'importe comment? Bon, même venga. C'est pour ça que je ne fais pas de réunion, je ne fais pas d'association, parce que je n'ai pas envie de trouver qu'une fille. À la réunion, on va dire que pour la soirée de la réunion, on va bouillir le plantain. Une fille va venir te dire que non, on va faire fille. Juste pour ça, moi, mais tu te parles n'importe quoi. Tu te regardes, moi, tu dis que. Hé, on fait quoi? C'est pour la cotisation pour toucher combien? 500 000? Je suis pas dedans. Je ne veux pas. Moi, comme manquement de respect. Ça, vous mourrez toujours sur votre chemin. Je ne veux pas vous lâcher. Les vieilles chouettes, vous allez rester dans le côté des vieilles chouettes. C'est comme ça. Des prostichiennes que vous êtes. Vous comprenez avec quoi? Voilà l'histoire, Flore. On avance. Mon mari me dit déjà que j'ai plié le doigt, lunettes, comme je vous ai dit. On avance. Tu lances le coffret. Le lancement se fait à Paris. Je t'ai dit, le manquement de respect, c'est ton truc. On est d'abord arrivé au bateau, un pas de retard, comme si tu m'as même payé. Tu ne m'as pas payé, même mon billet d'avion pour venir, tu n'as pas payé. Je suis venu parce que tu m'as mis payé déjà de ton truc, je suis venu soutenir. Tu ne m'as pas payé rien. Rien. Je suis venu, alléluia. Quand tu t'assois, tu t'enorgueillis. C'est parce que quand tu es avec quelque part, tu es quelque part, quand t'as mis quelque part, tu soutiens la chose, tu viens quand même. Tu devais plutôt être fier. J'étais aidé. Tu ne m'as rien aidé. Mes soirées se remplissaient avec ou sans toi, imagine. Puisque quand j'ai invité Marie-Laure, je n'ai pas tapé pour toi. Quand Doudou est venu, je n'ai pas tapé pour toi. Tu n'étais pas là. Donc c'est pour te dire que les gens venaient d'abord à la base. Et tu es venu chez José, il y avait 20 personnes. Flo, sois honnête. J'aime quand les femmes sont honnêtes. Flo, si tu étais un temps soit peu honnête, j'allais plus être sur toi. Mais c'est ta malhonnêteté et ton mensonge qui me tue. C'est-à-dire, je dis, toi là, seulement pour se faire courir sur toi jusqu'à un jour, tu vas t'asseoir être honnête. Tu comprends un peu? Hein? Tu comprends un peu? Faut arrêter, Flo. Tu mens trop. Tu manques comme. Je dis que tu es venu chez José. José t'a mis 12. Il n'y avait même pas 12. Je dis avec l'équipe, le DJ, le staff, les portiers, les sécurités, vous n'en avez pas 20. Tu t'es assise là-bas sur une chaise qui n'a même pas de sens comme ça. Qu'on a filmé, on a envoyé à Marie la Rose, elle avait posté à l'époque.
Tu m'as appelé, tu m'as laissé les audios et dit que c'est toi ce qui connais mes maîtres. Mais tu avais cru que tu avais Montréal dans ta poche. C'est pour ça que tu as accepté José. Mais quand ça t'a tapé, fouetté, aller retour, tu es rentré, bas en retrait, fermé ta bouche, accepté souvent. C'est pour ça que Dieu, la bénédiction pour que ça vienne, il faut appeler à l'existence. Il faut reconnaître. Il faut déclarer de sa bouche. Il faut confesser de sa bouche pour que Dieu ajoute. Vous ne connaissez pas. Vous êtes toujours en train de mépriser. C'est sans dire qu'une prostituée n'a de respect pour rien, c'est vrai. Tu te mets d'abord mal les prostituées, comment? On m'avait prévenu, je n'ai pas écouté Flore. Si j'avais écouté, je n'allais jamais être avec toi. J'ai dit, la personne qui était proche de moi m'avait prévenu. Ce n'est pas le Congo, ça c'est la vérité. Mais j'ai dit que non, elle fait des problèmes, elle va me faire ça que moi, quoi. Je ne suis pas dans leurs choses. Je ne savais pas que vous approchez, c'est la plus pire des choses à faire sur terre. Il ne faut même pas être dans vos pavis, en fait, dans le fond. Je ne savais pas. Parce que je me disais, elle va me faire comment, je ne suis pas prostituée, elle vend pour le piment, je ne suis pas dans l'intérêt, elle va me prendre, me voici. Me voici. Que je joue en gonfle. Celui qui n'écoute pas comprend à la tête de la tombe. Devant sa tombe qui comprend. C'est ce que j'ai eu. Les gens se posent toujours la question, comment tu as fait, comment? Voilà ce qui s'est passé. Quand les lunettes ont fait, je suis venu à Paris, lancement, d'abord tu sais où lancement, j'ai assuré. Hein? J'ai assuré. Déjà pour venir, on est venu un peu en retard, tu as commencé à nous gronder comme si tu nous payais. Viens vite, viens vite, tu es comme ça, va là-bas, comme ça, demain. Je te prends, mon frère Charlie Jaguar, il sort 7 bouteilles de champagne, Flore, pour ton anniversaire. Arrivé dans la salle, on sort les bouteilles, on te pose. Tu viens avec tous les bataillons de lesbiennes, de tout ça. Il y avait même ton gars Bernard, tous ces gens-là. Ils sont assis. Tu prends les bouteilles sur la table principale, tu envoies derrière. Personne n'a rien acheté. On a fait la publicité. C'est ça que vous dites que les affaires de team, là, ça ne remplit pas comme vous pensez. C'est le bruit de métal. Les faux profits, c'est les enfants qui sont en... C'est que dans le Beauza, loin, loin, ils ne peuvent même pas payer rien, là. Qu'ils arrêtent leur bruit qu'ils écrivent, là. Côté pratico-pratique, ils ne payent rien. Ils ne sont même pas là dans le pays, même en partant. Sont loin, loin dans les places de Beauza, de partout, partout, d'Afrique, de connexion à 25 francs là. C'est eux qui écrivent. Ils finissent leur méga à insulter les gens gratuitement, mais ils sont même pas. On a continué de te rappeler de Corinne Berthier. Voilà. Autant de choses. Flore, tu arrives, on fait ton gars, on sort là, le champagne, tu coupes le gâteau. C'est à peine même si tu donnes la tranche de mon frère qui t'offre tout ça. Étant venu au bateau, à mon nom, Charlie Jaguar, c'est mon petit frère. Mon petit frère! À mon nom, il t'a farté au bateau au moins 700 euros. C'est pas le Congo, ça, c'est la vérité. J'étais là. J'étais là. Tu peux pas dire que non. Il t'a farté en bas dans le bateau quand Charlie Jones chantait. Il t'a farté. Quand le gars aussi, Seven Chumi, Seven Chumi qui chantait que Flore de Lille, on a pris à ton concept. Tu dis tout haut. C'est derrière moi. C'est mon petit frère. C'est le frère aussi de Charlie. I am petit frère. I am frère. Chumi qui a chanté là. Oui. Tout ça, je suis venu avec la bénédiction. Imagina. Le bon, le bien, c'est mes amis. Je suis venu avec toute la bénédiction qui va avec. Tu n'as jamais été reconnaissant jusqu'à nos jours. C'est pour ça que tu chancelles depuis longtemps. Tu crois que tu évolues, mais tu chancelles, ma petite soeur, grande soeur. Oui, oui, Flore, je te le dis sincèrement. Et tu viens t'asseoir, tu dis que les litis, c'était le liti. S'il te plaît, ce liti qui a été fait, j'ai eu 2 900 $. Il n'y a même pas eu une abeille qui a cotisé. Et je reconnais toutes les gens qui ont cotisé. Tant mieux, je sors de la liste. Les gens vivants, normaux que je connais. Aucune abeille. Donc c'est pour te dire que vous faites le bruit avec vos abeilles, vous faites vos litines, Jangui, on sait. On sait les qui cotisent concrètement. C'est pas ce que vous voulez. 500, c'est les gens qui prennent l'argent des réunions et essayent de mettre pour bouger que le vrai mougou tombe. On connaît les litines, Jangui. Faut arrêter. C'est bon, petite soeur, grande soeur. Arrête ça, ma grande soeur. Faut arrêter. Je te le dis sincèrement. On a vu Crescendo, ça ne s'est jamais passé à cause du litine. Vous aimez toujours ramener quelqu'un à néant. Je ne suis pas une petite madame, je suis une grande dame, imagine à quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas, mais je suis une très grande dame. Bénie en arrivant, bénie en partant. Et quand je pars, je laisse un gros trou. Je brille de mon absence. Oui, oui, parce que je fais tout avec mon cœur. Je suis entière. Je ne me vante pas. Vous allez donner tous les noms. Mais quand je pars, je brille de mon absence. Je le sens et je le sais. Je suis comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créée. Je ne suis pas parfaite, hein. J'ai mes défauts. Mais toi, tu n'es pas des moindres, grande sœur. Tu n'es pas des moindres, Flore, imagine à quelqu'un. Tu es un petit cas social. Et tu viens mentir en cause d'internautes, des nouveaux venus, que c'était le liti. Pour que comme ça s'ajoute à KV les étoiles, ça s'ajoute à KV ceci. Toujours pour mettre, elle est partie voir Guita parce qu'elle est. On m'appelle maintenant, c'est Dalwa, que je me couche, je supplie. Dorcas. Mais le Foboki dit Dalwa, c'est elle qui demande les étoiles durant 5 ou 4 heures de direct pour m'insulter. Depuis que je suis connectée, elle demandait l'étoile à qui? Leur bouche sort, elle demande l'étoile, leur bouche, mais elle dit que merde, là, tu demandes à madame la Guta. Mon voyage chez la Guta les a tellement frustrés, Flore. Mais ça, tu n'as pas vu, quoi. Tu vois ce que tu as envie de voir.
C'est pas normal, c'est pas juste. Mon point avec toi n'a pas commencé à cause de l'ITI des bons et loyaux services, Flo. Ça a commencé graduellement. Quand je parle à Prézé à Monte, je n'ai pas mis de l'ITI. Nous sommes au dernier voyage où je t'ai mis dans un appartement meublé. Il y avait les bouteilles de vin partout. J'avais pris un meublé pour toi. J'ai acheté tout ce qu'il fallait comme nous. PDG des plantains veut te parler. Je sais que ce n'est même pas mon ami. Elle insiste. Là, elle venait pour t'inviter. Elle vient, je dis que voici son adresse. Voilà, tu vas là. Je dis que ouais, ma star, je vais t'envoyer PDG. Elle va aller te trouver là-bas. Quand on dit aussi, tu es aussi content, quoi que je t'aime pour vouloir te sortir avec toi. Je n'aime pas les femmes. On croit qu'on veut. J'aime le planting du deuil et je suis servie. Tu comprends quoi? Non, il faut arrêter un peu. À un moment donné, il faut arrêter. Vous salissez même ce qui n'est pas salissable. J'étais envoyée PDG. Tu t'es appelée. J'ai dit que la PDG insiste. Tu m'as d'abord dit qu'elle t'a appelée. Et tu as dit que tu veux d'abord me demander mon aval parce qu'elle veut venir te voir. Tu dis que ça ne me dérange pas. Je n'ai pas peur. Je t'envoie. Je t'envoie. Vous voyez, ça fait quoi? Si tu as mis avec elle, vous dormez mal. Ça me fait quoi? Je possède quelqu'un bas. C'est moi qui garde ta respiration. Vous êtes vu, elle t'a invité. Quand tu arrives à la soirée, avant d'entrer dans la salle, tu m'as dit, je vais te dire un truc. Elle m'a invité, mais j'ai dit qu'il faut qu'elle te demande. C'est toi qui décides. Je sais que tu tapes souvent ta bouche là-bas, c'est sûr que tu m'as chargé. Parce que toi, tu charges facilement les gens. Tu as oublié ma belle beauté. Je t'ai amené à ma belle beauté le même moment que tu es présenté. Tu m'as chargé. Tu es parti prendre l'argent par derrière, que c'est moi qui a tout arrangé. Tu ne la connaissais même pas. Et ce jour, tu veux aussi aller inaugurer la boutique de ma belle sœur Elixono. Tu ne savais. Premier voyage, hein? On était en avril, tu savais même pas c'est quoi monétisation. C'est dit que Flore, tu vas aller, ça va marcher. Hé, hey, ma PDG, tu penses que ça va marcher? Lui, ils vont te donner, tu as un aura, tu as un audima, utilise ça pour ça. Tu es au Cameroun, je dis, vas-y, dis à tes abonnés d'envoyer l'argent que tu vas faire le don des orphelins. C'est moi qui te dis. Tu finis de dire, les abonnés, même ici au Canada, ils envoient, j'envoie. Tu me dis, je vais aller donner où? Je dis, il y a le centre de santé de Colombe, docteur Mbakop, mon frère va t'attendre, ceci, cela. C'est moi qui organise tout. Tête pensante, pivot, tout ce que tu veux. C'est moi. Flo, il faut souvent, quand vous restez dans vous, vous posez souvent des questions, pourquoi vous n'avancez? Parce que vous bloquez vos bénédictions et vous étouffez la main de Dieu dans vos vies. Et il te regarde, il dit, mais comment cette fille peut être ingrate? Une ingratitude notoire. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est que les prostituées qui sont comme ça. Changez un peu. Vous allez voir comment les choses vont émerger. Ça veut dire que ça va émerger de votre côté. Ça bloque pour ça. Parce que vous bloquez vos bénédictions en étouffant. Vous n'appelez pas, vous ne savez pas déclarer et reconnaître les choses qui sont arrivées à vous. Devant même les protagonistes, vous jouez la carte de l'ignorance et du cassage. C'est-à-dire vous cassez, vous recassez encore la personne. Ce n'est pas normal, Flore. Je salue les retranscripteurs. Je suis dans l'heure juste et la vérité tape sec. Porte pas les gants. Voilà ce qui s'est passé. Pour chuter. Quand mars arrive, la dernière année, tu ne veux pas venir. Tu ne veux pas venir au Canada. J'appelle Jean Cancan. Je parle avec le bon. Tu ne veux pas. Jean Cancan te parle. Tu es au Cameroun. Tu dis que prends une autre personne. Non, c'est comment? Tu ne veux pas. Vous avez déjà commencé à planifier ma descente en enfer en ce moment. C'était planifié. Corinne Berthier. Tu l'envoyais nous insulter constamment. Sous ce sujet. Et toi, pour toi, c'est quoi? Il faut que tout le monde qui est autour de toi prenne les flèches et les balles pour que personne ne soit clean. Parce que moi, j'étais derrière toi comme une lumière. Tu le disais tout le temps pendant les 3 années qu'on a tourné ensemble. Tu disais toujours, Nathalie Baba, méfiez-vous d'elle, elle n'est pas simple. Un jour, la maman de ma copine m'a appelée et dit que fais attention à cette femme. Tout le temps, elle fait qu'elle dit qu'on se méfie de toi, tu n'es pas simple. Tu lui as fait quoi? Je dis, je sais, maman. Peut-être tu allais demander mon nom. On a dit que pour l'autre, là, non, c'est une lumière. Il faut laisser. Je suis presque certaine que ça a dû être ça parce que c'était l'époque des Calamongo et tout ce que tu peux imaginer, Flore. Mon problème ne commence pas avec toi sur le litier. Arrête tes conneries de vouloir me rabaisser à un litier. Moi, je suis une femme qui travaille. Mon salaire annuel que je fais, je ne sais pas si en vendant le piment, tu peux faire ça. Je ne pense pas. Parce que le piment à 40 euros, ça prend du temps pour monter. Vous n'avez pas les corps vraiment très recherchés là. Donc, ce qui fait que ça va être vraiment difficile pour que tu atteignes mon salaire annuel. Donc, faut pas trop dire, faut pas toujours vouloir salir pour salir. Changez un peu. Mes soeurs prostituées, vous êtes trop dans la ramasse. Flore, ce qui a déclenché le problème, ma chérie, je vais te dire ça aujourd'hui. Qui fait comme si ça appelle? Attendez, j'envoie un message à un pote.
Merci pour les étoiles. Oh, ça c'est ma... Ouh là là, tu sens mon beau Chabonzi, ça c'est l'or. Oh, merci Chabonzi pour les étoiles. Non, c'est pas un clash, ma chérie. Je te dis, mon cœur est déjà apaisé. J'ai essayé de vouloir comprendre, mais après j'ai compris qu'il y a des gens qu'on ne peut pas changer. C'est votre comme ça, mais il faut quand même... il faut quand même dire des choses, tu vois, ma soeur. Il ne faut pas, non. Flo, je te dis sincèrement, il faut que tu changes. Tu as souvent une façon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ce qui a été bien, sachez faire témoignage de la bénédiction afin que Dieu envoie d'autres. Si vous ne savez pas faire le témoignage de votre bénédiction, il n'y en aura plus. Parce que vous croisez les mains de Dieu. Vous savez comment le diable agit. Le diable va dire, Seigneur, tu vas encore envoyer les bénédictions à Flo. Comment? Voilà trois bénédictions que tu as envoyées, la fin de chier sur ça. Quand Dieu va dire, non, c'est quand même mon enfant Flo, je l'aime beaucoup, il va dire que... Satan va dire, la bénédiction de tel, il va aligner toutes les bénédictions qu'elle a chiées. Et ça sera là. Et Dieu va dire, ouais. Il va regarder comme ça, il dit, ouais, voilà mon enfant, j'ai faim, comment les mains vont être croisées comme ça. C'est comme ça que Satan fait pour lier les mains de Dieu. Peut-être vous ne savez pas, mais c'est comme ça. Je sais que vous êtes tellement pris dans beaucoup de choses, mais non. Mais non, ma soeur, mais non. Mon problème avec toi ne vient pas sur le lit. Mon problème avec toi, c'est que ça allait graduel. Tu lances ta gamme de produits, je dois représenter. Je t'appelle pour faire la représentation du Canada. Ta revendeuse, ta directrice de vente, qui est maintenant la patronne de l'habilleuse. Oui, j'ai son téléphone ici. Elle est chiant comme toi. Vous avez organisé le coup d'État. Vous avez envoyé ma représentante du Canada que je devais être. Et moi, c'était une suite logique parce qu'il va de soi. Je suis dans la team, tu vends les produits, les représentants sont dans les pays, il va de soi que je prenne les représentants. Mais les gens prennent ça comme une espèce de me narguer, de me rabaisser. Vas-y ailleurs, pourquoi? J'ai le droit. J'ai le droit de prendre la représentation des produits. Il ne faut pas trop t'enorgueillir comme si c'était une affaire que j'étais en amour. Non, j'ai le droit. Mais je demande, tu tournes, tu donnes à Angèle Kenyé. Angèle n'a même pas été... Angèle a même pour finir, faisait comme si elle va m'accuser que... Oh, quand tu as donné à Angèle, ça a fait que les gens qui voulaient le produit ont dit qu'ils n'achètent plus parce qu'ils ont vu le coup. Et j'ai laissé faire, Flo. Les gens attendaient que... J'ai laissé faire. Tu as pris mes lunettes. J'ai laissé faire. Les gens qui savaient l'histoire des lunettes, il y avait Tata Sophie, Marie Larose. Elle me regardait, elle se disait, qu'est-ce que la femme, si va parler? J'ai laissé faire. Flo, j'ai laissé faire trop de choses. J'ai laissé. Parce que moi, c'est comme ça. Tu dis que Lolo, même chose chez Lolo. Je fais un genre. Mais quand elle sort, je sors comme la lionne. Et quand elle sort, je sors un tour. Je ne connais plus m'arrêter. C'est pour ça que je n'aime pas sortir, en fait. Le truc, c'est que je n'aime même pas arriver à sortir, Flo. C'est ce qui s'est passé, ma soeur. Il faut que je te dise ça aujourd'hui. Et quand tu es venu le dernier tour, tu ne voulais pas. Quand Jean Kanka a parlé, tout ça. Tu es au Cameroun, c'est février. Février, c'est dernière minute. Wassa, que tu as dit que Angèle Kenya a mis la date. J'ai mis ma date avant Angèle Kenya. Angèle Kenya a mis la date. Le même jour, Flo, tu as oublié. Tu as oublié, Kanka. Le même jour, j'ai vu le coup bas. Et moi, tu avais dit à mes fans, tu avais dit à mes invités. Parce que mes invités, même d'abord. Montréal me dit oui, parce que Montréal même. Ce n'est pas le Congo, ça. Parce que la PDG Pantin vous raconte le 1/10 de ce que je suis. Elle ne connaît rien. Elle peut même pas. Elle ne ressent. Elle n'a même pas le profil de quelqu'un qui peut être mon ami. Donc, tout ce qu'elle raconte là, c'est de la bullshit. Faux et archi faux. Vous comprenez ce que je... Ce n'est pas pour me vanter. Hein. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je vous dis que j'ai les défauts. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit là, c'est tellement faux. Mais elle veut exister. Je la laisse exister à travers moi. Ça ne dérange pas. Si elle peut faire son blog sur moi, c'est correct. Ça ne dérange pas. Je ne vais pas me rendre malade pour ça. Vous comprenez? Flore. Ça dit que tu as tellement œuvré ce temps-là pour ne pas arriver ici qu'au finish, Angèle Kenyé a mis son événement le même. Je savais, Angèle Kenyé, que tu voulais me décharger. J'ai même appelé Angèle Kenyé quand j'ai vu en août-septembre qu'elle a mis l'événement. Je l'ai appelé pour dire que ouais, moi j'avais déjà mis ma paille, là, qu'elle a mis là, il y a plus la salle, là, il y a même le lancement des produits. Là, vous avez tout court-circuité. C'est ce qui s'est passé, Flo, imagine à quelqu'un. Je suis resté pour ça, dit yes. Le bon, Jean Cancan, on a vu ça avec nos yeux. Tu sais ce que Jean Cancan m'avait dit? Je dis ça, c'est la vérité. Merci pour les étoiles, ma patouchou. Jean Cancan m'avait dit que si on échangeait de place, je n'étais jamais venue sur la toile pour être une influenceuse ou quoi. Moi, je faisais mes événements, sortais de Hi-Fi, je faisais les publicités. J'étais une personne qui faisait des événements à caractère communautaire et qui faisait mes choses. Je poste ma veille, je fais comme ça, c'est tout. Voilà ce que je connaissais de Facebook, pas plus. C'est le concours de circonstances qui m'amène jusqu'à devenir une influenceuse aujourd'hui. Là. Si on m'avait dit que je venais pour chercher, que non, j'entends pas d'être là à parader. Ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Jean Cancan m'avait dit, si on te prenait, on te mettait à la place de Flore, ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que la team là ne tombe jamais. Flore, tu as oublié un moment.
ton équipe, il y avait divertissement Japap, Jean Cancan, le bon. C'était les pieds, les trois pattes solides que tu avais, les yeux fermés. On a, moi aussi, on voulait, ils voulaient faire, ils voulaient lancer, eux, hein, pas même moi, un truc de qu'on paye 10 euros, 10 francs, c'est 10 euros, 8 euros pour être membre de la team, lancer la team, mais la légaliser. À l'époque même, j'avais les Nigériens qui voulaient te prendre pour faire la télé-réalité. Flore, ça allait très vite. Tu étais parmi les premières. C'est pas les choses. Et je parlais de monétisation depuis ce temps-là, Flore. Tu as tué. C'est-à-dire que tu te rangeais à me casser. Le Cameroun que j'ai demandé de faire les dons, que j'ai dit ceci. Tu es parti dire que c'est Mini Minor qui avait dit ça. Mais tu voulais un peu gracier ta congrégation d'Enchele. Oh, que c'était moi qui t'a parlé de ça. C'était pas Mini Minor. Même le lieu du don, c'était moi. C'est pour ça que je te dis, vos cours, c'est pour ça que je dis, votre façon de fonctionner en tant que fille de joie, ça vous joue beaucoup les taux et ça vous ferme beaucoup de portes. Peut-être ça ouvre les portes des clients, mais quel client, à quel prix? Prenez aussi les belles personnes qui vont peut-être venir frotter leur ONT auprès de vous et vous permettre de vous propulser. Ça, vous ne voyez pas ça, ma chérie. Et c'est ça qui a fait problème, Flore. C'était beaucoup. C'était pas le Liti. Les conneries de Liti. Le Liti, même tes abeilles n'ont rien mis, donc tu peux être tranquille. Ton argent n'est pas allé quelque part. Déjà que ton agent, c'était les Liti Ndjangui, donc il faut laisser. Rien de toi n'est allé nulle part. Et le Liti était commencé par Reine Galloise. Tu as oublié. Tu dis que c'est moi. Je n'ai jamais fait. Et il y avait une autre personne qui voulait faire. Et la personne a fait. Tu t'es fâché. Quand ma maison a brûlé, tu t'es fâché que la personne devait laisser que tu fasses. Je dis, mais tu peux faire aussi pour toi. Tu as vu que ça va faire trop d'argent. Parce que tu veux que quand le Liti part, tu as 20 ou 30% sur ça. Flore, on connaît comment tu fonctionnes. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de grandir. Moi, je suis grande. C'est-à-dire que je suis plus que... Mais je dis bien, je suis grande, forte, vaccinée et concentrante sur vous toutes. C'est ça le truc, en fait. Ça m'a permis de me forger. Franchement, dites la vérité. Même si ça fait mal, ayez le cran de le dire. Moi, ce n'est pas ce qui s'est passé, hein, Flore. J'étais choquée que tu m'as enlevé la représentante en vis-à-vis. Tu as refusé de venir la dernière année. Et au finish, Angèle Kenya a mis la même date. Et au finish, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que je me suis positionné ça avant. Et finalement, tu te rappelles, tu as pris le billet, tu es venu ici et tu devais continuer chez Angèle. Je t'ai mis à l'aéroport très tôt, à 13h ou 14h. Je t'avais ramené ici chez moi. Quand on a fini la soirée, tu étais à l'appartement. J'ai check-out à l'appartement. Je suis venue avec toi ici chez moi. Tu t'es assise sur mon vieux canapé ici. On dit que ça fait 10 ans, 12 ans là. Le vieux canapé de 12 ans que je garde toujours ici là. Tu t'es allongé ici. Tu sais même que je te donne la chambre, tu te couches. Tu as dit non, c'est bon ici, il faut qu'on reparte tôt. Même pas 1h30, on est reparti à l'aéroport. Parce que quand tu arrivais, où c'est Esther qui dérangeait, il y avait quelque chose qui dérangeait, qui faisait que tu n'as pas pu embarquer. On est retourné ici et on est reparti à l'aéroport. J'étais déposé, il était 13h. Même pas. Peut-être 11h au midi que tu prenais un vol à 14h. 11h même, je me suis très très tôt. Tu même dit que repose-toi, ne te dérange pas à l'aéroport. Non, non, allons. Il ne faut pas que je rate le vol. Flore, pour qu'à minuit 31h, tu m'appelles et tu dis, appelle Angèle Kenyé. Arrête, mais je suis calée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris. Tu es déposé à l'aéroport à temps. Tu ne pouvais pas rater ce vol, mais tu t'es arrangé à rater ce vol que moi j'ai acheté. Alors, j'ai payé le billet trajectoire jusqu'à chez Angèle et Angèle devait m'envoyer la partie qui concernait la suite jusqu'à de chez elle à Paris. Oui, Flore. Et tu n'as jamais été à l'événement d'Angèle, qui était un fiasco total. C'était le lancement de FDL. Ce que tu oubliais même souvent de faire la pub. Finalement, la totale, c'était chez moi. Oui, Flore, il faut le dire. C'était un fiasco total. On a vu là, c'était un genre dehors, là, c'était un genre. On a tout vu, ça, chérie. On a tout vu. Dites les vérités aux internautes. Quand vous n'avez pas réussi, dites que vous n'avez pas réussi. Dieu va vous élever. Ne mentez pas tout. Vous mentez trop. Vous voulez, ça dit, oui, Zuckerberg est arrivé, il vous a donné une plateforme, vous êtes trouvé tout d'un coup populaire. Moi-même, je ne savais pas que j'allais être comme ça. Merci pour les étoiles, ma CCC. Je ne savais pas que j'allais être comme ça. Moi-même, je suis prise, ça dit, je me suis retrouvée comme vous voyez que je suis là maintenant, que je suis inférieure. Que quand on me cherche, on dit que la mère, tu es où? Oh, je ne voulais même pas faire direct, mais je suis obligée de faire direct parce que vous m'attendez. Si elle ne fait pas, vous allez dire que la mère est partie où? Elle doit venir parler. Donc, je suis même la coutume. C'est devenu de coutume chez moi. Oui, vous avez dit que tu es là pour ta monétisation, mais avant la monétisation, j'étais là tout le temps pour parler pareil. C'est devenu la coutume chez moi. Sachez reconnaître. Le jour que tu vas t'asseoir, Flore, tu vas déclarer ce que moi, mon Gassam, j'ai représenté dans ta vie. Tu vas te sentir très libre et légère. Je te dis ça, grande sœur. Le jour là, tu vas évoluer maintenant légèrement. Parce que c'est ça qui est l'épine sur le pied. Je ne me vante pas. Hein. C'est parce que c'est comme ça que la vie est le karma.
Ça fait souvent un genre, tu es comme si il y a toujours quelque chose, tu ne comprends pas. Tu vois, souvent les gens, ils t'appellent, ils disent que je n'arrive pas à être tranquille depuis le jour que... C'est parce qu'il y a des choses qui se bloquent. Parce que tu es allé, non seulement tu as raconté tellement de mensonges, tellement de choses qui n'ont... Et les gens ont cru parce qu'à un moment, tu as un nombre de gens qui te suivent et quand tu passes, c'est comme si tu étais demi-dieu. Ils croient. Et le fait qu'il croit, il véhicule et ça devient gros. Et la personne sur qui tu parles, il prend des charbons ardents. Je veux dire, il se sent toujours à un bon moment. La pensée qu'il a dans son cœur, ça t'atteint automatiquement. Et c'est quelque chose que, même si tu fais comment pour t'en défaire, tu dois encore confesser de ta bouche. C'est pour ça que je t'ai dit que ton pardon, c'est pas que je peux pas l'accepter, mais tu dois confesser de ta bouche. Tu dois t'asseoir et réaliser que, mine de rien, c'est important. C'est important, Flore, je te jure. Et c'est la même chose pour Patricia. Laissons les bavardages. On parle souvent, on dit que oui, tu as volé mon nom. Laisse ça. Laisse ça, Flore. Tu connais ce qui est. Laisse les bavardages. Même que je ne te parlerai plus jamais. On sait déjà que vous, les filles de joie, vos paroles ne sont pas évangiles. Un client qui est venu, il ne t'a pas payé. Quand il revient, tu as ton espoir qui va te payer. Tu le reprends. C'est ça votre métier. Donc, vous n'êtes jamais sûr. Vous tâtonnez. Nous, on est sûr. Moi, je voyage à la fin d'avril. Je sais bien où je passe. Mais le billet d'avril même bien appris. Je ne suis pas dans l'aléatoire et le tâton. Cet été, voilà ce que je fais. Tout est arrêté. En août, voilà où je vais. C'est-à-dire, ce n'est pas tâtonner. Vous tâtonnez un peu parce que vous ne savez pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Vous êtes comme à tâton. Les femmes stables et assises ne tâtonnent pas. Les choses sont classées comme ça. Nous disons-nous les choses. Vous savez, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a une bombe, les faux profils. C'est eux, n'est-ce pas, qui ne vous aident. Parce que ça, je vous ai dit de dissoudre les types. Je suis sincère. La retransmission chez Rêveuse, Binda, il faut dissoudre ces types. Je ne suis pas en train de dire parce que je suis jaloux. C'est parce que ça a créé un mouvement d'insultes. Voilà Lolo, Tintin Pantalon, qui sort et qui demande carrément à Dorcas de ne plus insulter à son nom. Parce que parfois tu veux, parfois tu ne veux pas. Parce qu'après, ça devient too much. Ça devient tout le monde. Et puis maintenant, c'est l'euphorie. Flore fait un direct. Elle dit, personne ne dit boro-boro, mais il y avait boro-boro dedans. Propre. Elle ne peut pas s'en défaire. Me voici en direct. Je n'ai pas les gens qui sont en train de dingoy ici. À part Kamtachou, si elle vient, elle va dingoy. Depuis que j'appelle Flore en janvier, Kamtachou est tout dingoy. Mais il n'y a pas de nom. Flore, il n'y a rien. C'est pur. C'est pur. Les gens pouvaient dire non, ne dis pas. Voilà, c'est limpide. Donc, faites le ménage. Mes grandes soeurs, petites soeurs, je ne sais plus. On vous regarde là, on me regarde, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont les gènes de les baby face, les gènes de jeunesse, je ne sais pas. Mais faites le ménage, mes soeurs. C'est compliqué. Sinon, vous allez finir très mal. Je vous dis sincèrement. Moi, je ne perds rien. Je n'ai pas de team. Pour vous combattre, c'est une place. Je me lève, je me connecte, je parle. Je ne vais pas ouvrir la ligne. Vous ouvrez la ligne. Les gens appellent. Les gens pêchent. Les gens insultent. Vous êtes là. Moi, je ne peux pas ouvrir la ligne pour donner qu'on insulte. Même Tintin Pantalon. Moi, c'est là. J'ai une place. Je lui dis ce qu'elle pense. Ça touche jusqu'à l'os. Elle sent ça dans elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Merci pour les étoiles, ma grande, ma soeur d'amour, Laure. Ça fait longtemps, ma chérie. Je te dis, vous comprenez, non? Flore, ce n'était pas le litier. Flore, c'était les napas, les petits jeux, là. C'est ça. Et quand tu es venue à l'événement de José, je vais te dire aujourd'hui, il faut que tu saches ça, ma soeur, ma grande soeur. Oui, quand tu es venue, à l'événement là-bas, tu m'as dit que José est venu te trouver à l'appartement. José t'a dit qu'elle veut t'avoir à l'événement. Tu sais ce qui s'est passé? Je t'ai dit, tu choisis ce que tu veux. Je te laisse, je t'observe. Tu as dit, dis-moi, hein, décide. J'ai dit non. C'est toi qui es en business. C'est toi qui prends tes agents. C'est toi qui décides tes choses. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas, je te regardais seulement. Mais moi, j'avais un événement aux États-Unis. Je ne t'avais pas dit parce que tu n'es pas ma mère. Je n'ai pas besoin de te dire. Tu as dit, bon, dis alors, dis-lui non. J'ai dit non. Toi, j'ai. Tu lui as dit, maintenant pour prendre le billet, ça tournait. Tu me dis, je lui ai dit qu'elle t'appelle, elle dit les prières, j'ai dit non. Parce que comme je savais déjà que tes choses, parfois tu pars, tu dis en solo que j'ai pris, je voulais contrôler tout ce qui s'était déjà passé partout, avec les affaires, même des Misunga, il y avait trop d'histoires bizarres. J'ai dit que non. Tu dis, dis-lui, je dis non. Toi, gère, il n'y a pas de souci. Je gérais ça en là, tu. Je t'observais. Flore. Elle, ça s'est passé comment? Elle ne t'a pas versé l'argent. Elle t'a d'abord amené dans un taudis quelque part là-bas. Le secteur là, c'est un secteur avec les cartons. Tu te filmes comme ça, les cartons de plantain, de ceci. Tu es sur ça, tu dis, entrez même là-bas comme c'était au mois de mars, maman. Les dégels, comme la neige est finie, maman, les saletés. J'ai regardé, j'ai dit, je suis calme. Après, elle te dit que moi, je voyage. Je te prends à l'aéroport. Après, je te dis que je voyage. Tu me dis, ah bon? Oui, donc tu ne serais pas là. J'ai dit, non, je voyage.
Après, tu m'appelles. Quand je t'appelle aux États-Unis, tu dis, ça va bien, moi je suis bien arrivée et tout. Tu dis qu'elle est fâchée, la femme l'est fâchée. Elle dit que tu devais l'aider aussi venir chez toi. Je dis, est-ce que c'est le Ndjangui? Donc, si je suis hors du pays, tu comment je coupe mon pied, je laisse, je coupe quoi? Je vais voyager, je vais voyager. Nous, on voulait observer la scène. Même mon mari était d'accord que je voyage. On voulait observer la scène. On travaille à tout. Il faut que tu saches ça, Flore. Peut-être quand tu parles, tu vois que c'est une copine que tu avais. Non, on a vu ton esprit. Moi, je suis venue chez toi avec un cœur. J'ai ouvert toutes les vannes. Même les Mahabéas, les cils, tout s'était ouvert. Et tu es parti me charger. Mahabéa s'est levé matin, me clasher ici gratuitement à cause de toi. Après, Mahabéa est venu au Canada me parler. Elle me dit, pardon, c'était fini comme ça. Flore, tous les niveaux que tu as fait. Donc moi, Marie, je dis, tu pars aux États-Unis, on va voir ça, on va voir la scène à distance. On a observé. Quand tu as pris ton avion, tu m'as laissé un audio. Hein, que ma mère, c'est toi, celle qui connaît. Mais ouloulou, la femme là. Ouloulou, oh ma mère, tu as parlé. Tu t'es dépassé. Il n'y avait même pas 20 personnes dans la salle. Tu ne voulais même pas qu'on te filme. Quelqu'un a filmé quand même un peu pour envoyer à Marie la Rose Flore. Et la fille là n'a pas fini de payer. Tu m'as dit qu'elle a tout ton argent. J'étais au Cameroun, tu l'as d'abord planché que mon argent. Oh. Et c'est ce que jusqu'ici, elle t'a pas tout donné. Elle a joué une fois belle sœur. Elle s'est rendue compte qu'elle est ta belle sœur. Qu'elle a appelé l'immigration. Quand tu es venu ici au Canada, quand je t'ai invité, tu as fait 6h30 de temps à l'aéroport avant de sortir. On gasse souvent à l'aéroport 5 minutes, 15 minutes pour prendre quelqu'un. Moi, je suis à 10 minutes de l'aéroport. J'ai fait 6 heures de temps dans l'aéroport pour t'attendre. Je paniquais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que la fille a là-bas dedans? Pas parce que les invités ne vont pas être là. Mais parce que maman, j'invite quelqu'un et puis ça cale comme ça. C'est là que tu es sorti, tu nous as dit qu'on t'a demandé que tu fais quoi dans la vie. Parce qu'elles ont accusé que tu publies des nudités, tu es une bandite, tu marches avec les gourdes, on a fouillé ton sac, on t'a fouillé là-bas fatigué, tu te rappelles? C'est la PDG des plantains qui t'avait accusé. Oui, oui, madame, elles avaient appelé l'immigration pour toi. Donc, Flore, tout ça, c'est derrière nous. Mais ne viens pas dire que c'est le métier. Ça, c'est toujours l'esprit que vous avez de passer les gens pour des mendiants. Pourtant, les vraies quêteuses de la toile, c'est vous. On voit comment vous alignez les demandes de toutes. On vous demande tout et n'importe quoi. Voilà Tintin Patron, c'est la troisième fois qu'elle demande les chaises de sa télé. Les premières chaises, je ne sais pas où c'est. Là où j'étais assis, j'étais comme ça. Mon dos me faisait mal parce que la chaise était tellement inconfortable. Chez la fille, la maman, je n'insulte pas tes chaises. Mais c'est que pour faire 3 heures, combien de temps que j'ai fait là? Maman, le dos. Je ne pouvais même pas bouger, j'étais seulement positionné comme ça. On est encore en train d'acheter l'autre chaise. Donc vous êtes toujours en train de demander, mais c'est nous que vous insultez d'être des mendiants. Mais c'est paradoxal. Et quand les gens qui nous suivent voient qu'on nous demande, ils disent, mais attends, finalement, ces gens sont normaux. On voit que vous avez un problème en fait. Vous avez un sérieux problème. Vous voulez passer pour ce que vous n'êtes pas. Restez tout simplement vous. Les gens qui vous aiment vont toujours vous aimer. Les gens qui vous aiment vont toujours vous aimer. Et venons maintenant au litige. Ça, c'est Reine Galloise qui dit que voilà 3 ans que tu as reçu notre mafo. Tu l'as mis en haut toutes ces 3 ans. Il faut qu'on te fasse un litige pour t'envoyer te faire masser. J'étais encore à l'appartement quand Reine Galloise a dit ça. J'ai dit, ah, moi, je ne veux pas moi les problèmes. Oh. Parce que je voyais déjà que vos choses, qu'on veut déjà faire comme si déjà qu'elle m'avait déjà insulté, me ramasser avant que tu as pris l'argent et c'était juste Yuri Yagami qui n'avait rien donné, mais qui est parti m'accuser. J'ai dit que non. Et puis quand le cheval s'est passé, j'ai dit, c'est le cheval que je voulais faire. Elle dit, mais si tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Moi, il ne faut pas demander à mes fans. Les fans, quand ils ont fait, ils donnent à moi. J'ai dit, ok, tu croyais qu'ils m'ont donné. J'ai payé le reçu du cheval. Donc, en fait, vous voyez, quelqu'un, tu élèves quelqu'un, tu mets les pierres à l'édifice pour l'élever, tu touches les personnes que tu peux toucher qui sont dans son équipe. Elle trouve que tu es en train de prendre. Donc, elle est fâchée. Parce que même si c'est deux, moi, on lui donnait mon argent. On me donnait son argent, $1,000. Moi, je prenais mes frais à moi pour mettre pour qu'elle encaisse $1,000 plein. Je ne voulais même pas que ses frères cherchent son frère dans l'argent de Flore. Ou que j'aurais pu prendre dans ce qu'on m'a donné, je soustrais les frais et je lui envoie. Je mettais même ma part dedans. Pour qu'elle ait quand même son 1000 plein, que là, comme si la personne l'avait en face et lui donnait là. Elle vient ici, je change son argent en euros, je lui donne tout en euros. Je vous jure. Mais elle a tellement. Si je reste souvent comme ça, je dis, mais ça m'apprendra. Je me souviens qu'on m'a dit, ne la fais pas venir. Je suis une personne, je prends les décisions. Je n'aime pas qu'on me donne les commandements. Comme Ashiga a dit aujourd'hui, personne n'est sur ma tête. J'ai le contrôle de mes choses. Donc, je ne veux pas quelqu'un qui va me dire que monte, descend. Je n'aime pas ça. Donc, j'en fais qu'à ma tête. Donc, du coup, je devais assumer. Et tout le monde, mes amis personnels, mes gens, quand je voulais parler, même ici à Montréal, quand je voulais parler, on disait que c'est toi qui nous l'as amené ici. Donc, supporte. Vous vous rendez compte? C'était lourd. Parce que tu amènes quelqu'un, tu élèves la personne et la personne te détruit jusqu'à la dernière goutte. Et elle utilise tout ce que Mana la Tonganaise a mis pour te détruire. Et c'est depuis Mana, hein, le mari, Fatou, Sénégalaise, Malienne, Guinéenne, jumeau, pas jumeau, c'est depuis l'époque de Mana. C'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et mon mari n'a pas bougé d'un iota, on ne s'est même pas séparé 20 secondes. Il dit 20 secondes, il est sorti là.
Je lui ai dit que je l'appelle. Et même là, je peux l'appeler. Je peux l'appeler, mais le haut-parleur, quand je lui parle, vous entendez comment il dit, chérie, tu es arrivé, puis ça va. Là où il partait. Il sait que je suis en direct. Vous comprenez? Et ce que je fais sur le net, mon mari sait. Est-ce que vous entendez même? Parce qu'il dit, une femme mariée, tu fais quoi? Il langue. Donc vous avez cru que comme je suis mariée, vous allez m'insulter, je vais me taire. Je vous réponds. Mon mari dit toujours, ça va, tu es à l'aise avec terriblement. C'est bon, moi je dors, je ronfle. Je n'ai même pas un mot de tête. Si on ne répond pas, c'est là où je suis mal. C'est là où je vais commencer à... Hey, peut-être je veux être désagréable avec les gens qui m'ont rien fait. Pourquoi je ne dois pas vous verser votre merde ici, aller bien passer mon temps dans ma maison? C'est chez vous que je dois verser parce que c'est vous qui l'avez déposé ici. Je verse ici, puis que je mets off la caméra, je suis bien dans mes choses. Tout ce que vous déclarez sur ma vie, c'est ce qui va arriver chez vous. Une à une. Et vous voyez, je vous ai donné déjà la feuille de route de pas mal. Parmi elles toutes là. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Tous les mariages qu'elles ont souhaités chez elles, on les a toutes abandonnées de part et d'autre. Rêve Mbinda, on ne sait pas avec qui elle a fait l'enfant. On ne sait pas où est le père, où c'est un arabe, où c'est un tchadien. On ne sait rien. Bon, peut-être qui est la copine de Toto, qui a fait sortir Toto et que les réclamations d'argent sont venues. Elle-même, le mari, qu'elle était terriblement mariée, on l'a abandonné. Ça dit que le divorce, on l'a sorti de la maison. Imaginez, on divorce avec une femme, la met hors de la maison. Or que c'est la femme qui reste dans la maison, le mari pas. C'est pour vous dire. Vous dessinez le diable dans la vue des gens. Vous voyez le corne, vous voyez ces cornes sur les murs de vos maisons. Et vous allez vivre avec ce diable-là. C'est moi qui vous dis ça. Nous sommes sur mes doigts. Ne bouge pas. Et on voit bien les cornes. Lolo, tu as tout fait pour porter le nom de Fondja. Il est parti sous tes yeux d'une manière sans explication. Ce qui est sûr, c'est le Kasinga là, son Wanda. Même quand tu dis, j'ai trop souffert, tu n'avais jamais l'air d'une personne qui souffrait. Tu nous montrais que tu le mettais souvent, oh le mignon, le comme ça, oh regardez, il est bien, comme ça au couloir, partout, partout là. Elle essayait de faire les petits, tu ne voulais même pas plus. Je sais que tu n'as pas souffert, tu essaies juste de raconter quelque chose. Et c'est lui qui pouvait pour tout. Mais tu as choisi de le cocufier chaque jour de ta vie. Tu partais, tu racontais toutes sortes de choses. On est en couple, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Aujourd'hui, tu viens nous dire que tu souffrais. Arrêtez. N'invente, ne salissez pas. Pour rien, pour le plaisir. Changez un peu. Moi, je ne sais pas. Et puis, l'école est bien. Quand tu fais quand même la terminale, tu fais les philo, thèse, antithèse, tu peux regarder le pour et le contre des choses. Vous, là, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez laissé l'école tôt? Il y a l'école des adultes. Vous pouvez aller à la formation des adultes. Vous recyclez, les filles. Et vous prenez un peu de la graine, un peu des choses. Hier, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. Positionnez-vous sur les cinq besoins, machin, chouette là. Et voyez où vous êtes et travaillez pour atteindre les autres paliers. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. C'est grave. L'heure est très grave, là. L'heure est très grave. Franchement. Voilà, je parle. J'ai un nombre de personnes qui me suivent depuis le début. Je n'ai pas parlé de partie basse. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas traité quelqu'un de je ne sais pas moi, de Njunju, de je ne sais même pas quoi. J'ai été clair et limpide. Et quelques mots même, c'est-à-dire quelques attributs que je vous donne, c'est vu la somme de ce que vous me donnez comme attribut. Je ne le mérite pas. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. Lolo, tu n'as que ce que tu mérites. Tu as voulu qu'on en arrive là. Ta soeur t'a positionné comme une cible et tu es venu te comporter. C'est-à-dire tu es venu poser des actions qui ont fait de toi la cible. Et ta soeur, parce que vous avez arrangé comme ça pour après venir faire la victime, mais c'est trop tard. Les internautes ont vu. C'est pour ça que vous ne pouvez plus passer cette pilule, c'est trop tard. Et le deuil de votre maman, je répète encore, c'est pas une injure. Allez au pays, faites 2 semaines au village à côté de la tombe. Faites bien le deuil. Si c'est le congé, préparez le congé, versez le rouge avec les graines de haricots et je ne sais pas quoi. Et puis fichez-nous la paix. On est fatigué. Votre mère est morte, ça fait combien d'années? On n'est pas en train de simplifier le deuil, mais c'est trop. C'est de trop quand même. Vous savez combien de personnes perdent leurs parents et sont des influencés et n'en parlent pas? Il faut arrêter. Mon père, un commissaire priseur, c'est un receleur. Quand on porte ce qu'on porte, on ne remet pas aux gens. Lui, il ramène chez lui pour mettre. On remplissait ça dans vos maisons, tu croyais que c'était des choses qu'il avait achetées. C'est pas un gros. C'est mieux même le commissaire que le commissaire priseur. C'est comme un petit commissaire, un receleur de commissaire. Il faut arrêter. On est fatigué. Vous êtes qui en fait? Toi, tu es qui dans la mêlée, là, Lolo? Tu es qui, vraiment? Petite mendiante des étoiles, peut-être? Mais tu es qui, chérie? Tu es qui, dans le fond? C'est ça qu'on veut.
Tu as dit que tu veux être oratrice à une télévision. J'attends cette télé pour entendre ce que tu vas pouvoir pondre là-bas. Ne te perds pas, tu viens dans le clasher. Mais tu vois, elle dit que comme ça, elle fait... Non, non, non. Il faut bien répondre. Tu as dit que tu es oratrice. Le sujet parle ou c'est des violences ou c'est de quoi, je ne sais. J'espère que tu vas bien parler là-bas, ma chérie, parce que j'étais à l'œil. Je ne vais pas te lâcher, ma chérie. Donc, Flore, ça n'a jamais été le litige. Ça n'a jamais été que les abeilles ne voulaient pas. Arrête tes conneries avec tes abeilles. Les abeilles ne sont pas les payeurs d'argent. Je te le dis déjà. Et tu sais que tes litiges, même tes quêtes que tu t'as sorti, tu dis qu'on a cotisé 500 000. Tu as les amis que tu mobilises. Ils ont bouffé l'argent à la réunion. Ils ont l'argent qui chôme là. Ils prennent, ils commencent à mettre. C'est là, on met quelqu'un, met 500 et ça va appâcher un vrai 200. 500 peut faire mettre un vrai 200. 500 n'est pas ton argent. Après, quand tu finis, tu remets l'argent de tes amis. C'est les litiges Ndjangé. C'est les collectes Ndjangé. Il faut laisser. On connaît comment ça marche. On connaît comment ça marche, ma chérie. La vie est dure. Nous sommes dans l'inflation. Les gens ont beaucoup de problèmes. Les familles sont dans les difficultés. On est en plein début de campagne électorale au Cameroun. On ne sait même pas ce qui va se passer. Donc, arrêtez. Arrêtez de faire le monde. Soyez tout simplement. Vous trouvez-vous des carrières. Faites quelque chose. Travaillez. Moi, je travaille, moi. Si je vous dis où je travaille, vous allez aller m'enlever là-bas. Parce que vous êtes tellement sadique. Vous avez tellement téléphoné dans les lieux de service des gens. Je ne vous dis pas. Je travaille ou je ne travaille pas. J'habite dans la rue, dans la voiture. Tout ce que vous dites, c'est la vérité. J'accepte. Parce que vous êtes sadique. Vous êtes un sadisme aigu. Personne ne vous enlève dans vos camions, mais vous en voulez aux gens qui ont organisé leur vie et font les vrais travaux. Vous êtes chez Platoumel. Toutes ces sociétés, ces appartements meublés, ça manque comment vous allez mettre même le feu. Vous êtes tellement mal intentionné. On prie pour vous. Franchement. C'est abusé. Ça n'a plus de limite. Ça va dans tous les sens. Le mari, vous l'appelez, vous lui écrivez, vous lui envoyez des trucs, vous mettez des choses dans les boîtes à lettres des gens. Non, mais attends, vous allez dans les inbox des maris des gens, vous racontez tout. Vous pensez qu'un mari va quitter sa femme après 25 ans de mariage à cause de vous? Moi, j'ai 19 ans avec mon mari. Moi, j'ai 19 ans. Mon mari va me quitter à cause de vos racontages? Premièrement, Flore n'a jamais été mon amie. Elle dit, je me suis confiée. Je ne me suis jamais confiée de rien de ma vie avec elle. Elle m'a fait que des coups bas. J'ai vu les coups bas et le jour que j'ai décidé de sortir comme une lionne, je suis sortie comme une lionne. Je l'ai combattu bec et ongles. J'ai exposé ses faux profils. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour défendre l'honneur et l'intégrité de ma femme. Parce que nous sommes entrés dans la salle. Ils m'ont sali, mais je suis dans les sites porno, je suis partout. Je dis partout. Ils m'ont fait même une photo d'une femme qui est couchée comme une femme nue. Ils ont mis ma tête dedans. Ils n'ont pas trouvé la bonne photo de ma tête où ça ne suffisait pas. Ils ont pris une avec le foulard, on voyait l'intérieur comme lunettes, comme un genre. Ils ont partagé dans tous les WhatsApp à Montréal. Ils ont fait tout et n'importe quoi qui est sale. Et Mana la Tonganaise, je ne peux pas la laisser. Tous les gens qu'elle a arnaqués, ils vont venir. On dit que dans ses conseillers, Jaguar a travaillé. Ouais, Koun, pardon. Tous les gens qu'elle a arnaqués, ces personnes, je vais les aider à la poursuivre. Ça, je vous garantis. Ça là, c'est-à-dire, regardez ma figure, voyez-moi dedans. Peut-être quand on va me donner le jour du procès, va aller moi là-bas. Je la regarde encore comme ça. Parce que le mal que vous faites, tout se paye ici-bas. Flore l'a dit, tout se paye ici-bas. Donc ce que vous faites comme mal, ça va vous retourner. Ça retourne toujours à celui qui le fait. Ça, c'est une loi de la vie, c'est une vérité de la balise. Franchement. Merci ma chérie. Voilà les pyramides qu'on dit, besoin physiologie, besoin de sécurité, besoin d'appartement, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Qu'est-ce que vous accomplissez? La mendicité, la demande des étoiles. Les gens n'ont même pas de quoi se nourrir. Leur famille souffre. Vous les forcez à vous envoyer des étoiles dans un direct. Il reste 30 minutes. Envoyez encore pour qu'on quitte ici avec 100. Et quand vous quittez pour les insulter, vous les parlez comme des malpropres. Il y en a beaucoup qui quittent vos choses là à un moment donné. Ou c'est que vos marabouts qui les font, ils sont d'abord ensorcelés. Moi, je ne sais pas. Je me pose des questions. Mais tout ça va finir. Là, je vous dis, nous sommes dans l'ère du Verseau. Comme a dit notre sœur Laure Kameni. Ça va finir. C'est fini. C'est fini. That game is over. Ça va finir. C'est plus le clash. Moi, je vous ai dit que mon cœur est apaisé. Mais les gens doivent confesser de leur bouche. Les fouma que vous faites là, ça ne peut plus marcher. Moi, c'est un livre ouvert. Tic au tac. J'ai mal fait, je demande pardon. Mais si j'ai raison, faites attention. C'est ça le truc avec moi. J'ai mal fait, je peux demander pardon. Mais jusqu'à date là, c'est moi la victime. Même chez Lolo, je suis la victime. Je suis clashée avec Patoumel depuis 2 mois. Lolo n'a rien dit. Lolo dit qu'elle ne m'a pas appelée parce que justement, comme on avait déjà le problème qu'elle a eu, que Amota a appelé pour faire la paix,
Donc elle m'a mis ce petit vélo. Lolo, c'est pas une raison. C'est pas une raison parce qu'à partir du moment où Amo t'a appelé pour faire la paix, que tu vois que tes gens sont sur moi, mieux, tu restais neutre jusqu'à la fin. Tu venais encourager quoi, Lolo? Tu encourages Nadège qui insulte toutes les dépouilles de ma famille. Tu dis que tu connais le clash, hein? Tu as pris ça où? C'est un palmarès, c'est un doctorat. Insulter les cadavres des familles des gens, c'est un palmarès. C'est comme ça que j'ai demandé à Flore l'autre jour dans un direct qui se vantait qu'elle a poussé les gens en dépression. C'est pas une réussite en soi, Flore. Je préfère encore que tu dises que tu as rendu certaines Camerounaises blogueuses influenceuses. Tu as impacté les vies de je ne sais pas qui ont payé. Peut-être tu as permis aux gens de faire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as permis aux gens de réaliser, mais pas te réjouir que tu as poussé des gens en dépression. Ma chérie, c'est très grave ça. Ouf, ils sont couchés comme ça, c'est ta face qui est sur la tête. Non, ma chérie, si tu as fait ça, répands-toi. Parle-leur, cherche-leur et répands-toi. C'est simple. Tu vas avoir le salut. Ce que tu veux là, tu veux faire ta soirée, avoir tout Paris, non? Tu vas peut-être faire la soirée même dans une salle de 2000 personnes. Et les 2000 seront là. Moi, je te dis, mais tant que tu ne vas pas faire ça, Flo, il n'y aura pas. Ça va toujours être comme ça. Moi, je vous dis, c'est la vérité. Je ne cherche pas, vous allez dire, elle veut quoi? Elle veut devenir. Hey! Je suis déjà une influenceuse attitrée. C'est-à-dire que c'est le genre que. Là où je suis rendue, là, je suis influenceuse. C'est-à-dire que, qu'on ferme les zones nous vicieux au Cameroun, je suis parmi les premiers. D'accord? Influenceuse attitrée. Pause publicitaire. L'augmentation. Complément alimentaire. Vous voyez mon énergie. Vous m'avez dit, mais la reine, mais tu fais comment? Je bois au moins 3 litres de par jour. Je prends 5 millilitres de glutathione chaque matin avec la vitamine liposomale. Complément alimentaire de choix. Je suis la représentante de la produit, du produit glutathione de la marque Glutaline. D'accord? Au Canada, à Montréal. Et vraiment... Et vraiment, je peux vous dire que ces produits-là, c'est vraiment le complément alimentaire idéal qui permet de régénérer les cellules, qui permet de lutter contre le vieillissement, qui aide pour les cheveux, les ongles et la peau, vous voyez, une belle peau saine, qui est un antioxydant de choix, qui lutte contre les radicaux libres, qui permet le développement cognitif, l'intelligence. Ça aide des personnes atteintes de TOC, troubles obsessionnels compulsifs, les TDAH, c'est riche. En fait, vous savez, ce produit, c'est même pas un produit, ce complément alimentaire est un complément alimentaire de choix pour toute une famille. Parce que les éléments qui sont, c'est-à-dire la concentration et les laboratoires qui ont certifié ce produit sont les meilleurs au monde. Alors, le glutathione de la marque Glutalal, la reine mère bio est la représentante. Plus 1-514-915-0160. Plus 1-514-915-0160. Et ce glutathione la vitamine C, c'est ça qui a l'acide hyaluronique. Ah mon Dieu, oh Francio, l'acide hyaluronique, vous comprenez non? Acide hyaluronique. Donc voilà, c'est des flacons de 250 ml. Alors vous avez mon numéro, plus 1-514-915-0160. Oui, ces histoires, c'est d'une tristesse, mais je pense que nous sommes peut-être rendus, comme à l'ère du verset aussi, à la fin peut-être, où il y aura vraiment une véritable paix. Quelqu'un vient de m'écrire que Lolo a dit qu'elle m'attend à Paris pour me taper. Lolo, je ne sais pas si tu auras assez de force, hein, parce que moi j'aime quand les gens disent que... elle m'attend à Paris pour me taper. Lolo, ta team, déjà, j'étais une sympathisante, pas une femme, pas une personne fidèle, pas une adepte, comment je peux dire, j'avais refusé ça. J'avais refusé ça dans un téléphone de groupe, tu le sais. Il y avait des témoins dedans. Parce que je sais que tu n'en valais pas la peine, en fait. Tu manques de cran en tant que leader. Tu manques beaucoup de cran. Tu as trop de favoritisme. Quand tu fais même tes télé,
Quand quelqu'un est de ton côté, tu le soutiens au point où tu dénigres l'autre personne, que tu dois être impartial. Tu as la misère à être impartial. Tu es très agressif et très impulsif de nature, Lolo. Ce genre de personnage ne fit pas avec moi, en fait. C'est pour ça que toi, je te prenais avec pincette. Quand on t'adulait, je n'aimais pas ça. Je dis, écoutez, arrêtez d'aduler, Lolo. J'avais de l'empathie, c'est tout. Mais dans le fond, tu es une méchante personne. Oui, tu es une méchante personne. C'est toi qui m'as donné le nom de Amo et la chèvre, hein, Lolo. Je n'ai pas oublié ça. Et tu m'as insulté pour rien. Je ne te connaissais pas. J'avais rien contre toi. Donc, c'est les haines de moi à détester. Tu es le prototype de ça. Moi, je n'ai pas fait de haine de moi à détester avec toi, ni avec ta tante. Ta tante s'en est prise à moi pour rien. Et aujourd'hui, je dis que ta tante est dans la merde. Lolo, je vais aider à ce qu'on la poursuive en justice. Correctement et bien. Donc, sachez que là où je dois faire l'action, je vais poser l'action. Là. Je vous dis bien ça aujourd'hui. Et maintenant, comme tu dis que tu vas me taper, tu peux m'énerver. Je prends le billet, je viens à Paris. Je te cherche. J'aime ça. Moi, j'aime les défis. Ok? D'accord? Et nous sommes au jour d'aujourd'hui dans cette histoire. On pensait que tu que oui, tu ne devais pas répondre à Lolo Flordic, machin. Tout ça, c'est à cause de mon pion. Robert Parr a donné son épaule à Messa, qui l'a amené en justice, tribunal et procès à l'appui. Avec tous les frais que ça incombe, nous avons refusé de suivre Robert Parr à la lettre. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Tu oses t'asseoir et dire, on l'a chassé de notre team. Lolo, je ne pouvais pas. Ça ne m'intéressait pas d'être de ta team, ma chérie. Tu n'en vaux pas la peine. Tu es vraiment... C'est-à-dire que tu es versatile. Tu n'as même pas de cran. Tu n'es pas un leader. Gomopion peut être leader de ta team plus que toi. Parce que Gomopion dirige. Gomopion est capable de s'immiscer. C'est misser dans un direct de partout. Dire à partout de couper, le dire à partout à couper. Voilà les attitudes d'un leader. Gomopion va prendre le dessus dans ta team. C'est elle le leader. Et moi, il te répond parce que tu as osé accepter qu'on détruise et on insulte ma famille pour rien. Pour rien. Et tu es venu mentir que tu nous as appelés. Tu ne nous as jamais appelés. On ne ment pas les internautes. Dis la vérité. Dis que je suis neutre. Voilà, qu'est-ce que vous prenez à la tête là-bas. Ça va nous trouver ici. De l'eau, ça va nous trouver. Vous comprenez, non? Jusqu'à ce que Prézi Amote, que ton tu as lavé jusqu'à pisser dans ton pantalon. Tu es maintenant derrière comme je ne sais même pas quoi là. J'ai dit, oh, j'étais à l'œil. Tu m'énerves trop, je viens à Paris. Je veux voir comment tu vas me taper. Moumou Sakadia, tu as que ta bouche pour aboyer. Ma lapou de oui. J'en ai lapou oui. Je te tape, tu vomis. Tu comprends avec quoi? L'eau ne t'amuse pas. Faut faire très attention. Je dis que pour Flore, c'est petit. Pour toi, c'est parce qu'il y a Toto, hein, n'oublie pas. Pour toi, c'est vraiment là-bas, dedans, là. Mais c'est Toto qui commence à raconter de ses histoires fausses et invraisemblables jusqu'à aujourd'hui sur moi. Ça, c'est les mêmes histoires de Toto qu'on relaie, on relaie, on relaie, comme si c'était une histoire vraie. L'histoire du fruit de son imagination, comme elle a fait sur le père de ses enfants. Et la mère, Mako, elle dit que Mako a accouché en prison. Mako n'a jamais fait de souligner d'arrestation, même de une seconde. Tout le monde pense qu'elle a accouché en prison. Mais vous, vous levez, vous déclarez un truc sur quelqu'un. Vous dites que le clash, il faut inventer. L'eau, fait très attention. Tu peux m'énerver, prendre le piège, atterrir qu'à Reims. S'il y a un aéroport à Reims, tu me vois à Reims. Tu ne me connais pas. Il ne faut pas faire les choses. Je dis que pour toi, c'est différent de pour Flore. Je te dis, il faut que tu saches ça. You charge Flore. Moi, tu ne Reims un tour. Tu as fait quoi? Tu peux. Moi, fais-le. Je te mange comme le steak. Donc, fais attention. Quand tu t'assois, tu te déclares. Je vais te taper. Je vais arrêter tes conneries là. Très, très vite. Tu as voulu prendre cette histoire, tourner à ton avantage et faire l'air de pitié, mettre ta mère qui est montée sur ça et que moi, oh, c'est la cible, ta soeur a commencé à dire la cible, pour que vous tournez comme vous avez l'habitude. Vous avez vu venir, j'ai tapé ça en plein milieu, un tour. Et c'est ça qui te frustre. Vous ne pouvez plus réussir, c'est fini. Vos messes basses là, amenez ça ailleurs. On vous lit et on vous a à l'œil. Tu comprends quoi? Vous ne pouvez plus, Lolo, c'est fini, c'était avant. Tu as pris ça, tu as voulu tourner. Mais vous voyez, ça ne peut plus donner. Le monde entier a vu le jeu que tu n'as pas été capable de jouer. Même la petite Oshiga a tapé sec et bien expliqué ce qui s'est passé. Pour revenir à Flore. Donc, tu as essayé de trancher. Voilà que le roi est en train de t'insulter. Peut-être c'est un faux buzz, peut-être c'est un vrai buzz pour casser le buzz. C'est vous qui savez dans quoi vous êtes. Les yamseurs, la paix, pas la paix et tout, c'est votre problème. Mais il ne faut pas mentir quand tu viens expliquer les choses, Flore. Moi, je ne devais pas faire la paix entre le bon et le loup. Et tu dis qu'il fallait que quand je sois avec eux, je fais la paix. Je suis plus une pacificatrice.
Je ne marche pas pour prendre les problèmes déjà et vouloir régler. En partant faire la paix de quelqu'un, ta tête peut caler dedans. Lolo, si le bon a dit que Lolo lui a pas demandé pardon, c'est parce que depuis le jour que Lolo a demandé pardon, Lolo a jugé que le problème et le bon n'était rien. Donc c'était aussi un vrai problème. Lolo a fait témoigner les enfants de Lobon en direct. Je ne sais pas si sa fille Louise Ogron la prend en la main en direct pour témoigner, va accepter. Je ne sais pas. Lobon a plié son petit doigt. Tout ça pour aider la tante à détester. On peut avoir l'esprit de famille, mais quand un problème arrive, on se met à l'écart. Ce n'est pas parce que c'est la famille que tu vois tout ce qu'il fait. Il faut arrêter. Faut arrêter, Lolo. Il a le droit de dire que tu dois lui demander pardon. Si tu ne veux pas demander, il s'en fout. Ce n'est pas comme s'il vit par rapport à ça, mais il a dit quand même. Alors, Flo, tu ne me dis pas que, oh, Nathalie était mauvaise, Nathalie n'a pas fait la paix, c'est quoi? C'était un mandat. Et Lolo n'était pas ma copine, hein, pour dire qu'on s'appelait, oh, machin, oh, oh, oh. Je me confiais pas à elle. Une pute reste une pute. Je me confiais pas à Lolo. Lolo, c'est une fille de joie. C'est comme ça. Elle a fait le pose à Gabon, Guinée, machin, attaqué toutes sortes de choses. C'est seulement qu'elle va tomber sur les sugar daddy. Elle cherche tout le sugar daddy. Elle n'a toujours pas trouvé. Elle a fini chez notre frère maçon. Papa Fondia, et voilà que Marie a repris sa chose. C'était la chose de Marie. Marie a repris. Avant ça, elle a sa copine qu'elle avait là-bas qui sortait autant au Gabon. Elle enviait, elle était avec eux, mais elle enviait. Elle venait à Paris, elle a récupéré autant. C'est le regard de sa copine. Faut arrêter. Nous, on a toutes vos histoires bêtes là. Vous comprenez, non? M'assois sur vous, un te donne pour chacun. Quand je suis assis à mon téléphone, sonne. Vos gens m'appellent et me déposent toutes vos histoires, les vraies histoires. Pas les choses qu'on parle, avec les jours, la date, tout. Même ton âge, j'ai ça. Donc arrête tes conneries. On vous êtes là les excuses pour ne pas tripler. Vous avez tellement triplé les écoles. On vous a diminué les excuses pour ne pas tripler. On a coupé les âges pour vous remettre. Les gens qu'on ils avaient fait le CEP même 5 ans. On coupe les âges, on vous remet. Vous venez prendre la nouvelle âge. Vous dites c'est mon âge. J'étais en classe avec elle. Tu peux être en classe avec quelqu'un parce que tu as triplé. Tu as redoublé. Tu as redoublé à Yaoundé. Tu as redoublé à Douala. Tu as redoublé en Consamba. Tu as redoublé à machin. Partout, partout. Tu viens maintenant à la classe avec le plus petit enfant. Après 5 ans de la même classe, tu dis que vous avez fait la même école. C'est pas parce que vous avez fait la même école que vous avez le même âge. Arrêtez vos conneries, vous connaissez ça. Et bête et idiote comme vous êtes là. C'est sûr que vous avez tellement redoublé. Voilà. Jugeons, il n'y en a pas. Analyse, esprit critique, il y a absolument fait les clashs. Oh, Tatana, tu connais les clashs. Mais ce qui t'a appris ça vraiment, tu es bonne. On a tenu à insulter les familles. J'ai pris moi, ils vont te laisser quand ils peuvent de toi. Que tu vas faire quoi? Flo, quand dis donc. Je t'insulte propre. Propre, Lolo. Je suis sur toi. Je ne vais pas te laisser. Ça, là, toi et moi. Bango, bango. Et ta tante, je donne la plateforme, je donne mon temps et mon énergie pour ça. Ça ne chauffe pas. Elle va confirmer pourquoi s'attaquer aux gens qui ne vous ont rien fait, inventer des histoires, détruire la famille, raconter de ces choses sur les gens. Mais des fois, tu te restes comme ça, tu te dis, okay, on t'appelle, on dit que t'es chaud, tu dis, okay, c'est encore qui ça? C'est qui l'histoire? Fuit de son imagination. Elle rend ça plausible et ça se véhicule partout dans le monde. Les faux profils, alors, sont seulement en train de relayer. C'est comme s'ils ont trouvé la canne à sucre. Élevez vos stars, ça vous dépasse. Vous êtes seulement en train d'insulter, insulter. Prenez vos tablettes, ça vous dépasse. Non, je vais vous traiter sur Meta. On ne va pas vous dire. Je vais encore être terriblement mariée. Terriblement à couple. La mère de mes deux loulous. La femme, l'épouse, la soeur, la belle-soeur. Je vais toujours être ça. Vous n'allez rien changer sur ça. Mais oui, ton neveu a le bac à 15 ans. Ici au Canada, on dit éducation aux adultes. Donc quand tu as beaucoup échoué, secondaire, machin, on t'envoie à la formation aux adultes. On a fait aller à l'école. C'est aller à l'école avec l'autre. Tu t'appuies sur le gars qui a 5 ans de plus bas que tu as. J'essaie d'aller à l'école avec lui. Vous refusez toujours vos âges. Vous êtes mes grandes sœurs. Oh, hein. Je vous dis ça. On vous regarde, on me regarde. Vous pouvez sortir comme moi là. Comme ça. Vous pouvez. Vous pouvez pas. Présentez vos têtes, on voit un peu. Et la tête de papa, une tête de ceci, on ne voit même pas vos flancs. Les perruques, c'est ce que vos têtes puent. Kinjet. Tête pourrie, puent. Vous pouvez sortir comme ça. Non. Vous ne pouvez pas. Toujours en train de chercher à apparaître. Quand tu veux faire le diable, il a fait le make-up noir. Tu pars en boîte. Tu pars où? Comme le ndjoundjou. J'ai tout tracé, tout. Ma chérie, il faut venir normal. Sois tout simplement toi. Tes scènes là, tes poches là, tu les gardes. C'est comme ça. Mieux, ils disaient que tu as les poches, non, mais c'est naturel. C'est mon trait de beauté même. Je n'aimais rien sur ça. Je dors minimum 8 heures de sommeil par jour, minimum. Mais j'ai toujours les poches. Même quand je me lève le matin, les poches sont déjà là. C'est l'héritage familial. Ma grand-mère, alors, elle était même jusqu'ici en bas. Elle va aller faire la chirurgie pour vos beaux yeux. Il a, mon mari m'a doté, j'avais ça. Ma photo de mariage. Si tu regardes bien, tu vois qu'il y a les poches en bas. Voilà ça. Pas les seins, hein, les poches. Là, ça. Je vous montre. Ma photo de mariage. Vous avez dit que non, j'ai mis la photo parce que je vais. Je vous montre. Si vous zoomez bien, vous allez voir les poches. Il a
vieille chouette. Voilà la poche en bas. Mettez les poches partout. Voilà ma photo. Regardez. La femme a les poches. Regardez. J'ai toujours eu. Ici, là, c'est toujours gonflé. Voilà ça. Depuis le mariage. Vous comprenez avec quoi? Voilà. Là, mon chéri. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours eu mes poches. Je vais pas aller faire chirurgie, aller regarder comme ça, faire comme ça, mes glaçons. Eh, je mets bien. Mon long menton a toujours été là. Je vais pas faire la chirurgie sur le menton. Mon long menton va toujours être là. Je vais pas faire la chirurgie pour ça. Ma peau est plus foncée ici que là. Ça va rester comme ça. Ça vous choque tout, vous capturez, vous mettez où vous voulez. Je prends le temps à perdre. Je vais venir pour faire un truc. Je vais faire le fond de teint. Je sors du travail. Je viens de faire mon truc. Je vais faire le fond de teint pour vous voir. Par rapport à quoi? Vous me payez avec quoi? Vous me payez avec quoi? Avec tout le temps qu'il y a à faire. Pardon. Occupez-vous de vos vies. Essayez d'organiser le reste du temps qui vous reste avec un peu de force. Parce que les maladies, avec nos âges, nous toutes là, dans les bassins avancés là, les quand choses arrivent. Eh mon amour? Ah, j'ai ton téléphone. Les quand choses qui arrivent avec les années et tout ça là. On, ah, ça va pas, ok. Mais je lui ai dit que je l'appelais. Il est sorti là tout à l'heure. Moi, tu peux me donner un verre d'eau, j'ai oublié ma gourde. Livie, attends, demande à la beauté. You know that I walked from the train to here? Nothing, no car? There was no bus. No, ok. Why you call me? That's all there. Mais tu m'appelles, je prends même ça, je l'ai dit qu'elle pas chercher ma fille avec eux, non. Non, tu m'as bien dit, hein, mamie. Oh, oh, mamie. Ça va, beauté? Ça a été, beauté? Oh, la fatigue. J'ai fait du spaghetti. Carbs. I cannot eat that. Tu veux pas le spaghetti? Non, non, j'ai fait ta tomate sans mettre. On a mis la tomate sans mettre. Oui, bien sûr, j'ai retiré. Bien sûr, beauté, toi aussi. J'ai fait du spaghetti. Quand je suis en train de j'ai vite fait. Je voulais que papa mange avant de sortir. Donc, je vous aime, non? Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Le Glutathion est là, de la marque Glutathion, le Glutathion liposomal. Voilà. Donc, vous me contactez si vous en avez besoin. Moi, je fais des livraisons, oui. Et aussi, par la poste aussi, j'envoie. Voilà. Donc, c'est ça. Et je suis d'accord avec ça. Mon neveu a eu le bac à 15 ans avec des gars de 20 ans. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Et ils vont te dire que, oh, j'ai fréquenté avec lui, donc j'ai même âge, n'importe quoi. C'est toujours moi ici, la vieille. La vieille, avec les poches. Je sais toujours un truc, c'est ma grand-mère. C'est l'héritage de ma grand-mère. Tu ne peux pas être l'enfant dans ma famille. Beaucoup de gens ont ça. Je vais venir faire la chirurgie. Mais, reposer. Personne ne vous marie, mais toutes les choses que vous êtes belles. Jolie, belle, jolie, belle. Personne ne vous veut. Ha! L'autre est là avec les joues et la vipère. Vous me faites toujours pécher. Il faut qu'avant de dormir, je dois prier parce que j'ai trop péché. Voilà, à cause de vous. L'autre dit qu'elle va me taper, qu'elle va venir à Paris. J'ai dit, Fonja. Non, pas Fonja. Biaï. Binda. Biaï. Locote. Ma make-up. Tu peux sortir comme ça là, montrer ta tête. Challenge tête comme ça et permis de conduire. Voilà les deux choses que je te demande. Quand tu as trouvé les deux choses là, tu viens me voir. À 5 ans, combien d'années tu n'as même pas encore? Tu n'as même pas encore touché un volant. Tu veux me parler? Moi, je quitte ici pour aux États-Unis, 10 heures de route. Tape ça propre. Je reviens. Machine tourne, machin ceci. Tu peux? Regardez-moi ça. L'ose se louer que je vais te taper. Je vais, quand ça vous dépasse, tu as dit que tu clashes, non? Viens aboyer sur moi. Tu cambres ou banjokeye. Petite peste. Tu es toi à la recherche de Sugar Daddy, Gabon, Guinée, Niger, tout. Aucun sugar daddy ne t'a pris. Tu es venu à Bouti chez papa Fonja. Lui-même, Marie a dit que je prends mon gars. C'est une fille basse. Elle a pris ça. Voilà. Et là, tu parles chinois. On t'a jeté comme une vieille chaussette. On m'a dit que j'ai ce fait, j'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as pas de mari. Ton mari n'est pas parce qu'il a fait des allocations. Tu vois que mon mari a pris des allocations près. Tu avais fait comme ta tante qui prenait des allocations à Le Bon pour l'acheter le sac à main de Coco Chanel ou je ne sais même pas quoi là. Moi, j'ai acheté le sac à main au magasin pour tenir le sac à main. Elle prend l'allocation pour nourrir les enfants. Elle fait la mamie de Sanga. Elle pose aux enfants, elle part. Hein? La Rose a dit que je dis dans mauvais rêve. La Rose a dit, l'étoile cribienne a dit, Amer Kamer a dit, Oshiga a dit, je suis comme ça.
Il ne faut pas me chercher. Je ne cherche pas les problèmes, je vous garantis. Hein? Non, non. Quand tu fais même non, je fuis. Quand tu fais même, je fuis. Quand je vois quelqu'un qui vient, je fuis même. Mais quand tu viens sur moi, la carte que Lolo Fondja a fait là, Lolo Mpiaï, Lolo Mbinda, la carte que Lolo Mbinda a fait là, hein? M'assois sur toi. Regarde-moi sa tête. Petite parasite. Tu as vu tout un direct demander l'étoile à qui? Mendiante que tu sois. Tu attends les quatrièmes fauteuils de tu. Les premiers fauteuils, tu as vendu. Le deuxième, tu as vendu. Mettre même chez la petite qui te reçoit chez elle, ça t'a dépassé. Porter même le fauteuil à Reims pour amener à Paris, ça t'a dépassé. C'est Black Beauty qui devait porter pour amener. Et c'est pas que même Black Beauty a quitté derrière. Même maintenant, elle a encore tourné. Je ne sais même pas. On a même souvent ma petite soeur là. Moi, on va se trouver quoi au village, autour aussi. On va parler ça au village. Je ne peux même pas vous donner l'occasion. Elle est bloquée parce que vous êtes un cadeau. Partez avec. Ya! Yeah. Tu appelles l'enfant, il faut qu'elle mette le carburant, il faut qu'elle appelle. Tu appelles l'enfant, il faut qu'elle vienne. Il faut que tu ne mets même pas un kick dans sa voiture. Elle doit monter, descendre. On t'a vite lu. Petite parasite. Viens me parler, tu vas me taper. Et ça, tu vas attacher mes mains pour me taper. Je t'attends. Pendant que tu es prêt aussi le visa, que ta tante me laisse faire les papiers, c'est une agente à l'immigration. Elle t'a pas fait le visa, pourquoi? Toutes les choses qu'elle dit qu'elle faisait aux gens, pourquoi elle n'a pas fait le visa à ta tante? Hein? Même pas honte. Depuis qu'on te connaît, tu voyages que dans ta tête. Voilà la voyageuse qui est à Miami. C'est ma collègue. Je me fâche, je pars même la rejoindre à Miami, même ce jeudi. Je dis, oh oui, je prends l'avion. Maman, j'entre dans le vol quand je veux. Tu comprends avec quoi? Là, voilà à Miami. Toi, tu voyages dans ta tête. On t'a vu partir où? En Allemagne, en Italie. Pas même en anglais, on voit. Petite peste. L'autre fois, tu allais à Abidjan, tu cherchais un sugar daddy. Tu étais où? On t'a vu avec qui? C'est à Abidjan, je suis passé dans les télés. Tu rêves. J'aimais beaucoup Denise Porter. Denise Porter, c'était une intellectuelle. Hein? Elle a une licence et une maîtrise. Elle n'est pas venue s'asseoir et prendre la télé et dit oui, bonjour, c'est Tata Lolo TV. Elle s'asseoir, mais le mec, seulement les pompés. Mon Dieu, les chapes même de coups de 10 personnes. C'est son homme télé, Dieu. J'ai beaucoup aimé Denise Porter. Tu peux parler comme elle. Franchement. Ils sont là. Ta soeur même, Ndiaye, qui est pas quelque part, on voit Mbinda. Même au Cameroun, ils ne savent pas si elle peut partir. Le conseil avait la photo sur le calorifère qui peut brûler le calorifère. On vous parle, vous dites qu'on a insulté votre mère. C'est le mensonge. Je dis que c'est comme ça que les blancs mettent les photos. Quel genre de blanc tu as côtoyé? Les clochards. Parce que justement, ils sont prêts à partir. C'est pour ça que c'est sûr. Le calorifère est toujours vers la porte. Et quand on entre, ça doit chauffer la maison. Donc, ils sont tous prêts à partir. C'est pour ça que la photo est là. Et quand on leur dit, allez, sortez de la maison. Ils prennent la photo vers la porte. Parlez à qui? Voilà ma photo posée là. Dans mon foyer conjugal. Montrez pour vous. L'âme. N'ayez même pas honte. Et vous, regardez, vous êtes malheureuses les unes les autres. Toutes malheureuses. N'ayez même pas honte. Vous êtes dans la retranscription. En train de me regarder. Vous regardez votre patron, votre professeur. Je vous donne les leçons. Oui. Partout chez moi, on vous a dépassé. On était les alliés sur vous. Nous avez perdu. Achoukangangalik. On ne sera plus là. On ne sera plus dans les médiocres. Nous, on a changé de camp. On est maintenant dans les bien gens. Oui. On n'a plus besoin des bas gens auprès de nous. Vous êtes des personnes non gratas. Vous faites comme si vous offrez des trucs et puis par derrière, vous venez casser les gens. Je suis votre prof. Je vous enseigne ça propre. You're going to learn something with me. Vous allez apprendre. Il a un. Bon, mon pion. Ça va. À la main. C'était ton mot là-bas à la réunion. À la main. À la main. Jusqu'à la demande au barante. Que veut dire un la main? On lui disait toi à la réunion que. À la main. À la main. Tout le monde recule. À la main. Jusqu'à un jour, elle a dit que. Hey, que veut dire? Elle était dans une réunion des parentés, elle était la seule à ça. Que veut dire un la main? On l'a regardé souvent son cœur. Quelqu'un lui a dit que ça, c'est ce que tu sens. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle sentait à la réunion. Ish. Ish. Vous voulez me parler? C'est bon, Jean, hein? On m'appelle seulement. On dit que ma mère, l'autre ici là, voici ça. L'autre ici là. Celle de maman de, avec sa face comme le lézard. Afoube lézard. Boulibabak. Boulibabak. Et sa face comme le lézard. Le gars de comme Kanala, le fils de Banza, qui t'a fait l'enfant, fuit jusqu'à. L'enfant lui ressemble comme Dogme, il a fui jusqu'à. L'autre, si, le papa du dernier, là, lui, il est seulement parti aux hommes. Qu'un homme te quitte pas aux hommes, c'est grave. Voilà. Kamta, tu dis que je peux clasher 30 personnes en 5 minutes. Hé, hey, Kamta, tu es. C'est que les filles là sont alignées devant moi comme ça. Qu'elle les prend, elle les met tout ça dans un kouta. Elles sont dans le Minkuta. Mais il y a un j'ai mis le Minkuta, non, le Minkuta, comme étaient les Wakabo là. Je les ai mis toutes dedans. J'ai mis l'eau tiède. J'ai versé la poudre de piment.
J'ai attaché sur le cadenas, j'ai allumé le feu. Tu vois, vous devez encore là. L'autre pousse. Mina est là. Le lait est là. Oui, je suis allé, j'abois. Oui, je vais te clasher. Non, non, non. Je dis comme ça. Après, elle fait. Elle est. Tu peux dire quoi? Tu vas clasher quoi? Regarde-moi ça. Elle comme ça. Tout le temps, tout le temps. Elle est fatiguée. Tape sec. Je dis les choses. Vous allez apprendre avec moi, obligé. J'ai oublié qui dans tout ce vrac là. C'est le morgue, je ne le calcule même pas. La momie ambulante là. Je sais que lui, il est branché par Sivi Sakakaka. Sivi Sakakaka, il veut dire quoi sur elle? Mieux vide seulement c'est caca, non? Voilà. Il y a qui encore? J'ai oublié qui, Kamtachou, c'est toi qui connais. Kamtachou, mais là, où, maman? J'ai oublié qui dans le petit groupuscule de gens là. Pense qu'ils vont mettre. Qui Dorcas? Laissez mal le Fomo. Tous les chariots de Yaoundé, les têtes de le Fomo, c'est sa tête. On ne pique qu'un. Tu vois, souvent, tu vois le Fomo, tu dis, je veux deux. Tu regardes comme ça. Tu piques la tête, c'est comme ça. Tu piques l'autre, le bois gonflé. Tu piques l'autre, c'est penché. Tu piques l'autre, c'est que blanc en bas. Tu dis, ouais. C'est quel le Fomo qui est même gros ici. Ça, c'est le Fomo, c'est son nom. Ah, j'ai oublié Mongue. Mongue, c'est ma petite soeur. Dans tous les âges de Facebook, Mongue est venu se mettre en bas de moi. Mongue a dit que je l'ai trop cherché, je voulais être son ami. Pourtant, elle avait insulté Marthe au restaurant. Elle ne cherchait pas pour aller manger au restaurant. C'est quand j'ai eu mon souci à l'aéroport, c'est 2019. Tu m'as appelé beaucoup, mon gars. Tu as oublié. Tu m'as appelé, tu m'as rappelé. Tu vois, quand t'as volé 5 ans, c'est monté, c'est descendu, qui quoi. C'est mon gars. C'est qui encore? Mon gars, il ne peut pas la gérer, dis donc. Mon gars, seulement Malène fait sa fête. Malène, seulement pour mon gars, non, et ça et toi. Malène fait sa fête propre. Malène ne tourne pas. Il y a encore qui que j'ai oublié. Pas mes. Eh, Panjansa, on dirait que tu as pris le congé. Il est content, hein. À cause de lui, nous voici. Le camarade de ma CCC. Mais tout ce qu'on parle ici, la personne qui finit avec le procès, c'est Ngomopion. Vous savez que le bruit est collectif. Hein? Le bruit est collectif. L'échec est individuel. C'est qui finit un procès, comme la série sur le gâteau, c'est Ngomopion. Dans tout ce qu'on a parlé, le resto se va tranquille. Ngomopion finit avec son procès propre. Ça ne chauffe pas. Continue-toi à attaquer les enfants. Mongue a 51 ans. Elle a vu que j'ai 50 ans, elle est venue se mettre en bas. En bas de moi. C'est mes petites soeurs. Au lieu de respecter la grande soeur que je suis, elle manque de respect. Voilà Lolo Fondja qui dit qu'elle a 46 ans. 45 ans, 46 ans. Et c'est ma petite soeur. Mais elle me manque de respect. Ouf, respectez vos aînés. Hein. C'est que les prostituées ne respectent rien. Et les femmes, les gens qui ont décidé de pickpocket, les type women. Mais respectez vos aînés. Hein. Ils ont vécu avant vous. Ils l'ont autant que vous êtes. J'ai oublié qui? Ah, mes. Il était sorti des manques. On va sortir les odieux. On va trahir les voleurs. On va ceci, cela. Toto Tonga a volé. Elle est dans ta team. Elle vient de rejoindre sa famille là. Elle était dans le direct de Grève Mbinda. Oui. C'est elle que tu voulais dire, pas mes. C'est elle la voleuse. Avec la PDG des plantes, elle est voleur. Du cadavre même. Je le vois même, j'ai même pitié de lui. Lui, là, c'est un esprit errant. Depuis l'époque avec Flo, on payait 100 dollars. On lui donnait 100 euros, il se lève, il ouvre la caméra, on m'insulte toute la nuit. Mais maman, veux-tu porter même plainte à Ngomopion? Elle va te dédouaner. Maman, c'est pour ça que je n'avais jamais porté plainte même à Flo. C'est des parasites. Elles vont prendre l'argent où? Je dis que tu allumes la caméra, tu les laves sec, c'est bon à toi. Parce que pendant que les vidéos marchent dans toutes les places, t'as pas aussi. Et les Congo, ça, ils sont ici, ils ont rien coupé. Et les Congo seuls, non, ils ont rien coupé. Oh, il y a les parties qui font bababab, les parties qui font bababab. Ils coupent. Oh, ils me mettent partout. C'est ça qui est bien. Donc, on me voit, quand on parle, non, on dit que la mère, on l'a lavé. On dit aussi, on me voit entre les réponses, c'est tout. Ça chauffe pas. On va faire ça propre. Et puis, le l'autre chose que tu vas me taper, si tu me tapes pas, moi, oui. Moi, là, on dit oui. Quand elle vient la prochaine fois à Paris, je t'informe l'heure, l'aéroport, tout. Oh, tu viens me chercher pour me taper. Sinon, c'est moi qui vais te trouver à Reims. Imbécile. Et t'as ton sale appartement dépareillé là. Tu vois, les armoires sont comme ça, l'autre penche comme ça, l'autre penche comme ça. Venez me parler. Ouf. On a trop de longueur d'avance, on n'est pas la même chose. Quand vous regardez, je dis, mon Dieu, mon chemin a croisé celui des pestes, des cancres, des salopes. Imbécile. J'ai une vie de famille rangée. Hein. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui m'ont envoyé aussi des étoiles. Merci beaucoup. J'étais contente de voir une sœur que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. C'était peut-être deux ou trois. Merci ma CCC Amélie. Merci pour la confiance.
Et l'entrepreneuriat, j'adore. J'aime les femmes ambitieuses comme toi. J'ai beaucoup aimé ta vidéo déjà que tu as faite sur moi. J'ai eu des petits extraits. Et aussi où hier, tu étais toute belle, toute... Franchement, il t'insulte avec des jambes, surtout le pancre de Morguet, là. Mais hier, là, oh mon Dieu, tu étais tellement stylée. Une femme, écoute, comme une guitare, hein. Franchement, très, très belle, hein, Amélie. En tout cas, la Glita Boss de la marque Glitaline, je suis très fière de représenter tes produits. Et merci de la confiance. Franchement, je suis allée vraiment avec mon intuition, parce que j'ai vraiment une intuition qui m'a dit que j'étais victime de ce que tu vivais. Et je me suis un peu vue en toi, parce que ça... Vous savez, ce n'est pas évident de prendre ses deux pieds, aller vers quelqu'un de gaieté de cœur et puis se retrouver dans un carrefour de lynchage et d'affichage comme ça. Alors, tu as mon soutien, bec et ongle. Voilà, je suis avec toi, ne t'en fais pas. Et je te fais confiance. Je sais que tu es capable de te défendre, d'abord dans un français très limpide. Je ne vais pas dans la ramasse. Voilà, et c'est ça. Alors, Flore, ma collègue depuis Miami, je t'envoie un coucou. Voilà, profite bien de ton séjour à Miami. Je n'ai pas de haine contre toi. Je suis contente parce que ça m'a pris beaucoup d'années pour te faire comprendre un certain nombre de choses. Bien que tu fais la grosse tête, tu es quand même têtu comme un âne. Mais tes adeptes, c'est pour ça que je vous parle toujours de vos teams qui doivent être dissous. Tes adeptes qui ont les connexions de 25 francs, qui passent le temps à m'insulter. Moi, je n'ai aucun problème. Je m'en fous royalement. C'est vrai que c'est toi qui avais lancé cette machinerie de cachambe et de tout ça. Et les autres ont emboîté le pas. Mais je ne sais pas. Peut-être c'est toi qui vas aussi donner le coup d'envoi pour arrêter tout ça. Je ne sais pas. Mais moi, ma famille se porte très bien, par exemple, Flore. Mon chéri va bien, mes filles vont bien, ma famille va bien, ma belle famille va bien. Ça souffre de rien. Donc, tous les racontages autour de ma vie, c'est vraiment, vous me rehaussez, vous faites que m'élever, me rehausser, me permettre de considérer encore plus ce que j'ai, parce que je me rends compte que c'est vraiment un joyau. Et vos yeux sont vraiment braqués là-dessus. Ça fait que je travaille très fort pour encore préserver et garder ce que j'ai. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment un trésor dans la main. Alors, je bénis le ciel pour ça tous les jours. Et je vous souhaite aussi de tomber, n'est-ce pas, sur vos différents chemins, dans des choses qui vont vraiment rendre votre vie, avoir un peu plus de bonnes choses et de pep dans vos vies respectives. Mais je vous tiens à distance, malheureusement. Parce que quand le serpent te mord, tu vois même le mille pattes, tu fuis, en fait. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les partages. Je sais qu'il y a eu beaucoup de partages. Je salue les retranscripteurs, les Lolo Manioc, les Lolo Kasinga, les adeptes déchus de leur patronne déchue. Je salue la nouvelle patronne de la team des Lolo Kasinga, Ngomopion. Et je salue la secrétaire générale de Lolo Kasinga, Mémé Jou de Vipère gonflée avec Sibonka. Je salue l'adjointe de la secrétaire, la tête de lézard et maman de Lagos. Ensuite, je salue la rêveuse, celle qui rêve ma vie, Gombinda. Je vous salue vous toutes, ok? Les vieilles chouettes. Sans oublier Malo Fomboudokas. N'oubliez pas, chaque jour, insultez-moi, réinsultez-moi, réinsultez-moi. Ça me galvanise, ça me permet de me propulser. Et les excuses des cieux sont en ma faveur, donc je m'en fous, royalement. Je vous salue toutes en vous depuis vos places respectives. Merci de la retranscription. Merci de m'avoir suivi. Merci des battages. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Oui, j'ai le cardio. Je suis prête. Ciao. Guitation de là aussi. Guitation. J'ai dit que souvent je dors, non. Je me lève encore. Je suis même bien encore comme si. J'ai dit qu'il y a comme une vieille mère comme ça, encore la force comme ça. Bisous. Hein. Bye.